Dans une forêt inconnue, quatre héros sont autour d'un feu. Ça fait quelques heures ou quelques jours pour certains qui voyagent ensemble. Et pour la première fois, ils ont décidé ce soir de se présenter les uns aux autres et de se raconter leur histoire. Donc, le premier, c'est l'alchimiste qui s'appelle... Niklas von Trunkel, bonsoir. Bonsoir, Niklas. Alors, Niklas, à quoi tu ressembles ? Je suis un fier jeune homme sorti major de promo de mon université d'alchimiste de Knigas. Je porte écoute, les fiers habits de mon université avec dans mon dos l'emblème de l'université. J'en suis encore très fier, même si j'ai eu quelques démêlés suite à des célébrations un petit peu excessives et dénudées et alcoolisées. Mais bon, j'avais trouvé comment transformer pour de vrai le plomb en or. Donc, quelle est ton histoire ? Comment tu es arrivé là ? Écoute, c'est vraiment partie de cette histoire de plomb en or. J'ai réussi, je suis un des premiers de l'histoire à avoir réussi, car je suis brillant, évidemment. Mais du coup, voilà, célébration un peu excessive. Du coup, mon professeur Ingramus, qui est un petit peu jaloux, je sens un peu de jalousie dans son attitude, m'a proposé une quête d'aller chercher un sceptre au fin fond du territoire, loin de mon université. Je ne prends pas du tout ça comme un renvoi à l'université, je prends ça comme une ultime épreuve. Je trouverai ce sceptre et je reviendrai pour me faire couvrir de gloire. Niklas est parti de son pays natal, donc il s'est retrouvé dans un autre pays qui est le vôtre. Et il ne parle pas tout à fait la langue, il a un accent bizarre. D'ailleurs, il a un look un peu bizarre et une tête bizarre. Mais comment ça ? Je suis à la dernière mode dans l'université. Et en plus, il faisait un métier bizarre, c'est-à-dire qu'il fabrique des potions et on ne comprend pas trop l'intérêt ou quoi que ce soit. Mais il a commencé à essayer de vivoter comme ça, ça ne s'est pas très bien passé. Et parfois même, quand il allait dans un village, les gens voulaient le brûler. Et un jour, ça s'est mal passé. Vraiment, il était acculé contre un mur et qu'on allait le brûler comme on brûle les sorciers. Injustice. Quelqu'un s'est mis en avant et a pris sa défense. Ce jeune homme, c'était Atlan, qui est là. Ravi de t'avoir sauvé. Merci Atlan, merci. Et alors, donc Atlan, ton nom complet ? Alors moi, c'est Atlan Greten de Quirk. Je suis noble, hein, comme tu peux l'imaginer sur mon... Ou tu le prétends, en tout cas. Sur mon nom. Je suis noble, mais j'ai une histoire un petit peu particulière parce qu'en fait, je fuis depuis 5 ans maintenant, puisque tout se passait bien, j'ai vraiment grandi dans le luxe, j'ai manqué de rien, mais du jour au lendemain, mon valet, un soir, m'a réveillé, m'a dit « Faut que tu t'en ailles, il faut fuir ta vie actuelle, quelqu'un veut te tuer, une organisation, je sais vraiment pas qui cherche à me tuer. » Et j'ai pris mes affaires, tout ce que j'ai pris, c'est une dague avec moi, une dague qui a un étrange symbole dessus, que j'essaye de trouver, dont j'essaye de trouver la signification. Donc j'ai fui, et depuis 5 ans, j'erre maintenant dans les rues, ce qui m'a permis un petit peu de rencontrer le peuple, ce que j'avais pas forcément fait avant, et les comprendre un petit peu plus. Je suis aujourd'hui pressé de trouver quelle sera ma destinée, pressé de trouver mes assassins, prétendus assassins, je ne sais pas. Dernier petit point, Atlan, quand on te regarde, tu ressembles à quoi ? Alors j'ai 26 ans, on voit que j'ai grandi dans le luxe, mais que depuis quelques années, je fuis. Donc, je porte une petite veste en cuir qui est noble, qui l'était peut-être, qui est un petit peu abîmée aujourd'hui. Voilà, je suis quelqu'un de fuyant, mais de sûr de lui. Alors, il y a une petite symbiose, on va dire, avec Niklas qui faisait les potions et Atlan qui empêchait Niklas de se faire brûler. Donc, ils ont fait un petit peu de route ensemble. Et parfois, ils arrivaient à vendre leurs potions, ça se passait bien. Et parfois... ça se passait moins bien. Et un jour qu'ils n'avaient pas réussi à vendre leur potion, il y a quand même quelqu'un qui était intéressé par la science, les sciences occultes, qui leur a offert un repas en disant « Expliquez-moi ce que vous faites. » Et cette personne, c'était le magicien qu'on a là. Bonjour, c'est Clodomir. Qui sous sa cape a un bonnet. Et, oui. Alors Clodomir, dis-nous ton nom complet, Clodomir. Je suis donc Clodomir de Cuivrechamp. Et quand on te regarde, tu ressembles à quoi ? Je suis un jeune homme assez frêle. Peu assuré, plutôt pas l'eau, rôle de composition. Et donc, quelle est ton histoire ? Mon histoire est assez, assez compliquée, voire complexe. Je préfère pas trop en parler. Disons juste que j'ai terminé ma formation de magicien l'année dernière et qu'à l'issue des formations de magicien, on doit parcourir le monde pendant une année complète. Là, j'approche de la fin de mon année de découverte. Très bien. Donc, Ils ont un petit peu, on va dire, échangé sur leur savoir commun. Comme le magicien n'avait pas de destination particulière, ils ont dit « Bon, on va faire un petit bout de route ensemble. » Ils se sont perdus et ils étaient en plein milieu d'une forêt inconnue. Donc, ils ne peuvent même pas dire où ils sont. Et à un moment, fin de soirée, ils sentent qu'ils sont suivis par des gens un petit peu dangereux, des bandits de grand chemin, en fait. Et il y a plusieurs bandits de grand chemin qui les prennent en embuscade.
Et là, il balise un peu parce qu'il n'y a personne qui sait vraiment tenir une épée parmi vous trois. Mais qui arrive, qui se découpe au fin fond des bois, une guerrière. Cette guerrière a massacré, est arrivée à massacrer les bandits de Grand Chemin. Elle était à leur suite parce que c'était des bandits qui avaient, on va dire, mis à sac une ferme non loin. Elle avait juré de les venger, cette guerrière. Cette guerrière, c'est... Keitra, la gladiatrice. Alors, Keitra, à quoi tu ressembles, Keitra? Et alors, du coup, moi, je, donc, assez petit gabarit, mais vous remarquez quand même que je suis assez musclée. Vous remarquez aussi que j'ai pas mal de cicatrices un peu partout. J'ai vécu. Et j'ai un foulard, en fait, qui me cache un peu le visage. Des yeux assez sombres. Et surtout, dans le dos, j'ai deux énormes haches que vous remarquez un peu dépassées dans mon dos. D'accord, c'est comme ça qu'elle tue les gens, avec des haches. Oui. Et couverte de sang, donc elle vous raconte cette histoire, son histoire qui est... Bah du coup, Keitra, donc ne vous fiez pas à mon petit gabarit parce que vous pourrez compter sur ma force. Ah, je suis née esclave dans la cité de d'Achanul. Et mes parents, en fait, étaient pauvres et désespérés, m'ont vendue pour être jetée dans l'arène, en fait, pour être jetée au lion. Et il se trouve que j'avais un certain don pour le combat. Et en plus, j'ai découvert que j'aimais ça, en fait. Donc, j'ai un peu enchaîné les exploits et j'ai très vite été acclamée par la foule. Donc, je me suis affranchie, j'ai parcouru le monde. Je suis arrivée dans la cité cachée d'Irem parce que je voulais trouver un trésor. Et je me suis fait arrêter par les gardes du sultan. J'ai réussi à m'échapper, parce que je m'échappe toujours. Et me voilà parmi vous. Voilà. Merci pour le sauvetage. Quel est ton nom complet? Keitra d'Achanul. D'accord. J'ai pas de nom de famille, en fait, c'est juste la ville d'où je viens. Voilà. Est-ce que ces histoires sont vraies, partiellement vraies ou partiellement fausses? On le découvrira peut-être au cours de l'aventure. Mais en tout cas, vous vous êtes raconté cette histoire, vous avez fait ça, un petit feu dans la forêt, et sous des étoiles propices, vous avez décidé, après avoir chacun entendu l'histoire les uns des autres, qu'avec... votre talent, vos connaissances, votre finesse, votre force, eh bien, vous pourriez vous emparer d'un destin de gloire et de richesse et peut-être de noblesse. C'est le début d'une grande aventure. On propose qu'on trinque. Allez, ouais, allez, trinque. On prête pour notre gloire future. À l'aventure. Je ne vois que des belles choses pour nous. Voilà. Pas, le reste n'est pas possible. À l'argent. Et à tous les gens qui me sauvent la vie depuis le début. Trinquez bien parce que deux jours plus tard, la situation est catastrophique. Vous êtes toujours dans la même forêt, totalement perdu. Vous vous disputez sur la direction à prendre. Vous enjambez des torrents glacés, vous avez froid, vous tournez en rond. Et plus grave encore, vous n'avez rien mangé. Vous êtes plutôt faible quand un soir, vous voyez une lueur dans la nuit. Alors comme Keitra d'Achanul était à la poursuite de bandits de grand chemin et que vous ne les avez pas tous tués, peut-être ce sont des bandits. Donc elle se faufile derrière un arbre, elle jette un œil. Alors attention, Keitra, là j'ai la description de ce que tu vois, je vais te le donner 5 secondes et je le reprends, d'accord? D'accord. Voilà, donc là, Keitra arrive, elle regarde, elle entend un petit peu, et elle va me rendre ce papier maintenant. Ah là, mais il n'y a pas grand-chose. Ah oui, il ne faut pas tout voir. Et elle revient, et elle dit, voilà ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu deux hommes, en fait, au coin du feu, qui faisaient rôtir un lièvre et un homme pendu, accroché à une branche. Ça sent bon, la viande grillée. Hein. Du lièvre, j'espère. Oui, c'est du lièvre. Okay. Est-ce que ces deux personnes qui font cuire le lièvre pourraient faire partie de la bande de bandits que tu as mise en déroute? Peut-être. Des armes, t'as c'est possible. Je n'ai pas eu le temps de voir. Ils avaient l'air comment? Je pense qu'ils devraient être armés. Hein. S'il y a quelqu'un qui est pendu à une branche d'arbre... Ça peut être un accident. C'est vrai. Ou alors, ce sont peut-être deux personnes droites et juste qui ont arrêté un bandit. Peut-être. Après, ils ont de la nourriture. Ils ont de la nourriture. Ils ont de la nourriture et on est en supériorité numérique. Partager ou... Partager de force. Partager de force, exactement. On est en supériorité numérique. Je rappelle quand même qu'il n'y a qu'une seule personne ici qui sait manier quoi que ce soit. Parce que c'est vrai. T'as bien un petit point fond là. J'ai une petite dague. C'est vrai. On peut les effrayer aussi. Est-ce que vous avez une approche particulière? Peut-être Atlan, tu peux aller leur parler. Ah, direct, comme ça. Bah, c'est toi le diplomate. Écoute, j'y vais, alors, aucun problème. Quelle est ta stratégie? Alors, ma stratégie est très simple, je vais jouer au diplomate, je vais m'avancer, hola voyageur,
Moi, je reste pas très loin de lui, si jamais quel ça... Quel bon vent vous emmène, voilà. On est là, on est... Tu vas tout seul ou ensemble? Alors, je vous demande quand même de rester derrière, à distance quand même, planquez-vous derrière des fourrés. Si jamais vous sentez que ça tourne mal, je sifflerai très fort et vous rappliquerai, ok? Enfin, tu siffleras très fort et Kétra se rappliquera. Et Kétra, voilà. Kétra, si possible, tu... Non, on vous encouragera. Très bien, voilà. Donc, je m'approche en gentilhomme. Alors, tu t'approches, ils te voient arriver, toi t'arrives les deux mains levées. Eux, ils sortent tout de suite leurs épées. Ça commence bien. Voilà. Bon, jusque-là. Bon, un voyageur en plein milieu de la forêt. Tout à fait, bonjour messieurs. Bon, alors tu vas commencer par donner tout ton or. Ah, alors déjà j'en ai très peu, j'en ai très peu. Bon, on va se contenter de ton épée, je crois que t'as une épée, alors, t'as ça, une dague. Alors ça, jamais de la vie. Là, je mets la main sur la garde, si jamais il s'approche, je pars au combat direct. L'or, je veux bien, la dague, jamais. Non, mais tu n'as pas d'or sur toi, de toute façon. Quelques sucettes, dirons-nous. D'accord. Alors, c'est le moment depuis les fourrés où... Qu'est-ce qui se passe là? Avec Clodomir, en regardant avec insistance Kétra. Je suis en défensive, tu les laisses t'attaquer? Je leur demande, mais... Il s'approche avec les épées tirées. Les épées sorties, j'en fais. Calmez-vous, messieurs, calmez-vous, je ne suis pas là pour chercher le conflit. Alors, tu as une compétence apaiser les cœurs. Alors, exactement. Vas-y, alors, tu as combien cette compétence? Alors, en apaiser les cœurs, j'ai 80. Donc, lance un dé à 100 faces, il faut que tu fasses moins que 80 et tu me dis combien tu fais. Il faut que tu me lances un autre dé de dignité. Exactement. Comment tu 92. Ok. 92, très bien. Ok, mec, donc tu ne les convaincs pas du tout. Écoutez, il charge. Ok, donc là, je siffle, je ne sais pas siffler. Voilà. Kétra, il va falloir y aller. Je siffle très fort. J'attaque, je sors du fourré. Attends, cours. Pendant que tu attaques, de toute façon, ils ont le temps de donner un petit coup d'épée à Atlan qui perd 2 points de vie. Tout va bien. Ok, et donc toi, tu sors des fourrés. Vas-y. Alors, tu. Cours vers eux avec tes 2 haches ou tu lances une hache? Alors j'en lance là, une. Là, faut se dépêcher, là. J'en lance une sur un des deux. D'accord, vas-y. Tu as combien? Alors, j'ai... Là, le score, c'est 40. 75. 45, c'est bon, ok, ouais, d'accord. 45, c'est bon. Et tu as fait 45. Et tu peux me lancer un dé à 8 faces? Oui. Pour les dommages. 5. D'accord, attends une seconde. Alors, Kétra arrive avec un petit rugissement, peut-être. Oui, un cri de guerre. La hache vole dans les airs. Elle tombe en plein dans le torse d'un des bandits. Une gerbe de sang terrible. C'est toujours très gore quand Kétra intervient. Et l'autre, il voit il voit la hache, il voit qu'il y a d'autres personnes. Et il s'enfuit. Est-ce que vous voulez le poursuivre ou est-ce que vous le laissez partir? Bah, on le poursuit. On va l'interroger quand même. Donc, toi, tu le poursuis. Ouais. Donc, j'allais me contenter du lièvre, mais allez-y, mes amis. Je vais surveiller le lièvre. Tu as une compétence en courir sauter. C'est la première en haut à gauche. C'est ça. Vas-y, lance-moi les dés si on s'en fasse. 80. Pile. 80. Donc, attends, je vais quand même, pour la beauté des choses, très bien. Alors, tu cours après lui et il disparaît dans les forêts. Ah, tu aurais pu en tuer 2 alors que tu en as tué 4. Vous voyez, voilà, auprès d'un feu, et comme vous êtes très fin, alors vous pouvez pleurer devant un homme qui est viscéré, ou aussi manger un morceau de lièvre. Est-ce qu'on peut fouiller ses poches éventuellement? Ah, je vous envoie le magicien qui travaille bien. Alors, Clodomir, même pas, Clodomir fouille les poches du premier bandit. Il a une broche d'argent en forme de lune. Ainsi forme qu'une carte, tiens. En forme de lune. Tiens, une carte. Attendez, il a une broche d'argent et une broche. Une broche. Oui, une broche d'argent. Non, mais notez pas des broches, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une, c'est moi qui l'ai, les gars. Comment ça? Bah, vous décidez qui qu'il a. Pour la suite. Bah, je la prends. Hein. Sinon. Et pourquoi? Bah, parce que je l'ai trouvé. D'accord. Mais vous avez bien de la chance que. C'est le principe de la propriété. Sous que je mets là. Je vous laisse les. Écoutez, si on prenait la broche d'argent, je pense que non, c'est parti. On va se répartir l'argent. Moi, j'ai quand même beaucoup participé à la tuerie, là. Tiens, ça, c'est pour toi. J'ai quand même initié le combat. J'ai surveillé le lièvre. Ok, très bien. Et je prends. J'ai droit à un sou. Je prends tout et je vous en laisse une chacune. Donne-moi une petite pièce en plus. Merci. Ok, donc moi, j'ai 0 pièce. Mais j'ai une broche d'argent. T'as une broche d'argent? Une broche d'argent. Une carte d'argent. Alors, la carte, qu'est-ce que c'est, par contre, avant qu'on s'avance? On mange d'abord ou on regarde cette carte? Je vous dis une dernière chose. Il y a une armure de cuir ouverte sur le milieu, couverte de sang puante, et une épée rouillée. Pour qui voudra? Écoutez, moi, je trouve que c'est extrêmement grossier comme arme, donc je vous la laisse. Je préfère ma dague. Moi, j'en veux pas, j'aime bien mes haches aussi. L'armure de cuir, elle est abîmée, là, hein? Oui, elle est ouverte sur le devant, et puis surtout, elle est couverte de sang chaud encore, mais... Oui, mais ça se nettoie. Oui.
Non, mais je la laisse. Alors, par contre, on a fouillé le cadavre du premier bandit, mais on n'a pas fouillé l'homme pendu. Alors, il y a un homme pendu. Je décris un petit peu la scène. Un petit ruisseau chante à côté d'un grand arbre auquel est pendu un homme de façon sinistre. Et il y a aussi un feu vivace auquel rôtit un très gros lièvre de l'Est. Donc, c'est vraiment un lièvre très gras que vous allez pouvoir vous partager. Et a priori, il n'y a que ça à première vision. Alors, on a des détails sur cet homme pendu. Oui. L'âge, alors, son âge, son apparence, il est toujours habillé. Il est un peu haut déjà. Il est gros. Il est chauve. Il est très bien habillé. Et tiens, puisque vous êtes concentré sur l'homme pendu, il est un peu hors de portée pour l'instant. Peut-être le descendre. Clodomir peut me faire un jet de culture des secrets. Je ne sais plus combien t'as. Culture des secrets. Où est-ce que c'est ça? C'est en bas à droite. Oui, j'ai 70. C'est bon. 50. Clodomir se rappelle, parce qu'il a reçu une formation à l'art des sorciers, que sous les pendus poussent parfois une mandragore dont la racine a la forme d'un homme. Et quand elle est sous un pendu, sous un gibet, elle est particulièrement puissante. Donc, je te laisse cette compétence pour toi. Très bien. Donc je récupère la mandragore. Ah, il faut faire creuser déjà. Mais ça, je vous donne quelques options. Vous pouvez aussi fouiller, c'est des bonnes parties. Ça pourrait m'intéresser. Ah oui, je suis toujours à la recherche d'ingrédients un peu intéressants pour concocter des potions. Il y a peut-être une mandragore sous le pendu. Tu creuses? Alors, oui, avec grand plaisir. Je vais creuser, puisque cette mandragore pourrait vraiment m'intéresser. Creuser exactement? Avec les mains, parce que j'ai pas grand-chose. Ça va être long avec les mains. Avec les peut-être. Avec les perrouillés, ouais. Ah, c'est un peu. Non, quelqu'un pourrait peut-être. Tu peux le faire avec les mains, tu seras juste couvert de boue, c'est quelque chose. Que j'aime pas trop souiller ma tenue. Il y a un ruisseau juste à côté, tu pourras te les laver juste après. Je peux te prêter mes haches si tu veux taper la terre. Tout ce travail manuel, ok. Bon, j'emprunte une hache de Ketra à contre-coeur parce que personne n'aura servi. Ah, c'est vrai? Bah tiens, on va dire qu'il y a 10% de chance que tu casses une de ces haches en creusant parce que c'est pas un outil adapté, d'accord? Donc vas-y, lance les dés, si tu fais plus de 90, tu casses une de ces haches. Oh la pression. Tu peux encore décider de pas le faire, hein. T'es pas obligé. Avec le talent, vient la chance. 97. Donc, très, très joyeusement, il donne un gros coup de hache et elle se casse sur un énorme rocher tout de suite et il n'a plus qu'à dire désolé. Voilà. Désolé. Vous n'avez plus de hache et pas de racine de mandragore. Écoutez, Guétra, je ne comprends pas comment c'est une hache qui a vécu 1000 batailles dans une arène. Comment est-ce que dans les frais de bras d'un... La leçon du sort, c'est une hache n'est pas une pelle. Voile positif, tu peux récupérer les perrouillés en arme. jamais de la vie. Récupère les perrouillés. T'as pas transformé le plomb en or, tu peux pas réparer... Alors, j'ai une potion qui permet de coller des choses. Je te propose de garder les pièces de ta hachette, on verra après, je vais essayer de creuser autrement. Mais garde. Qui va vous protéger si ma hachette est cassée? Il en reste une deuxième pour l'instant. Oui, c'est vrai. Bon, je suis vraiment désolé pour... Vraiment, c'est pas de chance. Tu veux faire quoi? Tu veux creuser avec tes mains du coup? Du coup, je vais aller doucement avec mes mains autour du rocher. D'accord. Oui, ça va être long, je vais me souiller, mais j'ai envie de laver les mains. Tu vas te souiller et tu trouves une très belle racine de mandragore. Très bien. En forme d'être humain. Voilà. Comme prévu. Est-ce qu'on décrocherait pas le. Oui. Ah oui. Alors. Avec un bout de hache peut-être? Oui, quelle est votre technique effectivement pour décrocher? Tu veux essayer de lancer la hache sur la corde? Non, je peux monter un peu. Il est vraiment très haut, je peux pas escalader un peu? Non, j'escalade l'arbre. Non, tu lances un simple jet de courir sauter. Mais si tu fais effectivement plus de 90, tu peux attendre. Non, c'est bon. 29. Keitra, la gladiatrice, grimpe comme un lézard à l'arbre et décroche même d'un bon coup de hache. L'homme tombe à terre, d'un gros. Voilà. Avec un gros bruit. L'homme, donc une belle robe bleue, souillée par des excréments, de l'urine et du sperme, parce que c'est ce qui arrive quand vous pendez un homme, vous explique Nicolas, et du sang aussi. Pour les détails. Sur la robe, oui. Sur la robe, il y a un parchemin de vélin, donc c'est, vous voyez ce que c'est? C'est du cuir travaillé. Écriture bleue et or. Il n'y a qu'une seule personne ici qui sait lire, c'est toi, donc je te donne le truc. Tu es libre de dire ou pas ce qu'il y a aux autres. Claude, bien éclairez-nous. Est-ce que quelqu'un veut... Vous pouvez aussi fouiller les environs? Alors, on va fouiller oui, quand quelqu'un, même. Hein. Quelqu'un se sent l'âme de fouiller les choses? Sankatlan est un bon looter. Ouais, je vais fouiller, bien évidemment. J'ai de perception. Tu me dis combien tu fais? J'ai de perception, ou sans m'aider. Génial. Juste après la perception, Claude Omer va revenir. Ce sont les dés gris ou les dés noirs? Les noirs. Et attention, Atlan, s'il lance pas avec ses dés. Attention.
Il danse pas avec les deux de la plèbe. 83 ? Oui. Alors, il ne trouve pas grand-chose parce qu'il fait noir, tu vois. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'y voit rien. On n'y voit rien. Je sens que ce groupe est né sous la bonne étoile. Je ne sais pas pourquoi je... Ouais, là, il ne trouve pas grand-chose. Par contre, si tu trouves... Allez, il faut être honnête, tu trouves dans la cendre une petite pomme de terre pour les gars ou les gens qui seraient végétariens. Voilà. C'est très mieux bien. Que rien. J'essaie d'arrêter la viande. C'est mieux que rien. Durant ma fuite, je ne mangeais pas si bien que ça. Donc, une pomme de terre, moi, ça me convient parfaitement. Du coup, on a fouillé tout le corps ou pas? Vous avez tenté de fouiller, mais c'est vrai. Quelqu'un d'autre peut essayer de fouiller. Ouais, je vais le refouiller, moi, le corps. Ah, le corps? Ouais. Ah non, vas-y, fouille le corps, lance de perception. Lavez-vous les mains, après. 63 sur 40. Ouais. Donc, sans surprise, tu ne trouves pas grand-chose. Est-ce que tu fais vraiment nuit? On attendra peut-être demain oui, matin. Oui, je pense que c'est plus raisonnable. Ok, est-ce que du coup, c'est peut-être l'heure de rester au coin du feu? Il y a un camp qui est tout fait, je vous rappelle. La nuit tombe, un camp est tout fait, il y a un lièvre qui est là, il y a même une pomme de terre. Une pomme de terre. Est-ce qu'on peut le manger? Et pensez à votre blessure, mon cher. Oui, alors. J'espère que ça ne va pas s'infecter. J'espère aussi. Au prochain village, j'essaierai de faire quelque chose. Au pire, une petite potion. Peut-être un peu tôt. D'accord. Je peux tenir. J'ai vécu pire. Par contre, moi, c'est votre carte qui m'intrigue beaucoup, mon cher Claude. Vous n'avez pas dit ce que. La carte? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Non, mais il y a deux choses. Il y a une carte que vous avez. Ah, et oui. Il y a un message que vous avez. Ah, il y a oui, deux choses. Vous faites bien de me le rappeler. C'est un mandat. Ceci est un mandat, hein, donc octroyé par le Seigneur du Rideau, qui donne à son détenteur le tout pouvoir pour rendre la justice, collecter les amendes et imposer toute décision au bourgmestre dans le fief du Rideau. Voilà. Donc, il faut être évidemment muni de la présence de mandat et de la broche d'argent. Vous avez devant vous un juge. Alors, monsieur le juge, juste vous mangez, vous avez dit très faim, vous mangez un petit morceau de lièvre et... juste dans la nuit, dans une direction que vous pensez être le nord, mais vous vous trompez peut-être, vous voyez quelques lumières, donc peut-être qu'il y a au moins un feu de camp là-bas. Et je voudrais savoir, comment passez-vous la nuit? Est-ce qu'on n'organiserait pas un tour de garde? Oui, c'est mieux, oui. Mmh. Tu commences? Alors moi, il faut mes 8 heures de sommeil. On paisiblement, et ensuite... Je peux commencer, pas de problème. Il faut mes 8 heures de sommeil, par contre. Très important pour moi. Donc, oui, on va dire qu'il reste... pour avoir l'esprit clair. On va dire que ça tombe bien, parce qu'il reste 8 heures avant le lever du jour. Donc, qui fait quoi? À quelle période? On fait 2 heures, on tourne. On fait 2 heures. 2 heures. Vous dormez 2 heures par 2 heures, ouais. c'est pas très long. Non, 2 heures, je passe à quelqu'un. On dort chacun. On reste éveillé pendant 2 heures, et après, on dort. Tu es d'accord avec ça ou pas? Oui. D'accord. 2 heures chacun. Ne demandez pas de faire des potions compliquées après, hein, demain. Bref. Alors, vous dormez aux côtés de 2 cadavres. C'est pas la meilleure nuit que vous passez, mais vous êtes au moins au chaud et le ventre plein. Et le lendemain, le soleil se lève dans votre magnifique forêt, autour de votre feu de camp et d'un feu mourant. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? On va retenter de fouiller le cadavre. Oui, on peut tenter de fouiller le cadavre. Je vais tenter de fouiller le cadavre, peut-être. Oui, vous pouvez aussi fouiller les environs. Enfin, si vous faites un jet, ça fouille un peu tout. Alors, okay. J'ai fait un jet puisque. Au petit matin. Il faut que Niklas Van Trunkel s'en mette. Pendant 4 ans, fait pipi. Voilà, 35, c'est parfait. Je suis bien. Alors, tu trouves dans le ruisseau non loin. Oui. Une bouteille qui te semble, quand tu la renifles, de l'alcool de pomme de terre. Il y a une thématique pomme de terre. C'est très féculent. Hein. Et il y a aussi. Très bien. Alors, non, donc, c'est tout. Voilà. De l'alcool de pomme de terre dans le ruisseau. Oui. Très bien. Ça peut faire un ingrédient, je ne sais pas. Je vais regarder. Ça peut faire un distillat pour toi. Tout à fait. Et il faut que je garde après. Il faudrait que je détermine une substance. Il faudrait que je détermine la racine de mandragore aussi. Je le fais dans la foulée ou je le fais plus tard? En gros, comme vous voyez le soleil se lever, il y a l'est, le sud, l'ouest ou le nord, sachant que vous venez de l'ouest. Et que, en gros, c'est là où vous vous êtes paumé. Donc, est-ce que vous avez une direction en particulier? On n'irait pas dans la ville indiquée dans le mandat. Il y a mandat. 0 villes indiquées dans le mandat. C'est juste que sur l'intégralité du territoire, je peux rendre la justice et récolter les amendes. Et quel est le deuxième document que vous avez récupéré? C'était une carte, mais c'est assez, lacunaire. Peut-on la voir? Qu'est-ce que c'est? Ça ne vous servira à rien. Hein. Qu'est-ce que c'est? Les classes. On va voir après. Il y a deux traits, je pense deux que axes. C'est peut-être un chemin, je ne sais pas trop. Il y a une croix, la croix marque l'emplacement, c'est un enseignement. Hein. Après, il y a une flèche qui va vers le haut avec un A, et une flèche qui va vers la droite avec un V. Et à gauche, il y a un chemin ou une rivière. Je pense que ça peut peut-être être une rivière. Ou une route. Ou une route, un des deux. Donc, Nord-sud-est-ouest. Ou nord-ouest, si vous voulez faire des choses particulières. Bah, si on part du principe que le X est l'endroit où on se trouve...
Ce serait quand même un coup de chance incroyable. on pourrait aller vers le nord, dans la ville de A. Ou l'endroit indiqué. Ou l'endroit indiqué. De toute façon, il faut bien qu'on se mette en route. Alors, on va pas revenir sur nos pas. On vient de l'ouest, hein, c'est ça? On vient de l'ouest. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais cette nuit, j'ai cru voir quelques lumières. Vers le nord. Je suis pas sûr, mais peut-être vers le nord. Donc je me dis, bon... En plus, la flèche est plus petite. Voilà. En termes de distance, donc s'il y a une échelle, bon, bah... Bon, dire bah que c'est allons près. Vers le nord. Allez, on va vers le nord. Alors, la forêt de feuillus et de sapins s'ouvre sur une vallée bien dégagée. De nombreux champs de céréales s'étendent devant vous. Les familles sont courbées au travail. Au-delà des champs, vous voyez un grand moulin aux pales en voile blanche. Et enfin, au-delà, des petites maisons recouvertes de tuiles rouges s'agglutinent autour d'une colline sur laquelle se trouve une maison à étage, aussi elle, toute rouge. Donc vous avancez dans le village. Et là, il y a un paysan, mais qui n'est pas en train de travailler, qui s'appelle Robinic 41. Donc, Robinic 41 vous dit bonjour. Il vous dit pas bonjour, c'est un manœuvrier. Il a les habits tout noirs, les bras noirs de crasse. Il crache par terre, c'est un glavio bien noir aussi, tu vois. Et il dit, alors vous faites quoi, vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas d'ici? Non. Alors, est-ce qu'il y a un bourgmestre dans ce village? Bah ouais, bien sûr qu'on est un village normal, mais vous êtes qui? D'ailleurs, quel est le nom du village, s'il vous plaît, mon brave? On est à Arance. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous baladez On est une troupe de voyageurs, à vrai dire, on est un petit peu perdu, hein, pour tout vous dire. On cherche, si possible, une grande ville dans les alentours. Nos attentions sont louables. Bah écoutez, de toute façon... Et en cas de besoin, nous avons des potions d'extrêmement bonne qualité. Est-ce que nous pourrions rencontrer Roger? Est-ce que vous avez une potion pour faire repousser les cheveux? Écoutez, je ne l'ai pas, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas la faire. Bah écoutez, parlez-en peut-être aux commerçants du village. Très bien, alors je le note. Mais mon frère, il est chauve et j'aimerais bien qu'il... Attendez, votre frère était chauve. Est-ce qu'il avait un peu d'embonpoint? Non. D'accord. Il n'est pas de robe bleue, des choses comme ça. Dites-moi, Robinic 41, est-ce qu'il serait possible de parler au bourgmestre Roger? Bah, voyez la colline là, il y a une grande maison rouge, oui. Vous pouvez pas le louper. Il habite là-dedans. Et il est là, il est là. Très bien. Alors, juste avant de partir, mon cher Robinic, est-ce que ces derniers jours. Robinic 41, s'il vous plaît. Robinic 41, excusez-moi. Auriez-vous vu passer des individus peut-être suspects, des bandits, ou avez-vous entendu? Des rumeurs? Bah, j'espère pas. S'il y avait des bandits, vous rendez compte, ce serait terrible. Pas de bandits, donc, depuis quelques jours? Bah non, moi, de toute façon, je travaille. Non, il va falloir que je retourne travailler. Très bien, merci beaucoup, Robin. C'est très étrange, quand même. On s'est fait attaquer par deux... Enfin, on a rencontré deux bandes de bandits dans la même forêt, à quelques jours d'intervalle. Et là, on a un monsieur qui dit qu'elle n'en a jamais vu et qui, en plus, coupe un peu court à la conversation. Eh bien, moi, je dirais que c'est de la chance. Allons voir le bourgmestre. Donc, vous allez quand même au centre du village. Il n'y a pas vraiment de commerce et il n'y a pas vraiment de taverne non plus. C'est un peu l'endroit. C'est très, comment dire... C'est une aire de passage. Oui, c'est très... C'est un village dortoir. Orienté vers l'agriculture, plutôt. Voilà. Et il y a quand même une jolie fontaine avec un visage de femme sur la fontaine. Et... Vous, effectivement, vous grimpez un petit escalier de fortune en pierre qui monte à une très belle terrasse avec un énorme figuier et une très belle maison rouge avec un étage, ce qui est un peu un grand luxe, il me semble. Voilà. La maison également, elle est recouverte de peinture rouge aussi, donc c'est la maison, on va dire, du chef. Et petit détail quand même que vous ne pouvez pas ignorer, c'est que sur la plus grosse branche du figuier, il y a trois cordes pour pendre des gens. Et elles ont l'air plutôt récentes. Donc, la porte est fermée. Quelqu'un veut frapper? Je frappe. D'accord, on y va direct. Je frappe. Tout droit, Claude-Mire. T'as un mec qui ouvre la porte. Alors, attends, d'abord, avant de frapper, je m'équipe de ma broche d'argent. D'accord. Et je garde le mandat dans la main. Alors, Claude-Mire, bon, tu frappes déjà, parce qu'on a quand même tué deux personnes qui semblaient être agressives, qui avaient cette broche d'argent. Tu connais pas les relations qu'ils avaient avec ce village en... Non. On a tué on a tué un bandit et l'autre s'est enfui. Oui. Le bandit avait la broche qu'il avait récupérée sur l'homme pendu. Ah, d'accord. L'homme pendu avait le mandat. D'accord. D'accord, donc je pense que l'homme pendu, c'est ce Ordo. Voilà, c'était un bailli itinérant. Ok. Je pense que c'est lui qui avait la broche et le mandat. Tu frappes à la porte. D'accord. Voilà. Très bien. Et je m'annonce en tant que Ordo. Bailli itinérant. Bon, en fait,
Tu frappes à la porte, quelqu'un t'ouvre violemment la porte. Donc c'est un mec petit, trapu, visage rond, barbe noire, et un peu coléreux, tu vois. Il a des vêtements bleus et jaunes, plutôt chers. Et il dit, mais vous êtes qui, vous? Alors il te regarde comme ça, vous êtes qui? Bonjour, mon brave. Il a des vêtements bleus aussi, comme Ordo. Hein. Ah, comme l'autre? Il pourrait se connaître. Bon, ok, bref. Donc je vais pas dire que je suis Ordo. Bonjour, mon brave. Est-ce que le bourgmestre est dans la maison? C'est moi. Bonjour, Roger. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien, vous êtes qui? Je suis le bailli itinérant. Ah, vous êtes Ordo? Un de ses collègues. Un de ses collègues? Ouais. Parce qu'on m'a dit que le bailli itinérant, c'était Ordo. Il n'y a oui. pas de collègue. Si, en fait, je suis son suppléant. Quoi? Oui, il y a... Alors... Ça veut dire quoi, suppléant? Je suis son remplaçant. Il est parti il en vacances. Il s'est passé quoi? Il est parti en vacances, en congé. Il a pris congé. Il découvre la lande, je pense. Quoi? Voilà. D'accord, alors tu as certainement une compétence qui s'appelle mentir-convaincre. Oui. Ben vas-y. Allons-y gaiement. Pourquoi vous voulez embrouiller tout de suite, Claude Mignard? Au contraire, je dis la vérité. Garde-moi la surtache. Alors, 75. Alors, qu'est-ce qui vous me. Quoi? Vous avez une preuve de ça? Parce que là, vous dites n'importe qui. Je vous connais pas, vous êtes habillé comme un clochard. La broche. L'habit ne fait pas le moine, déjà, sachez-le. Ok. Ok. La preuve, j'avais même pas vu que vous étiez bourgmestre. La broche, le mandat. Alors, il prend le mandat, tu me le donnes? On se calme. Hein. Il dit ça, c'est un mandat, mais il y a marqué c'est pour Ordo. Oui. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Clodomir. Mais Ordo est mon collègue. Il y a plusieurs bailli itinérants. Enfin, vous n'êtes pas sans ignorer l'organisation du fief. Avant que vous vouliez qu'on appelle, qu'on envoie un message au seigneur du rideau. Histoire de clarifier la situation, mais sincèrement, à votre place, j'éviterai. D'accord. Tu le sens très méfiant par rapport à ton explication. Oui, j'ai bien compris. Il dit, cela moi, dit... je suis méfiant. Ouais. Il dit, bon, juste pour être sûr, Ordo, il ressemble à quoi? Parce que moi, j'ai une description de lui. C'est un monsieur avec un fort embonpoint. Ok. Plutôt dégarni. D'accord, c'est bon. Richement okay. vêtu. Ok, ok. Voilà. Écoutez, ça tombe bien. On est sur le point d'exécuter 3 personnes et puisque vous êtes juge, ben vous allez tirer la corde, ça vous va? Ouais, chouette. Est-ce que vous voulez manger quelque chose avant? C'est-à-dire que la justice a déjà été rendue, enfin le je ouais, le dirais... en gros, alors en fait, en gros, c'est une embrouille, il y a 3 mecs, c'est insupportable, j'ai pas voulu réfléchir. Oui, cette embrouille. Et c'est qui ces gens? Alors, ce sont mes assistants. Donc vous-même, vous êtes l'assistant d'Ordo et ça, c'est vos assistants? Non, je ne suis pas l'assistant, je suis son collègue. Il est parti en congé. Vous savez, la justice, c'est quelque chose de très compliqué. Vous-même, qui êtes dans le secteur... Je ne vais quand même pas me promener dans cette forêt-là, seul. Enfin, voyons. Moi, je suis juste en stage d'observation. Ce que je vous propose, là, c'est bientôt midi, on mange. Et l'exécution, elle a lieu juste après le repas. Donc, vous pourrez voir sur place. Peut-être, si vous voulez ne pas tirer la corde, vous ne tirerez pas. Mais c'est bien que ce soit vous qui le fassiez, déjà, parce que vous êtes plus grand que moi. Et en plus, parce que comme ça, je n'aurai pas tous ces morts sur la conscience. Ça vous va? Ok. Donc, il vous présente à sa table. Femme. Il vous présente à sa femme, qui n'est pas plus grande que lui. Et vous avez droit à une soupe de navets, si ça, c'est moins bien qu'un... Ça change des pommes de terre. Allez. Voilà. Ça n'a pas trop de goût. Donc, non, mais on prend. Oui, on prend. Bien sûr. Vous pouvez lui poser une question avant de passer à l'exécution proprement dite, si vous voulez. Réfléchis. Déjà, faut qu'on aille les exécuter. Pourquoi déjà, moi, il m'a l'air louche aussi. Ouais. Il m'a l'air louche. Robini 41, qui nous a accueillis avant, il avait l'air louche. Ils ont tous l'air louche, en fait, dans ce village. Ordo a été tué et pendu à proximité par des personnes qui se sont enfuies. Oui, par contre, dans quelle direction est parti le fuyard? Bon, j'imagine que vous n'avez pas de questions particulières, donc la soupe si, de... Si. Pourquoi quoi? C'est toi la question. Tu peux poser la question directement si tu veux. Vous avez droit à une question chacun. Une question chacun. Qu'est-ce qu'on les pend? Ah oui, une question chacun. Oui. Ah oui, moi je lui demande pourquoi est-ce que vous voulez les pendre? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, on est près de la frontière ici. Donc, en temps de paix, on gagne beaucoup d'argent. Et en temps de guerre, on se prend tout sur la gueule. Il y a un négociant très riche ici qui s'appelle le Père Chapi. Le Père Chapi. Père Chapi. J'y peux rien. le Père Chapi, il est marié à une femme qui s'appelle Hermance. Et cette femme a tué Père Chapi. Donc, vous savez pourquoi il l'a tué? Pour de je l'argent sais pas, vous savez, dispute de couple. Donc du coup, j'ai décidé de la pendre.
pour le bien du village. Et elle a dit, mais c'est pas moi qui l'ai tué tout à fait. J'ai demandé à la rebouteuse du village de faire une potion pour le tuer. Donc du coup, j'ai décidé aussi de pendre la rebouteuse. Et la rebouteuse dit, mais c'est pas moi qui l'ai tué, c'est le domestique qui l'a tué en fait. Et j'ai décidé aussi de pendre le domestique. Voilà, comme ça. C'est-à-dire que la justice est rendue de manière plutôt expéditive. Écoutez, moi, je ne suis pas juriste comme vous, et on n'a pas de prison ici. Donc, soit je coupe la langue, un doigt, ou je mets une grosse amende, ou on pend. Et j'ai trouvé, je pensais que pendre, c'était plus simple. Si tu avais d'autres questions ? Alors, tu as posé ta question, toi. Allez, vas-y. Si vous voulez, on peut... Du coup, j'ai pas d'autres questions. Autre question. Oui. Est-ce qu'on pourrait parler aux prisonniers avant leur exécution ? Ah bah, de toute façon, vous allez l'avoir sous les yeux. Mais en privé. En privé, le moment venu, si vous voulez, vous pourrez faire la demande. Ok. Intéressant. J'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes intéressé par l'alchimie, Roger ? L'alchimie, ça se mange ? Ça peut se manger, mais pas exactement. Mais bref, je vous parlerai de mes offres tout à l'heure. C'est très intéressant. Ça pourrait beaucoup vous aider. Très bien. Alors, quand vous arrivez un petit peu métaphoriquement par rapport aux spectateurs que nous avons actuellement, vous avez une troupe qui s'est accumulée parce que vous avez pris un petit peu de retard autour du figuier en face de la maison de Roger. Et ils sont un petit peu impatients parce que les exécutions, c'est toujours un petit peu excitant au Moyen-Âge. C'est un peu la distraction de l'époque. Et on amène effectivement trois prisonniers, donc c'est un essarteur, une sorte de bûcheron qui les apporte, il est super costaud. Attendez, excusez-moi une seconde. Cet essarteur s'appelle Daxaber, voilà. une grosse baraque. Et donc il y a Hermance qui est une jolie fille blonde dans une très belle robe de velours vert. Esclarmide, une rebouteuse qui est sous un centimètre de crasse, et Baudouin. Un mec qui a l'air perdu et qui est aussi extrêmement costaud. Et alors, Roger dit, on va les pendre dans cet ordre-là, Ordo. Non, à Clodomir, excusez-moi. Clodomir, oui. On va les pendre dans cet ordre-là, d'abord Hermance, ensuite Esclarmide, et ensuite machin, il y a une corde pour chacun. D'accord. Bah, nous, on va s'entretenir dans l'ordre, alors du coup, avec chacun d'entre eux. Hein. Vous ne voyez pas d'inconvénient. Bah, écoutez, vous pouvez leur poser des questions, oui. Ouais. Alors, tu as Hermance qui s'avance. Hermance, dit, hein. Elle dit, c'est vous le juge qui allait m'exécuter ? Il y a des chances, oui. Alors moi ou un des membres de mon équipe, hein, parce que... Non, toi. Vous, Clodomir, pardon. Alors, ok. Juge Clodomir. Oui. Alors, j'ai peut-être essayé de tuer mon mari, mais sachez qu'il me battait. Et je l'ai dit à tout le monde, et personne n'a jamais pris ma défense. Ok. Et moi, je pense que vous devriez pendre tout le village et pas moi. Parce que c'est de leur faute à eux. Un peu expéditif, quand même. Je crois que c'est la culture du village d'être expéditif, hein, j'ai l'impression. Vrai. D'accord, donc il vous battait. Okay. Bon. Et l'œil aiguisé de Nicolas voit qu'effectivement il y a quelques traces, on va dire, de contusion qui datent d'il y a longtemps. Donc, Très bien. Voilà. Eh bien écoutez, je prends note. On peut peut-être le dire, non ? De quoi ? Non, mais elle l'a dit devant tout le monde. Elle l'a dit devant tout le monde et personne n'a réagi. Une omerta. Peut-on parler à la rebouteuse, du coup ? Alors, Esclarmide, c'est une vieille femme. Elle n'a plus qu'une seule dent, d'ailleurs, noire. Ouais. Et elle est vraiment couverte de crasse. Et toi, alors c'est la rebouteuse. Donc déjà, elle commence à expliquer que oh, je suis le médecin du village. C'est grâce à moi que tous les nouveaux nés naissent, que vous tombez pas malade. Mais toi, en tant que médecin un petit peu sophistiqué, tu dis avec la saleté qu'elle a, elle doit être responsable à 50% des maladies qu'elle a. Donc ça t'effraie un peu quand même. C'est pas très hygiénique quand même tout ça. Elle dit oui. Alors Hermance, elle m'a demandé de faire une potion pour tuer son mari. Moi, ouais. je ne tue pas. Je suis un médecin. Ouais. Donc, j'ai fait une potion à base d'une feuille de digital séchée qui devait vraiment lui donner des gros vomissements, tu vois, qui passait un mauvais moment, donc ça donnait un petit peu de répit. Je pense que ça l'aurait puni. Donc, voilà, c'était mon plan. Il n'avait pas intention de tuer. Mais non seulement il n'avait pas intention de tuer, mais ça n'aurait pas pu le tuer. Il n'a même pas vomi. À mon avis, s'il est mort, c'est quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je pense que le domestique a peut-être fait quelque chose. C'est lui qui faisait, la cuisine. Il a peut-être mis du poison dedans. Voilà. Et moi, je suis innocente. Si vous me pendez, vous aurez la mort d'une innocente sur la conscience. D'autant plus que le village n'aura plus aucun médecin, je vous signale. On va écouter Baudouin. Alors, Baudouin, c'est un grand gars qui se met à pleurer. D'ailleurs, il dit, me tuez pas. Moi, je suis innocent. J'ai juste fait à manger. Simplement à manger, comme d'habitude. Ben, en fait, c'était la première fois que je faisais à manger. Moi, je suis bûcheron et ma famille avait une dette envers le père Chapi. Et donc, du coup, j'ai dû faire à manger. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait exactement ? J'ai fait un poulet aux herbes. Quel type d'herbe ? J'ai pris des herbes au hasard dans le jardin. Est-ce que vous pouvez nous les montrer ? Ou plutôt les montrer à notre ami Nicolas ?
Est-ce que le père Chapi, là, il est mort combien de temps après avoir mangé votre repas, Baudouin ? Pendant le repas, il est mort. Pendant... Ah ! Oh, oh. Mm-hmm. D'un coup, d'un seul, il est tombé dans son assiette ? Oui. Intéressant. On peut voir les herbes en question ? Alors, il y a Roger qui dit, bon, on n'était pas là pour les tuer, parce qu'on va pas aller à la maison du père Chapi. On rend la justice. D'accord, très bien. Donc, Roger... Daxeter, Baxeter et comment s'appelle Baudouin, vous allez à la maison de Messire Eudes. Alors déjà, la maison du père Chapi, excusez-moi, la maison du père Chapi, elle est riche. Il y a beaucoup de richesses ici. Vous voyez qu'il brasse de l'argent. Il y a des caisses d'ailleurs fermées. Voilà. Et il te montre une herbe qu'il y a dans le jardin. Et a priori, déjà, c'est pas un jardin potager, donc voilà. Nicolas, tu as une compétence qui est déterminer les choses. Je peux déterminer ce qu'est cette herbe. Je peux déterminer la substance. Alors. Et ça 44. Passe. 44. Alors, effectivement, l'herbe qu'il a utilisée, c'est de la ciguë. Donc ça tue sur le coup. C'est un poison notoire. Donc voilà. Mais lui, il dit, moi, je pensais que ça donnerait du goût. Voilà. Et tu le penses innocent parce qu'il a l'air un petit peu bête. Ça veut dire que la personne qui l'a tué... On se retrouve avec trois innocents au final. C'est ça. Bah non, il y en a un qui est vraiment coupable, mais oui, sans préméditation, mais et on a deux autres. Enfin, il y en a une qui avait quand même toutes les raisons de le tuer. Bon, mais elles l'ont pas tué. Une deuxième qui n'a pas voulu le tuer, et un troisième qui n'a pas fait exprès de le tuer. C'est ça. Bon, il faut qu'on en parle à Roger. On peut pas les tuer dans ces conditions. Roger te chuchote. Vous savez, si vous tuez, si vous exécutez Dame Hermance, toute la fortune du père Chapi, qui est le plus gros négociant du village, reviendra sous le contrôle du village, et vous pourrez avoir un impôt pour le Seigneur du Rideau. C'est intéressant. Donc vous revenez sous le figuier, et là, Roger lève les bras et dit « Bon, la justice va être rendue. Clodomir, notre juge envoyé par le Seigneur, va exécuter ces trois coupables. » Alors voilà, donc en fait, après examen du dossier... Examen de ta conscience aussi ça se négocie. Il semblerait quand même que tous ne soient pas coupables. Donc ce que je propose... c'est d'en tuer deux. Ok. D'en tuer deux. Il y en a un qui a cuisiné de la ciguë. Ouais. Cette personne-là, c'est un danger public. Alors, il se jette à tes pieds et dit « Mais je suis innocent, moi, on m'a juste demandé de faire un poulet, j'ai fait du poulet. » Pourquoi on a pris un bûcheron au lieu de prendre ça manquait de cuisinier ? Non, parce qu'en fait, il t'a expliqué, je te le fais à la forme personnelle, que sa famille avait des dettes envers le père Chapi. D'accord. Et donc, du coup, il est, en marge de son métier de bûcheron, il est devenu domestique. Ça veut dire qu'il avait déjà cuisiné pour le père Chapi sans qu'il... Non, c'était son premier jour. D'accord, c'était son premier repas. Okay. Je suis désolé, mais à un moment donné, quand on cuisine mal, il faut payer. Le fief du rideau est fier de sa gastronomie. Il me semble que votre jugement, Clodomir, est un petit peu ombré par la promesse d'un putain, dirons-nous. Absolument pas. Je pourrais vous proposer une autre solution. Si on épargne l'épouse, elle garde la fortune. On directement négocier avec elle. Les autres n'ont pas d'argent, pourquoi les tuer ? Atlan. Quoi ? Je suis mandaté par le Seigneur. Mais je vous rappelle qu'en tant qu'assistant, j'ai aussi mon mot à dire. Alors, je trouve que la solution cordes. D'Atlan... Atlan, il y a trois cordes. J'ai proposé d'en retirer une, ce qui fait qu'il y a une corde de libre. Attention, Atlan. Qu'est-ce que vous voulez ? Attention. Oui, non, je prends note. Donc, vous voulez qu'on épargne ce brave... On n'aura tué personne et on peut négocier une bonne fortune. Atlan a raison. Moi, j'étais quand même pour tuer la femme. Non, mais ce sera... La femme dit, vous pouvez me tuer, mais moi, je voudrais que le village soit puni. Parce que j'ai été battu par mon mari, je me suis plaint à tout le monde, personne n'a levé le petit doigt, même pas les femmes. Vous devriez tous les punir, c'est ça ce que vous devriez faire. Roger... Non, c'est pas Roger qui dit ça, c'est Armand. Oui, je sais. Roger, vous avez beaucoup de cordes dans le village ou pas ? Il dit, vous savez, il y a au sultanat d'Aqaba, ils ont un proverbe qui dit « Bat ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait ». Moi, c'est quelque chose que j'applique, je trouve que la sagesse populaire, c'est important. Mais attendez, Kétra, vous êtes le sultanat d'Aqaba ? Oui, je connais bien le sultan. Non, on peut pas tuer la femme, c'est possible. Bon, donc on tue personne là. un petit peu déçu le juge de pas tuer. Hein. Le problème, c'est que si on ne tue pas Hermance, sa vie va être un enfer dans le village. Il faut qu'on trouve un moyen de
T'as tué de manière un peu définitive. Là, on vient de créer un bordel, il faut... Tu sens que les femmes du village sont plutôt du côté d'Hermance, parce que si la culture populaire veut que le fait de battre sa femme passe inaperçu, ça pose problème. Donc là, on va rendre la justice sociale, là. C'est ça, on va rendre pour la justice sociale. Pour vous voulez. Pour de l'argent. Négocions avec l'épouse. Bah oui. Faisons une pierre deux coups. Mais Atlan, faisons la justice. Atlan, nous sommes mandatés par le Seigneur. Oui, mais il y aura beaucoup plus d'argent. On peut prendre l'argent qu'on veut. Bon, une chose après l'autre. Alors, Hermance, Clodomir, pour Hermance, la vie, la mort, une autre punition créative. Punition créative. Non, la vie, c'est une femme battue. Elle a beaucoup souffert. Et je suis plutôt déçu. Et du coup, le Seigneur du Rideau est également déçu du traitement infligé à cette femme. On me sort des proverbes d'Akaba. Ici, c'est pas Akaba. Ici, c'est le rideau. D'accord. Donc, juste la vie, c'est ça? La vie et... La vie. Allez. Donc, Hermance s'incline devant toi. Elle te remercie. Elle dit, vous êtes très noble, Clodomir. J'envoie vers... Merci, Hermance. Allez voir mon assistant, Atlan. Il va discuter avec vous. D'accord. Esclarmide, la rebouteuse du village. La vie ou la mort ou une punition créative? Ouais, en tout cas, c'est pas la mort. Elle a voulu la mort. Elle a voulu juste le punir et faire vomir. Ok. Bon, bah, très bien. Alors, Esclarmide. Ils ont plus de médecin en plus. Ouais, en plus, c'est la seule femme médecin de tout le village. Ouais, la seule médecin de tout le village. Alors, il y a un mec qui est mort et personne ne va être puni, c'est ça votre truc? Bah, attendez, après, on va pas être bonnes. Mais en tout cas, la rebouteuse. Alors, si, du coup, j'ai quand même une punition pour la rebouteuse, elle est condamnée à prendre un bain. Sinon, quoi? Sinon, on la tue. Un bain quoi? Un seul bain ou un bain par an? Non, un bain, je ne connais pas la fréquence des bains dans votre village. C'est quoi? C'est toutes les semaines, tous les mois? Bah, ça dépend, on est plus ou moins propre. Il y a des gens qui prennent un bain par an. C'est cher les bains quand même. Ok, bon bah au moins... Quelle est celle dans la rivière, qui est dans la fraie qu'on a croisée à côté du feu de camp du lièvre? C'est un peu loin quand même, mais ok, bah... au moins un bain par an. Au moins un bain par an, sinon on la tue. Voilà. Alors Esclarmide te remercie et d'ailleurs elle t'embrasse sur la joue et ça sent très mauvais. Voilà. Merci. Et bon. Je dois aussi parler à Atlan ou... Non, c'est bon. On fera ça tout à l'heure. Elle peut venir me parler à moi pour les potions. Il y a des choses à voir. Et des ingrédients récupérés peut-être. Et pour Baudouin, là, la foule, tu sens qu'elle aimerait bien. Elle est venue quand même pour voir des morts et elle serait bien contente de voir du mort. Bon. Un châtiment pourrait être adapté, mais peut-être pas la mort. C'est vrai que le pauvre homme, il est un peu simple. Moi, je propose la mort. Faut bien tuer quelqu'un. Et si pourquoi nous le bannissions simplement du village venant de ta part, gladiatrice. Eh bien, justement, venant de ma part. Pourquoi tu es innocent? Ouais. Mais il est pas innocent, enfin, il a cuisiné de la cigu. C'est une erreur. Il a l'air un peu bête. Là-dessus, je me mets un peu du côté de Clodomir. Il est coupable. Il n'y a pas préméditation, mais c'est lui qui a entraîné la mort d'un homme. Il est coupable par erreur. Des fois, on tue des gens. Si un jour vous écrasez une personne dans les tours d'un chemin avec votre carriole, vous êtes coupable, même si c'est le cheval qui avançait et que vous n'avez pas vu, je sais pas. Moi, je pense qu'il peut pas s'en tirer comme ça. Et des petits coups de fouet. Ouais, je pense qu'on va faire un petit châtiment corporel. Alors, un petit coup de fouet proposé par Ketra. Excusez-moi, je prends... Moi, j'aimerais qu'on avance un petit peu, on va pas rester dans une lâche de vie. À un moment, on va négocier l'argent. Voilà. On va négocier l'argent. Voilà, et on va y aller. Hein. Je vous dis juste, à titre du culture générale, donc, ce qui est courant, c'est le talion. C'est-à-dire, si on te crève un œil, tu crèves l'œil de mec qui t'a crevé l'œil. On peut couper une main. On peut pendre les gens, donc, sauf pour les nobles. On peut exiler. Il y a aussi un truc qui s'appelle le pilori, c'est-à-dire qu'on te... On te met les mains et le cou dans un espèce de planche et tu es exilé comme ça pendant quelques jours, un jour. Oh bah pilori c'est bien, pilori. C'est une solution 55. Allez pilori. On n'a pas de pilori. Par contre, il se trouve que Baudouin est charpentier, il pourrait créer son propre pilori. Un peu cruel. C'est créatif du coup. Oui. Combien de jours le pilori? Une petite semaine. Et on le nourrit ou pas? Bah oui quand même, on n'est pas des sauvages. Donc le pilori, une semaine, c'est ça? Voilà, donc du coup, il a 4 jours pour faire son propre pilori. Mm. Du coup, il peut le faire dans un bois sympathique et assez confortable. Et puis ensuite, ça sera une semaine sur la place du village avec un repas par jour. Alors, Baudouin, il dit « Je vous remercie, c'est pas excellent, mais c'est bien, je m'en tire bien. » Merci, merci noble Clodomir. Voilà. Je vous en prie, Baudouin. Donc toi, tu veux voir Hermance? Ah oui, moi je veux voir Hermance. Et oui. Elle me dit « Je vous remercie, vous et vos pères, de m'avoir gracié. » Alors moi, je lui dis « Vous savez, Hermance, le fait de vous avoir épargné aujourd'hui vous met à la tête d'une fortune assez colossale. Alors, oui. Je vais reprendre les affaires de mon mari, si vous voulez. Reprenez les affaires de votre mari. Père Chapi. Un problème. Vous savez que ce jugement mériterait peut-être une
petite récompense de votre part. Eh bien, vous voulez que je donne une petite, un, comment dire, que je donne une somme au seigneur du rideau? Oui. Oui. Pour, les frais, de... est-ce pour que, les frais de dossier. Est-ce que voilà. Un écu serait suffisant? Non, serment, serment. Nous parlons d'une vie, nous ne parlons pas d'un écu, Hermann. Alors, à combien s'élève la fortune de votre mari? Vous pouvez nous le dire. Nous alors, des, on a des l'équivalent de 5000 écus en... Un écu, attendez, attendez. Elle attendez. Propose un écu, là. Un écu. Attendez, attendez. On veut toujours la pendre. Hein. Attendez, attendez. J'ai l'équivalent de 5000 écus en soierie, en soie, qui vient du pays d'à côté. C'est un peu pénible à transporter. Voilà, c'est ouais. Sous forme de 35 caisses de soie. Vous pouvez prendre une caisse de soie si vous avez un moyen de les prendre, ou vous pouvez même en prendre 10 si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et sinon, j'ai 20 écus en liquide. Il m'en faut quelques-unes pour que relancer l'affaire. On va, en prendre 5, plus une carriole, une caisse et un cheval. Non, moi je prendrai les 20. Non, il faut lui en laisser pour qu'elle puisse elle avoir. Elle a l'équivalent de 5000 écus en soie. 20 écus ne vont pas lui manquer. Néanmoins, il faut qu'elle comprenne un peu le... Alors, il n'y a pas de cheval ici. Hein. C'est, il n'y a pas de cheval. Non. Donc, les caisses, là, elles ont été portées à dos d'homme. Elles sont apportées depuis une destination qu'il ne t'a pas dit, par contre, des caravanes dont tu ne sais pas l'existence. Je vous propose, mes amis, si bien sûr vous êtes d'accord, de peut-être nous confectionner quelques nobles vêtements pour... Alors, je ne suis pas couturière, je suis juste négociant. Prenons quelques étoffes. Ok, prenons quelques étoffes. Je veux bien, s'il y a du rouge et du doré, je veux bien. Alors, tout est bleu, jaune ou vert. Regarde, on se donnait des écus. Choisis ta couleur. Moi, je dis une petite cape en soie pour rentrer discrètement dans une ville, ça ne fait jamais de mal. C'est vrai qu'on pourrait tous se faire des capes. Encore une fois, elle n'est pas couturière. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui est artisanat. Lui, il peut éventuellement vous couvrir. On trouvera probablement un couturier sur notre chemin. Bon, prenons une étoffe chacun. Une étoffe chacun. Donc, vous choisissez votre couleur entre rouge. Non, excusez-moi, pas rouge, bleu, vert, bleu, jaune et vert. Voilà. Moi, je prends bleu. Laissez-moi la jaune. Bleu. Et tu prends les 20 écus? Oui. Non. Comment ça, non? Prenons 15. Ah, ça, pour prendre des gens, Codonir est là, mais pour prendre 20 pour vos écus... Justement, non. Excusez-moi, je me sens investi d'une mission d'importance. Expliquez-nous la raison, mon cher Clodomir. Ça vaut 10 écus, d'accord? La séance. Alors, je ferai le partage après. Et ça en vaut 1, 2, 3, 4, 5. Ça en vaut 5. Ok, comme ça. Non, oui, 5 écus et 10 écus. Comme ça, c'est pour faire le compte. Je garde pour l'instant. Cet argent sera mis dans une cagnotte que je propose commune. Oui, commune ouais. Sachant que pour vous donner une perspective, un écu, c'est ce que peut économiser un paysan pendant un an de travail. Donc c'est une somme énorme. C'est-à-dire que, en fait, vous ne réalisez pas que vous êtes tout d'un coup devenu très très riche. Voilà. On a 15 écus. Hein. Ok. Bon, la seule truc, c'est que parlons avec Roger pour voir s'il a. Je sais qu'il est frustré. Je voudrais juste aller parler avec Roger pour être sûr qu'il ne va pas, dans notre dos, remettre les cordes à la branche de son olivier, quand même. Déjà, Roger vous retourne chez lui. Il y a encore à manger, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la culture du village de beaucoup manger. On peut se resservir. Oui, bien sûr. Alors, malheureusement, c'est le jour de la soupe, mais tu peux... Ouais. On prend un petit peu. Voilà, ils sont pas... Alors, attendez. Il dit, bon, c'était juste une petite distraction. Je sais pourquoi le seigneur du rideau vous a fait venir... Donc je vous réexplique un petit peu la situation. Donc vous savez qu'au nord de ce village il y a un village qui s'appelle Claveau. Claveau. Ouais, Claveau. Vous découvrez? Vous n'êtes pas venu pour ça? Si. Non, bien sûr. Mais on met à jour le village de Claveau. Oui. D'accord, le village de Claveau. Donc le village Claveau, vous savez, nous donne une fois par semaine une caravane de fer, puisque c'est une cité minière. Et là, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas envoyé de fer pour les épées du seigneur du rideau. Donc on est un petit peu inquiet. Et nous pensons que le sénéchal qui s'occupe du village, qui s'appelle Persimony. Il nous a trahis, parce que c'est un village sur la frontière, et je pense qu'il a été soudoyé par le pays voisin, qui c'est l'Osmanli. Et ils ont détruit le pont, et du coup, il n'y a plus de caravane qui vient. Donc, il faudrait que vous y alliez de toute urgence, là-bas, vous répariez le pont, vous pendiez Persimony, et vous faites en sorte que la caravane de fer arrive chez nous. Sinon, le seigneur du rideau va tous nous pendre, mais si vous y arrivez, peut-être qu'il va nous récompenser. Vous avez combien de stocks là de fer? Ben, on est à sec, puisque nous on renvoie tout à rideau. C'est quand même une sacrée quête là qu'il nous propose. Hein. Il nous donne quoi en échange? Il nous donne rien. Mais je dis rien. Nous sommes des employés d'État. Ouais. On est des fonctionnaires. Est-ce que c'est peut-être le moment d'arrêter notre rôle de compétition et de nous enfuir? Alors là, exactement. Moi, je m'éloigne un petit peu, je les prends à part, je leur dis que c'est l'occasion idéale de quitter le village en fait, puisque rien ne nous empêche d'accepter sa quête, c'est vrai, voir c'est et vrai, de jauger un petit peu le danger. Je suis venu chercher un sceptre et la gloire, pas la sécurité de l'emploi, les amis.
ne peux pas devenir fonctionnaire, là. Le fer nous permettrait de peut-être reforger les haches de Ketra. Vous pouvez. J'ai une potion, Ketra. Ketra, ne vous inquiétez pas, j'ai une petite potion pour recoller tout ça. De toute façon, vous aviez l'intention d'aller quelque part. Moi, j'ai quitte à aller quelque part, autant aller là-bas. Après, on peut aller là-bas en tant que simple voyageur et ne pas dévoiler notre identité tout de suite. Alors, non, on a un petit village, Seigneur Clodomir, vous pourrez dormir dans mon lit. Par contre, pour vos assistants, s'ils peuvent se contenter d'une grange. Ils vont s'en contenter, je pense. Surtout Nicolas. Vous abusez un peu de votre... À moins que vous vouliez partir tout de suite, sachant qu'il est fin d'après-midi. Et le village est loin ou... Clavo? Vous savez pas où est Clavo? Si, c'est au nord. Ok. Donc, est-ce que vous voulez partir maintenant? Si vous restez, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Si vous voulez attendre jusqu'à demain, dites-moi ce que vous voulez faire. Je sais pas trop ce qu'on a à faire attendant le village. Il n'y a pas trop de quoi faire la fête. Tu peux peut-être aller voir la médecin pour lui demander si elle aurait pas quelque chose. Ah oui. C'est vrai. Bon, en tout cas, jusqu'à dormir dans le village, je suis pas sûr. Je voulais un peu faire la fête, mais il n'y a pas de bar, il n'y a rien. Et c'est plutôt sinistre d'ailleurs. Ils ont l'air d'être pas des rigolos ici. Ouais, ouais. Non, on va pas dormir. On va y aller. En plus, comme ça, on arrivera pendant la nuit dans le village de Clavo. Ça nous permettra de prendre... Je vais juste voir rapidement la rebouteuse, voir si elle a des ingrédients qui pourraient m'intéresser. Je voudrais discuter avec elle rapidement. En tant qu'alchimiste, je suis toujours à la recherche de... Elle t'embrasse la main de son visage crasseux et elle te dit merci encore de m'avoir sauvé. Ok, de rien. Alors, tu fais un petit échange avec elle cordial et tu t'aperçois qu'elle a vraiment un niveau très basique en termes de soins. Mm-hmm. Qui vont du style à voilà, comment assurer un accouchement et, et quels sont les arbres qui soignent quand on a la fièvre, mais ça ne va pas plus loin. Tout ça ne m'intéresse pas. Par contre, je suis toujours à la recherche de potions et de flacons de potions vides pour stocker mes potions. Si elle avait des alors, flacons vides, je peux vous en donner un pour un petit denier. Je vous ai sauvé la vie, cher Obuto. Ah d'accord, elle te le donne. Ah voilà. Ah là, quelle bande de rats dans ce village quand même. Ouais, moi aussi, il faut que je vive. Ok, d'accord. Donc là, j'ai deux potions vides dans mon inventaire et je préfère deux nouvelles potions. Très bien. Vous faites quelque chose en particulier? Moi, je suis barre. On décolle. Hein. D'accord. Donc, il y a une route qui part vers le nord. Et vous commencez... Alors, elle traverse un bois. Et elle a l'air d'être assez longue. Donc, la nuit tombe. Vous entendez des ululements de chouettes et quelques hurlements de bêtes sauvages. Et la nuit tombe et elle commence à être très sombre. Vous êtes dans des bois très sombres, en pleine nuit. On aurait peut-être dû dormir au village. Décidément. Mais il faut faire un feu de camp, elle a raison. Un feu de camp, on s'arrête, on débranche. D'accord. Alors quelqu'un qui a un petit score en survie peut peut-être essayer d'allumer un feu. Bien sûr. Moi, je peux. Et après, Ketra, je peux vous proposer, j'ai une potion qui peut coller les choses. Oui, j'aimerais bien. Sur combien? 60. Clodomir, en plus d'être juge, est une sorte de survivaliste accompli puisqu'il fait un très beau feu avec des branches de sapin. Et vous avez de quoi vous réchauffer cette nuit. Vous pouvez vous raconter des histoires ou chanter des chansons. Vous faites des tours de garde, c'est ça? Oui, et puis surtout, je donne ma hache. J'en profite pour utiliser une de mes potions. Ah, donc là... Car j'ai gaffé pour obtenir ma racine de mandragore, j'ai brisé... Quelle était la probabilité que je brise quand même votre hache, Ketra? J'ai brisé sa hache et par contre... J'ai une potion qui s'appelle le passe-muraille de Karlov. Une potion qui permet de tout... Non, j'ai une potion qui n'a pas de nom, excusez-moi. Elle n'a pas de nom parce que c'est toi qui l'as inventée. Voilà, je vais lui donner un nom bientôt parce que je ne l'avais jamais encore utilisée. Oui. Une fois qu'elle est à l'air libre, elle peut tout coller en 30 secondes. Ah, très bien. Alors, tu vas pouvoir réparer sa hache. Maintenant, une hache réparée est moins bien qu'une hache normale. Mais peut-être que tu vas faire des miracles. Donc, tu vas utiliser ta potion, ça c'est sûr. Oui. Par contre, il faut que tu me fasses un geste sous ta compétence d'artisanat. Très bien. Oh, lune. J'appellerais la Gluventrunkel. Moi, je pense qu'il va se coller les mains entre elles. Moi, je m'écarte un peu. Mais, ça peut pas exploser, mais il peut y avoir des... Écoutez, j'étais major de promotion à l'université de Knigar. Il ne peut rien nous arriver de mal. Alors, du coup, c'est... Vous connaissez l'université de Knigar ou... C'est en quoi le... Personne ne connaît. Hein. Quel est le... Oui. Quelle est ma compétence? Artisanat. D'accord. En bas à gauche. Oui, je l'ai. Combien? 60. Faut que tu fasses moins de 70. Ça va être facile, ça va être facile. Ne vous inquiétez pas, évidemment. Regardez. Hop là, voilà. Oh. Là, 17. Eh bien, non seulement il répare ta hache, mais il la répare très bien. Alors, il y a quand même une petite brisure quand même, mais Bravo. Tu as de nouveau deux haches qui peuvent tuer. Je suis impressionné. Okay. Ah, et puis, ça fera un beau souvenir de voyage, cette petite trace. Je prenais un peu pour un rigolo, mais là, je. Est-ce que tu voudrais pas essayer ta nouvelle hache, enfin ta hache nouvellement réparée,
pour chasser quelque chose, histoire qu'on n'ait pas allumé le feu pour rien. Vous avez bien mangé toute la journée de la soupe et la veille aussi, hein. Il n'y a pas besoin de... Le feu, on a juste allumé le feu pour la lumière, alors. Pour la chaleur. Pour la chaleur. Pour la chaleur. Pour la chaleur. Mais si elle veut chasser... Mais il ne restait pas un petit alcool de... de pomme de terre. Oui, on a un petit alcool de pomme de terre, c'est vrai. On ne peut pas boire au coin du feu. Oui, vous pouvez boire au coin du feu, tout à fait. Mes amis, à la vôtre. Allez. Ce petit alcool sera bien le... Et note que tu as une nouvelle bouteille vide. C'est vrai. J'espère qu'il y a une consigne quelque part. Ah bon, cet alcool. On fait juste. Là, on fait des tours de garde. Est-ce que vous pouvez déterminer la substance ? Tout à fait. Je ne sais pas quelle est ta compétence. Enfin, la compétence pour déterminer. Oui, mais elle est combien ? Faut que tu fasses moins de 60. Vas-y. 06. Oh là là. Donc, réussite particulièrement. À la montagne normale. Il y a un petit problème. Attendez, excusez-moi, je récupère la mandragore. Oui, tout à fait. Alors, non seulement tu l'identifies, ouais. Mais en plus, tu peux cacher si tu veux faire une potion tout de suite avec. Ouais. Parce que tu as fait un. Très bien. Je vais faire une potion. Alors, je vais t'en dire les effets. Donc, tu détermines que la résine de mandragore est un puissant hallucinogène. D'accord. Et donc, c'est une potion qui, quand tu la brises ou tu la verses quelque part, mais c'est surtout tu la brises. Ça libère un nuage qui provoque des hallucinations très puissantes. Très bien. Voilà. Il faudra lui donner un nom. Et généralement, chez les alchimistes, la tradition, c'est que la nomenclature, c'est la potion de machin de l'éminent. Et là, ils collent leur nom. Tu vois, c'est le moment de se la péter. Vous passez une nuit. Il me reste deux flacons. Un petit peu alcoolisé et un petit peu éméché sous le signe de l'artisanat. Le jour se lève, vous repartez vers le nord, j'imagine. Oui. Le bois s'arrête, pas très loin de votre feu de camp. Donc, il y a une grande route qui va vers le nord, sur une prairie très très plate. La route est constituée de dalles qui sont à moitié recouvertes d'herbes. Une route ancienne, donc, et les dalles sont gravées d'un lion. Et il y a des papillons jaunes et argent, qu'on appelle des belles des bosquets, qui volaient autour de vous. Donc, petit géant chanteur. Petite balade enchanteresse. Et je veux bien que quelqu'un, l'un d'entre vous, allez... Tiens, toi, Atlan, fais-moi un jet de perception. Allez. 30. Alors, deux choses. Tu as la bizarre impression que vous êtes suivi. On est suivi. C'est pas qu'une impression, on est suivi. Depuis tout à l'heure, je sens, j'entends des choses, des bruissements. Autre chose, tu trouves un petit caillou vert. Un petit caillou vert, comme ça. Et tu le trouves, effectivement, vous le regardez, il a l'air un peu bizarre, voilà. Donc, par terre. À quoi ça va vous servir, je ne sais pas. Un caillou. Est-ce que... Non, il est gros comme ça. Donc là, même si on l'examine, on n'en saura pas plus, ouais. C'est juste un caillou. Le mage peut pas l'examiner. Bah toi, tu peux l'examiner. Ouais, tu veux l'examiner, mais t'es gladiatrice. Clodomir, pas moi. Moi, je vais le... Oui, c'est... Non, c'est plutôt lui qui sait identifier les choses. Ok. Ah. Mon cher Nicolas, cette pierre me semble... étrange. Reprenez vos démons. Atlan. Vous êtes trop pressé, Atlan. Vous êtes toujours dans le speed, j'ai l'impression. Toujours. 11. Voilà. Alors, mais tu connais parfaitement ce caillou, mais bien sûr. Major de promo. Mais bien sûr. Voilà, il vous sort une anecdote sur la fois où il a découvert ce caillou et que tous les professeurs étaient impressionnés. C'est un lumivert, c'est un caillou qui brille très légèrement phosphorescent dans la nuit. Ouais. Et peut-être tu pourrais faire quelque chose avec si tu as le temps. Mais pour l'instant, on est sur le chemin. Je vais m'emparer du lumivert. Non, donne-moi le caillou. La route plonge dans un petit bois. Donne-moi le caillou. Est-ce qu'on n'enverrait pas quand même Kétra est-ce qu'on ne ferait pas une petite... on continue notre chemin et en fait Kétra... Je sens qu'en plus les haches la démangent un petit peu là. Ah, pour essayer de voir pour un essayer peu de voir qui nous suit. Qui nous suit. Parce que maintenant il faut adopter une stratégie. Si on arrive au village, on ne va pas se pointer au village en mode... ça se trouve des gens te connaissent, ou enfin savent attendre quelqu'un et ce ne sera pas toi, forcément. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez une stratégie particulière? Sinon, je. Une story, hein. On rappelle que potentiellement, c'est aussi un village de rebelles qui a peut-être volontairement. Qui a stoppé la chaîne de C'est pour ça qu'il vaut mieux pas dire qu'on vient pour le nom du seigneur du fief. On vient pas du village, nous sommes des commerçants, des marchands. Avec des étoffes. Mettons nos capes. Nos étoffes. Nos capes d'étoffes. En forme de cape. Mettons nos étoffes, faisons-nous passer pour mais des marchands. Mais Kétra, gardez vos haches près de vous quand même. Est-ce que je ferais pas un petit détour pour les prendre par derrière? Moi, j'aimerais bien. Donc, vous allez vers le nord. Et toi, tu fais quoi? Tu fais ça? Alors, avant de faire ce plan génial, je veux dire, comme je l'ai dit, dans une
prairie rase. Mais non, il y avait un petit bois. Ah, bon. Il y a un petit bois, il n'est pas encore rentré, mais j'allais le déclarer. Pas... Si vous voulez, on attend. Non, bah, dès qu'on est dans le petit bois, Etra reste en retrait, à côté, sur le bord du chemin, et attend de voir qui nous suit, parce que des gens sont en train de nous suivre. Alors, c'est un très petit bois. Mais ce petit bois, il a une particularité, c'est qu'il y a un carrefour. Donc, il y a quatre routes qui partent, dont celle sur laquelle vous êtes. Elles partent dans quatre points cardinaux, c'est facile à retenir. Il y a quatre points cartes que seul Clodomir veut lire, et s'il les lit à voix haute, je vous les dirai. Et il y a aussi quelque chose de particulier, il y a quatre fillettes, on ne s'emballe pas. C'est des fillettes moyenâgeuses, c'est-à-dire ce sont des cages de fer suspendues au vu de tous, où dedans, il y avait des gens vivants. Et... il y avait des gens vivants, et donc il y a dans les quatre cages, vous voyez des choses. Donc il y a cage 1, cage 2, cage 3, je vais même vous dire allez, ce qu'il y a dedans. Dans le premier, il y a une espèce de cadavre décomposé. Dans le deuxième, il n'y a pas grand-chose. Dans le troisième, elle a l'air un peu cassée, il y a un petit truc dedans. Et dans le dernier, il y a un autre corps. Voilà. Qui est également décédé, cadavre, ou... En tout cas, il ne bouge pas. Donc là, on est dans un petit bois un rapport mort-surface assez intéressant. C'est ça. C'est très, très thématique dans la zone. Je vais lire les panneaux, du coup. Alors, il y a les quatre directions. Donc, au nord, Claveau. Au sud, Arance. Jusqu'à présent, tout est check. À l'ouest, Rideau. Comme un rideau. Et à l'est, Varna. V-A-R-N-A. Ah. Ça correspond à la première carte qu'on a trouvée, en fait. Ouais. Okay. C'est ça. J'ai l'impression que la carte commence à se dévoiler un petit peu. À part notre alchimiste qui vient d'un autre pays, vous savez tous que Varna, c'est une très très grande cité. C'est un peu comme si vous étiez à côté de New York et je vous disais, il y a New York par là-bas. Tu vois. Donc, Varna, c'est quelque chose de big pour vous. Quoi. Okay. Alors, nous, à la base, on va vers Claveau. On va vers Claveau. Ouais. Donc, on continue vers le nord. On est suivi. On est suivi. On ne sait pas ce qu'on va trouver à Claveau. Et on a quatre cadavres. Et on a du cadavre, dont un qui est peut-être encore en vie. Est-ce que les cages, les fillettes, comme on les a vues, sont juchées très hautes ou est-ce qu'on peut aller les inspecter facilement? Ah non, elles sont... vous pourriez monter dedans si elles étaient ouvertes. Très bien, allons-y. Non, mais sinon, venez, on se planque tous. Et les gens qui nous suivent vont forcément s'arrêter pour voir de quoi ils retournent. On se planque dans les fillettes? Non. On se planque dans la forêt. C'est à hauteur d'homme, ils vont nous voir tout de suite. Enfin... Non, mais on nous prend pour les corps. On pourrait se planquer dans les fillettes. Mais pourquoi on ferait ça? Parce que ils vont approcher, il y a nulle part. Il y a juste un tout petit bois et la clairière rase. Qui nous dit que les portes sont ouvertes? Effectivement, les gens sont fermés à l'intérieur. Oui, mais on peut essayer d'ouvrir, non? Oui. Non, mais il y a des cadavres, voilà. Pourquoi est-ce qu'on se cacherait dans des trucs de cadavres? On peut se cacher derrière des arbres. Pour voir qui nous suit. Mais il y a des arbres. Mais il y a des arbres, les gens vont s'arrêter pour regarder. C'est un tout petit bois, on m'a dit. T'es gladiatrice, toi. Bah justement. On des animaux, tout ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Bon, que faire alors? Les gens ne sont pas En tout cas, je propose qu'on règle l'histoire des gens qui nous traquent, voir s'ils nous veulent du mal ou pas. C'est ça. Avant d'avancer. Moi, je préconise que Ketra reste en... Mais non, on peut tous se planquer. Je suis pas super chaud pour se planquer dans les cages. Pareil. Voilà. Alors, vous n'êtes pas joueur. Je vois pas l'intérêt en fait. C'est stylé. Vous voulez vous cacher, c'est ça? C'est compliqué de s'envoyer en sachant. On les prend pas. Ouais, on se cache et un peu en retrait du carrefour. Atlan qui prend un peu le lead du projet de discrétion. tu as une compétence discrétion normalement. Oui. Eh bien vas-y, fais-nous un jet. Tu nous dis combien? Alors il faut que je fasse moins de 40. Ouais, moins de 40, c'est parti. C'est pas... Et c'est piffé 92. 92. Alors, un peu, vous vous accroupissez dans des buissons. Avec des étoffes jaunes. Ça, ça fait. Avec des étoffes jaunes en soie. Et vous commencez à attendre une première heure. Et rien ne se passe, mais par contre, les cages se balancent au vent. C'est une excellente idée, mes amis. Nous sommes bien imprégnés de la zone. Je trouve que ce vent est une belle métaphore de la réussite de l'opération. Est-ce que, au moins, on est sûr personne nous suit. En tout cas, est-ce qu'on vous attendrait pas une heure de plus? Avec un autre petit jet, là. Attendons. Tu veux refaire un jet en discrétion. T'as combien en discrétion, toi? Si on est grillé, on est grillé. Allez. Zut. T'es envoyé en dehors de... 60 quelque chose. Donc, Clodomir dit stop, vous changez de buisson, et vous attendez une heure. Rien ne se passe, mais il y a encore un peu de vent. Ça grince un peu, maintenant, les fillettes. Bon, OK. Soit ils sont très loin. Soit ils sont pas là, en fait. Non, soit ils nous ont repérés, surtout. Soit ils nous ont contourné le bois. Cachés sous nos étoffes jaunes. Bien sûr. Enfin, réfléchissez. Surtout que ça fait deux heures qu'ils voient un troupeau de gens sous des étoffes de couleur vive, changer de buisson. Je pense que. Bon. Est-ce qu'on fouillerait pas les fillettes? Oui, je pense que fouillons les fillettes. Alors, fillette A,
un cadavre décomposé ou pas. Fillette B, presque rien, mais ça ne veut pas dire rien. Fillette C, presque rien, un peu cassé. Et fillette C, un cadavre, point d'interrogation. Qui fouille quoi ? Nous sommes quatre, prenons un chacun. Prenons chacun. Oui. Bah, premier arrivé, premier servi. Alors, vous voulez prendre la cadavre. Moi, je prends le dé. Le dé. Avec le corps, alors. C'est, j'ai de quoi ? Perception. J'ai de rien du tout. Tu t'approches. J'ai de rien du tout. Alors, on va juste faire le truc. T'as la fillette qui est devant toi, donc des barreaux, un cadavre. Qu'est-ce que tu mets la main ? Il y a une serrure, quelque part ? Ah oui, il y a une serrure bien fermée. Bah, je peux essayer de casser la serrure avec une hache. Gaffe avec ta hache. Pas celle qui est, pas celle qui est rafistolée. Alors, fais un jet avec 20% de malus sur ta compétence, donc ça doit être fait moins de 55. Ok. Je ne peux pas tout réparer. 25. Oh, alors, superbe. Tu casses la serrure et tout d'un coup, la personne qui était dedans se dresse, se jette. Elle se jette dehors et elle fait des cabrioles. Elle dit « Ah, je suis libre, tout va bien, merci beaucoup. » Elle lui dit « Vous êtes sympa ou pas ?» C'est super, non ? Ouais. Et ben ouais. Alors, c'est... Tu as mis pendant 2 heures de cacher dans un buisson autour d'elle. Non, mais effectivement, c'est bien que vous disiez ça parce que je ne sais pas ce que vous faisiez. Vous cachez, vous allez changer de position, vous cachez. Je dis, oh, est-ce que je vais les trucs ? Et là, vous me libérez. Vous êtes vraiment mais tellement vous gentil. Vous êtes mes sauveurs et tout. Vous nous avez pas parlé. Attention. Et ben parce que la personne, peut-être pas les premiers à me passer. Est-ce que vous auriez pas un peu à manger, un peu à boire ? Ce serait vraiment super. Attends, d'abord, qui êtes-vous d'abord ? Alors d'abord, qui c'est ? Donc, c'est. Attendez, je vais prendre la. Oui, c'est une. C'est. Attendez. Excusez-moi, je prends. C'est un contrebandier qui s'appelle Jotun, J-O-T-U-N, qui est tout maigre maintenant parce qu'il est passé un petit moment dans le. Il est habillé tout en gris. Il a une petite tête d'étranger quand même. Voilà. Parce il a des cheveux blancs très courts et il a plus de dents. Voilà. Et il a plein de. Comment dire, de colifichets, de talismans, tout ça. Ah, le bon gars. Ok. Voilà. Vous avez à manger ou pas ? Non ? Alors, attendez. La question s'impose, j'imagine peut-être. Je vais peut-être même tenter un petit coup de psychologie sur lui. Parce que je veux vraiment savoir en fait pourquoi il est dedans et j'ai peur qu'il me mente. Alors, juste à la psychologie, tu sens qu'il t'a menti déjà. Ouais. Il ment globalement. Forcément. Tu vois ? Voilà. Et il y a quelque chose qui te travaille. Tu penses que il vous a volé un truc déjà en vous faisant des. Ouais, c'est vrai que je le vois un peu expansif comme ça, tourné autour de nous. Je me dis, il y a quelque chose de très louche. Bon, écoutez, je crois que c'est là où nos chemins se séparent. Non. Donc là, je lui pose la main sur l'épaule, lui fais attendez mon brave. Oui. Et Tra, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ? Je sors ma hache, mais je le menace. Et là, je vous dis, à mon avis, il nous a fait des poches. Je les connais, ces malandrins. Bon, alors il dit ok. Il te tend l'écu qui vous a volé. Il dit mais attendez, j'avais pas de ressources. Vous pourriez me donner un petit peu d'argent. Déjà, vous m'avez sauvé. Un écu. Soyez bienfaiteur jusqu'au bout. C'est la seule chose que j'ai mis là-bas. Attendez. On le sauve et on en remercie. Nous voilà un écu. Mais attendez, il faut. On se refait pas, c'est bon. On peut le remettre dans sa cage ou pas ? Non, dans la cage. On le fouille. Alors malheureusement, il a presque plus rien. Il dit vous pouvez me donner un peu à manger ? Non mais attends. On n'a pas à manger en plus. Comment t'as fini dans cette cage déjà ? Oui. Alors, Jotun. Je vais être complètement honnête avec vous. Je fais un petit peu de contrebande entre le Smanli qui est à côté et le royaume d'Aria. Voilà. Et les gens d'Aria n'aiment pas trop ça. Heureusement, vous n'êtes pas juge. Donc, merci de m'avoir libéré. Je vous remercie comme ça. Attends, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne ? J'ai rien. Jotun. Oui. Qui est l'autre cadavre dans l'autre fillette ? Bon, j'en sais rien, il était là quand je suis arrivé. D'accord. Ils m'ont mis là-dedans il y a 2-3 jours. Heureusement, il a plu, donc j'ai pu boire un peu. Et qui t'a mis dedans ? Quel village exactement là ? C'est Persimony, le sénéchal de Claveau. Qui est vraiment donc vous étiez un enfoiré de première. Est-ce que vous avez quelques informations à nous communiquer sur Claveau ? Peut-être qu'elles vous vendront votre libération. J'ai un truc à vous dire. D'ailleurs, je suis libre. C'est un village de cons. Voilà, c'est ça. Voilà ce que j'ai à vous dire. Expliquez. Mais non, mais c'était un petit village très sympathique. Ça a été à l'Osmanli. Maintenant, c'est le fief du rideau et on ne peut plus faire ce qu'on veut. C'est complètement nul. Ça ne me plaît pas. Voilà. D'accord. Donc il y a un changement au pouvoir et depuis, ils ont un peu resserré les boulons. Quoi. Bah oui, c'est pas bon, bah avant, c'était, à mon avis, un truc un petit peu en freestyle. Et puis là, maintenant, il y a l'ordre et la morale qui règnent. Moi, je trouve ça plutôt correct. Pour un jeune magicien, Claudemire ou... Ah ben moi je suis dans... Non, mais là, moi, je suis complètement dans mon mandat, là. Jotun, est-ce que tu sais ce que ça veut dire que la petite broche que j'arbore sur ma tunique ? Ah non, c'est pas vrai, vous êtes juge.
Eh oui. Vous n'allez pas me remettre là-dedans? Et si. Et si. Mais peut-être que tu croiseras des gens un peu plus cléments. Attends, ouais. Elle dit, écoute, d'accord. Et il dit, bon, écoutez, je vais bien rentrer dans la cage. Attends, il a bougé les mains dans tes poches. Et au dernier moment, il s'enfuit en courant, vers le nord. Vers le nord, donc vers Clavaux. Est-ce que vous voulez le... Attends, c'est bizarre, parce que Clavaux, c'est le village qui l'a quand même enfermé dans la fillette. Et il court vers eux. Il court vers Clavaux. Bon, moi, je le rattrape. Ah, bah vas-y, fais un jet de... Ah, on le tue pas. Courir, hein. Courir, sauter, courir, courir, sauter. Combien plus, hein. J'ai 80, là, je suis 62. Donc, la gladiatrice, à grandes enjambées, rattrape et plaque Jotun par terre. Et il se met à pleurer, c'est moi, s'il vous plaît, franchement, je comprends pas, vous me libérez, ensuite vous voulez me remettre, mais vous êtes fou. Il nous vole, et ensuite il s'enfuit, il a quand même un comportement louche, en plus d'être... Pourquoi on entend dire Clavaux, que Clavaux est censé être un village qu'il n'aime plus? Pourquoi vous allez vers Clavaux? Parce que c'est le seul village que je connais, je vais pas retourner à Varna, c'est des fous là-bas, donc... Donc au nord c'est des cons, à l'est c'est des fous. Mais oui, vous savez, les gens sont tous bêtes, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez qu'on fasse la route ensemble? Vous voulez que j'aille ou vous voulez que je fasse quoi? Qu'est-ce que vous voulez pour me laisser tranquille? Mais on est en cage. On l'a bien refouillé là, il nous a rien piqué d'autre. Alors, puisqu'il est plaqué, tu peux le fouiller attentivement, il n'a rien de particulier sur lui. Okay. D'accord. Laissez-vous vos poches, attention à vos montres. Ouais. Alors, non, mais en fait, faut pas l'envoyer à Clavaux. Hein. Faut pas qu'il vienne avec nous parce qu'il va nous griller si jamais Il vient d'être enfermé par les habitants de Clavaux dans une fillette quand même. Donc, si on arrive avec lui, on est cramé. Ouais. Par contre, je veux bien aller fouiller les trois cages restantes parce qu'il y en a deux qui me paraissent. Il faut que quelqu'un le surveille. Mais qui n'était pas là. Je le surveille. Donnons-lui congé. Disons-lui de retourner vers Arance. Non, mais Kétra le tient. Kétra le tient. On y va méthodiquement. Donc, je veux bien aller faire, une petite perception des deux cages qui semblent vides. La A, B ou la C? Alors, la B et la C. Alors, la B. Il y a des plumes de corbeau. Des plumes de corbeau. Je prends. Prends ton trésor. Tout peut servir. Les plumes de corbeau de l'un sont le trésor d'un autre. Oui, je ne me moque pas de l'art de l'alchimie, ça m'a l'air super intéressant. Et tu fais lacer aussi ou pas? Bien sûr. Alors fais-moi un jet en réflexe. Oh, j'aime pas ça. Alors, je sais pas si je suis quelqu'un qui était très fort en EPS. Donc les réflexes... La réponse, c'est non. Hein. C'est sur ta colonne de gauche et tu ne l'as pas... Ça va, je suis pas mal. Je suis t'as combien? 50. 50. C'est des 50. Évidemment, j'ai fait 13. Oh là, quel homme svelte, je suis resté. Alors, il touche la cage. La cage s'effondre, pas au sol, mais il fait un bond extrêmement gracieux de côté. Et la cage, voilà. Il y avait quoi dedans, du coup? Il y avait rien. Elle était juste cassée. C'est juste une démonstration de mes talents physiques. Et il reste une dernière cage. Quelqu'un veut aller voir? Moi, je veux bien la fouiller. Alors, Atlan, tu t'approches. Le cadavre est décomposé et bien avancé. Et tu as un peu de nausée. Tu sens que ça va être une épreuve quand même de fouiller. Ouais, mais je vais quand même le fouiller. Tu vois, je mets ma veste devant, comme ça, je ferme les yeux et j'avance la main. Alors, tu vas perdre un point de vie sous l'effort mental que ça te prend, parce que c'est quand même un cadavre, vraiment, il y a des vers, c'est trop mauvais. Je sais pas pourquoi c'est gluant, j'ai fouillé les autres cages, moi. Ça va, Atlan? Mais tu découvres un pendentif en argent. Oh, gravé d'un soleil qui a un mystérieux sourire. Ah, la lune, un soleil, le soleil. Ah, c'est vrai que, attendez, quand on a croisé un symbole de lune déjà? C'est ma broche. Ah, c'est votre broche, d'accord. Look at the brush. Je le nettoie tant bien que mal. Oui. Et je l'observe de plus près. Et c'est un pendentif normal, mais qui a l'air tout à fait authentique, présente un soleil avec un sourire mystérieux. Quelqu'un. Peut-être Clodomir peut... Alors, je le montre, mais je le garde. Je veux bien faire un jet de perception. Oui. Veuillez, s'il vous plaît. Il y a des symboles, hein, les symboles ésotériques. Vous appuyez pas trop fort sur notre table de jeu, Clodomir. J'ai senti faillir. 61 sur... Non, c'est plus 91. 91. Ouais. Alors, Clodomir, il dit, ah oui, tout à fait, ça porte bonheur. Merci, Clodomir. Voilà. Merci beaucoup. Je poserai la question à quelqu'un d'autre, probablement. Je pense qu'on a regardé toutes les fillettes. On peut retourner voir Kétra et Jotun. Ouais. Moi, je propose d'envoyer Jotun dans une direction où on n'ira pas. Non, mais Jotun, au moins, on va le relâcher. Il ira dans la direction. Ouais. Si on dit d'aller au sud, s'il va aller au nord, il ne va pas au nord. Le nord, c'est ceux qui l'ont enfermé. Et il ne faut pas qu'il vienne avec nous, sinon il va dire qu'on travaille pour le fief. Alors, il faut le renfermer. Il va arriver avec nous. Il est intenable. Depuis tard, il laisse nous voler. On va laisser mourir dans une... Mais non, on lui donne congé en lui disant « va vers Arance ». Et va voir le... Bon, tu peux le menacer au pire. De toute façon, nous, on va vers le nord, on le verrait. Je veux juste pas arriver avec cet homme. On le renvoie vers Arance, donc au sud. On le force. Ou alors... Arrange. On l'attache. Arance. Arrange. On n'a pas de corde. Arrange. Il dit, ok, je vais aller à Arance. Comptez sur moi, les gars. Et merci encore.
Merci à tous. C'est sûr qu'il va pas y aller. Vous retournez vers, vous allez vers le nord ? Alors ouais, on continue vers Clavaux. La route se poursuit vers le nord sur la plaine rase et vous voyez les montagnes qui apparaissent devant vous. Donc c'est un océan de montagnes au nord, surmonté de neige. Et donc il y a même un petit vent froid qui commence à descendre un peu. Et vous dites, tiens, il va falloir se couvrir. Heureusement qu'on a nos étoffes. Eh oui, c'est de la soie. Hein. Mais juste devant ces montagnes se trouve une autre montagne, mais celle-là immense, mais tellement, enfin très pentue. Elle va au-delà des nuages. Elle est tellement grande, vous avez l'impression d'être face à un dieu, quoi. C'est immense. Est-ce qu'à son pied se trouve Clavaux ? Je ne sais pas, mais en tout cas, juste devant, sur votre route, problème, il y a un gouffre naturel. Donc, en plus, en bas, il y a des sortes de, comment ça s'appelle ? Des cristaux blancs, bien pointus, donc il ne faut pas tomber. Et il y a un petit pont naturel, on va dire de 1,50 m de large, c'est le fameux pont, qui va au-dessus. Alors, deux questions. Est-ce que vous passez sur ce pont naturel ? Et si oui, dans quel ordre ? Alors, du coup, c'est quand même le pont dont nous parlait le bourgmestre en disant qu'il était probablement cassé. Ah, c'est alors, vrai. Donc là, il n'est pas cassé, en fait. Et je précise que, que le noble Clodomir, magicien, le sent pas du tout. C'est-à-dire que... C'est peut-être une illusion. Il se dit... Non, non, c'est plutôt une peur du style vertige. Ah. En faisant un grand effort mental, il pourra le traverser, mais... C'est pas le sportif du groupe, voilà. Alors, je le sens déjà, pas super là. Déjà, dessous, ça pique un peu, quoi. Alors, on y, déjà, si on le tente, on n'y a pas quatre en même temps. Non. On y aille les uns après les autres. Je pourrais pas, moi. On aurait dû garder Yotun, on l'aurait fait passer en premier. C'est vrai. Il aurait pu couper le pont de l'autre côté aussi. Non, c'est pas, c'est un pont de pierre. Ah, c'est un pont de pierre, ok. C'est une arche rocheuse naturelle. Ah bon, il y a des barrières, quelque chose de ah non, c'est pas du, ça n'a pas l'air d'être touristique. Hein. C'est plutôt... C'est-à-dire que, en fait, ce village de Clavaux commerce du métal en passant sur ce truc-là. Ouais. Oui, a priori. Pas dégourdi. Il y a forcément un autre chemin, en fait. Bon, moi, ça me fait pas trop peur, ça. J'y vais en premier. Alors, la gladiatrice avance d'un bon pas. Et vous avez un petit peu peur, le cœur battant. Mais non, elle est de l'autre côté. Et elle dit, bah, c'était rien du tout. Venez, les gars. Vous êtes tentés. Ok, moi je le sens vraiment, vraiment pas. Bon, alors je la suis, je relève mes jupes d'universitaire et doucement je me lance pour passer le pont de pierre. L'alchimiste passe sans aucun problème, il n'est pas sensible au vertige et il est de l'autre côté, il dit bon, ça va. C'est finalement 1,50 m de large, ça va. J'ai l'impression que tout se passe bien et que la pression monte en même temps. Je peux contourner le précipice ou pas ? Ah bah, a priori, il va d'un côté à l'autre, donc si tu veux, ce sera une longue marche. Je tente le passage. Attends, rejoignez-nous ! J'arrive, mon brave. Je relève un petit peu ma cape, histoire de pas me la prendre dans les jambes, et je passe. Je précise que le pont fait une quarantaine de mètres, enfin le gouffre fait une quarantaine de mètres de large. Oui, vas-y, c'est quoi ta question ? Est-ce que, vu que... Enfin, maintenant, je suis trop loin, je peux pas... Je crie. Tu peux hurler, oui. Je hurle, je lui dis, est-ce que tu ne pourrais pas aider, Clodomir ? Le problème, c'est qu'on passera pas à deux dessus, en fait. Le pont est pas assez large. Malgré la corpulence frêle de Clodomir... Ou alors, je peux accompagner Clodomir pour éventuellement trouver un autre passage. Bon, Clodomir, vous passerez jamais ce pont ? Je le sens pas du tout. Là, j'ai du mal à respirer. Clodomir, calmez-vous. Je vais tenter d'apaiser. J'ai l'impression que je fais une crise d'apaiser Clodomir. Vas-y. Est-ce que je pourrais faire un truc de. Je tente d'apaiser Clodomir grâce à de subtils conseils. De psychologie. De psychologie et de. Non, il a apaisé les passages. 20. Voilà. Bon, Clodomir, tu le sens mieux. Il a trouvé les bons mots. Mon cher Clodomir, je me sens apaisé là. Donc, qui passe ensuite ? Je me lance. Allez-y, passe. Enfin, je me lance. Passe, Clodomir. Façon de parler, je j'y vais. Ok. Et effectivement, là où tu aurais pu avoir peur, ça se passe très bien, et tu es de l'autre côté. Donc, ah ! Il ne reste plus que toi. Ouais. Par hasard. Venez, attends ! Et c'est à ce moment-là que surgit des bois l'autre bandit, celui qui avait fui au tout début. Oh voilà. Celui qui nous suivait, j'en suis sûr. Dit « Je suis Cosmo Flash, tu as tué mon ami, tu vas mourir ». Ok, très bien. Il tire son épée. Ah, il tire son épée. Alors, est-ce que Kétra n'a pas le temps de revenir là ? Ça se passe juste. Il y a 40 mètres hein, quand 40 même. Entre nous, si tu peux lancer, tu peux courir, lancer une hache. Je baisse vas-y. Un peu quand même. Tu as aussi des potions. Et puis, on a un magicien à bord. Je peux peut-être faire un sort. Alors, attendez. Je peux tenter de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Dire moi ? Allez, vas-y. Mais non, parce que vous l'avez déjà rencontré une fois. À côté du lièvre rôti. Là, il a une étoffe. Là, j'ai une étoffe. Tu sais, écoute, moi, s'il fait un 0-1, j'accepte. Tu vois, s'il fait moins de 10,
Je peux imaginer quelque chose, mais il faut qu'il fasse moins de 10. Atlan, ça va mal okay, finir. Non, bon, il vous reste combien de points de vie, Atlan? Parce que vous en avez déjà perdu 3. 7. Ah bon, ok, d'accord. Sinon, tu peux courir sur le pont aussi. Tu as courir, sauter. Courir sur un pont comme ça, je le sens pas. Mais pourtant, vous êtes plutôt moi, quelqu'un qui a un runner. Plutôt... Oui, mais pas tu peux lancer une hache. Bah déjà, je veux savoir sa réaction à lui, après tu me diras alors, ce que tu fais toi. J'hésite un petit peu, je sens que le danger est proche. ça, c'est sûr. J'ai pas beaucoup de temps pour réagir en fait, donc je vais pas essayer de l'apaiser parce que je le sens déterminé. Oui. J'appelle Ketra. Ketra Je dégaine Ketra. Bon, alors quand même, le mec te frappe et il, pris par son enthousiasme, il essaie de te donner un coup d'épée et il rate. Parce qu'on n'est pas toujours bon. Dans ce bon genre. Tu lances bah, je lance après tout 40 mètres, c'est quoi? C'est la distance dans les arènes. D'accord, mais tu me fais un petit malus de 20%, c'est quand même hyper loin. Et ça va lui faire un peu moins mal. Donc à moins de 55, essaye okay. de faire ça. Ketra, je compte sur vous. J'ai pas envie de perdre ma hache non plus. J'ai pas envie de perdre ma tête aussi. Bon 61. Alors la hache, effectivement, fait un long, une longue long courbe dans le. On va finir par la perdre. Est-ce que tu fais quelque chose? Ah bah je me défends. J'en ai perdu. Ouais, vous pouvez essayer de faire quelque chose aussi si vous voulez, mais je vois que vous êtes un petit peu en dehors du truc. J'essaie de jeter un sort. Moi je peux pas parce que mes sorts sont des airs d'effet, hein, des AOE comme on dit dans mon pays. Donc, je ne peux pas les lancer comme ça au pif. Donc toi tu... Alors, pour précision, parce que c'est la première fois que tu vas lancer un sort, vous savez même pas qu'il est sorcier. Bah oui. Donc toi tu as une magie, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Alors dis-moi simplement qu'est-ce que tu veux faire. Et comment ça marche cette magie? Bah déjà... Je veux que le bandit oui. soit pris d'une irrépressible envie de se jeter dans le vide. Alors, le suicide, c'est compliqué. Tu peux, par exemple, c'est, si tu... C'est peut-être c'est tu peux venir dessus. Non, d'accord. La magie du cœur, effectivement. Mais aller vraiment à l'encontre de soi, il faut que tu trouves au moins un valet de cœur. Tandis que si tu veux juste lui faire peur, ce sera un 5 de cœur. Ok. Ok. Ok, très bien. Donc là, il va drainer la puissance magique. Alors, il a un jeu de cartes, de 52 cartes. Et ça, c'est pour toute sa vie, il aura droit à ces cartes-là. C'est-à-dire, s'il tire une carte, il n'en aura plus que 51 pour toute sa vie. Et il faut qu'il tire au moins un 5 de cœur. Faut que je tire un cœur déjà pour. D'accord, donc ça peut être 6 de cœur, 7 de cœur, 8 de cœur. Ça peut être surtout un 6 de pique. Oui. Voilà. Donc vas-y, tire ta carte. Et. Oh, pique à plein nez. 2 de trèfle. 2 de trèfle. Est-ce que tu veux continuer à tirer? Non, je me contente de. mais non, mais le 2 de trèfle, c'est des 4 éléments. Oui, tu veux quoi? Faire une mini boule de feu? Parce que c'est un 2, hein. Ouais, quelque chose de. Bon, je tire, ok. C'est une bille de feu, là, c'est une boule de feu. Tu pourrais. Ouais. 7 de carreau. Comment marche votre magie, Clodomir, rapidement? Parce que moi, je suis pas. Clodomir, c'est urgent, Clodomir. La 7 de carreau, ça permet de bouger des objets. Tu peux manipuler des ouais, objets. Ouais, je manipule la matière. Alors, tu fais quoi? Je manipule les vêtements du mec pour qu'il tombe dans le trou. Il est poussé, c'est ça, par le trou? Ouais. Alors, c'est original, mais pourquoi pas? Donc, le mec est poussé par ses vêtements dans une direction, donc il peut pas te donner des coups, là, et il commence un peu à flipper d'aller dans le truc. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Ah oh bah je l'aide à mourir gentiment. Ah oui. Sortez la dague. Ah oui, exactement. Je sors pas ma dague, ce serait inutile. Non, je la grippe. Il va vous entraîner avec lui dans la mort. Non, mais je le pousse sur le côté. Alors, pour qu'il tombe. Tu as un score en force qui est juste là. Oui. Vas-y, fais un geste sous ta force. Est-ce que ça va être la fin de Cosmo Flash? Attends, mais c'est un seul dé. Non. J'ai perdu ma dague. Il va falloir aller chercher ta hache après. Hein. Ma hache, pardon. 60 sur. Je ne vois pas. Sur 60, sur 60. Alors. Écoutez. Tu pousses le gars. Ouais. Il tombe dans le vide dans un cri abominable et il se fait empaler sur les cristaux. Et toi, tu vois un petit peu ce qui aurait pu t'arriver, c'est horrible. Par contre, il te donne un dernier coup avant de mourir. Il faudra me réparer. Hein. Et ça va être un petit point de vie encore qui part. Une petite estafilade qui pourrait être sur un endroit de ton choix. Par exemple, la joue, ça pourrait être très, un petit truc. Sympathique. Oh, bon, on va se faire la petite blessure classe. Une petite balafre. On va se faire la petite balafre, là, juste sous l'œil. Là. Et tu peux la noter. C'est une mort spectaculaire, malheureusement, qui ne donnera lieu à aucun loot. C'est dommage. Mais vous pouvez, si y avait un système de quête, vous direz quête achevée, vous avez tué tous les bandits. Alors, oui. Du coup, où est passée la deuxième hache de Ketra? Parce que c'est un peu notre seul moyen de défense. Et Alors, elle est vraiment dans un gouffre qui fait 40 mètres de profondeur, deux cristaux. Alors, je me tourne vers Clodomir quand même. Est-ce qu'il ne pourrait pas utiliser de sa magie pour la tirer à nous? Un 3 de carreau suffirait. Ok. Un 3 de carreau, donc. Hein. C'est dommage quand même, parce que j'avais un 7 de... Bon. 5 de pique. Ça te permet d'invoquer les esprits et les morts. Ah.
Parfait. Bah parfait. Non, allez, c'est... Bah j'invoque l'esprit du mec qu'on vient de tuer pour qu'il nous renvoie là. Alors, tu ranimes Cosmo Flash. Voilà. Ok, il va essayer de te renvoyer. Il se désempale. Et je lui propose de nous lancer la hache avant de repartir dans son repos éternel. Il vient faire, il fait un 0-6, donc effectivement, il lance magnifiquement la hache avant de disparaître dans un nuage éternel. En disant, vous faites chier. Je reviendrai, Voilà, donc tu peux récupérer ta hache. Et voilà. Merci. Ça, combien de cartes ça vous a coûté, Claude Olivier? 3 cartes, il reste 49. Ça va. C'est une belle vie de sort. Ouais. Si par contre vous pouvez faire attention à vos affaires. Moi je dis ça, je dis rien. J'essaie juste de vous sauver. Un petit peu de vie. Je pense que très rapidement je vais me tourner vers vous. Ouais, alors il faudra, je pense qu'il faudra aller à Clavaux. Ouais. Parce que là j'ai des potions, mais je n'ai pas de potions pour vous soigner pour l'instant, Atlan. Donc ce serait bien d'aller à Clavaux faire le début de course. En tout cas, juste constate que le pont est en parfait état là. Oui. Enfin, il est pas jaune, mais il marche. Donc c'est pas ça qui a pu empêcher le village d'approvisionner. Info, hein. Mais tu peux traverser sans problème, en saignant un petit peu. Oui, donc c'est vrai que ce que nous disait Roger du village d'Arance, c'est que Clavaux avait saboté le pont ou empêché de faire passer le métal. Ouais. Mais ce pont, c'est pas le cas. Il est pas jaune, mais il marche. Ouais. Il est pas cassé, contrairement à ce que Roger dit. C'est ça. Donc c'est pas ça qui empêche le fer d'arriver, a priori. Non, c'est pas ça. Bon, ça mérite d'aller mener enquête à Clavaux quand même. Vous continuez vers le nord ? On continue vers le nord. Le soleil disparaît derrière l'immense montagne quand vous franchissez la dernière colline pour arriver à Clavaux. Des petits flocons volent dans la brise du soir qui est fraîche. Dans la montagne, loin au-dessus de vous, il y a une grande grotte qui laisse s'échapper des chauves-souris. Oh non. Mais aussi une large rivière, vraiment très large, qui tombe en cascade. Au-delà du cours de la rivière, vous voyez un petit village de maisons carrées au toit plat. Pour joindre le village, il y a un grand pont de bois, mais il est effondré au milieu et c'est un trou de 5 mètres. C'était ce pont-là. C'est-à-dire que le précipice de pierre qui était déjà un peu bof, là, ils ont en plus un pont suspendu donc, en bois. Donc, la rivière est torrentueuse. Donc, on peut pas la passer comme ça à la nage. Tout est possible, mais c'est du risque. Et tous ceux qui ont plus de 50 en courir sauter, ils savent nager de base, mais c'est quand même compliqué. Et je ne peux pas vous suivre, les amis, en tout cas. Moi non plus. Je serai emporté par ma propre. Je suis la seule. Vous êtes en perplexité devant le pont. Il y a une jeune fille qui est de l'autre côté. Une jeune fille. Bon, elle a une tunique, on va dire un petit peu marron, voilà. Et elle fait des grands gestes. Elle vous dit des choses, mais comme il y a la cascade, le bruit, vous n'entendez pas trop ce qu'elle vous dit. Alors, on dirait qu'elle vous mime quelque chose, comme quoi il y a un moyen de passer, mais. Vous n'entendez pas. On n'essaierait pas de faire un petit jeu de perception. Oui, tout à fait, pour mieux comprendre ce qu'elle dit. Allez, je le sens bien. Allez-y, Clodomir. 74. Alors, Clodomir, c'est pas le jour pour lire sur les lèvres, ça ne fonctionne pas. C'est pas le jour pour lire du tout, Clodomir, je vais vous dire. Ça fait trois fois que c'est... Autant pour moi. Un peu plus bas, on va dire 50 mètres en aval, tu vois des petites choses affleurantes. Peut-être est-ce un guet. Un guet comme un passage. Exactement, comme un passage. Okay. Pas un guet, mais un guet. Ok. C'est super. On y va. Eh ben, il semblerait qu'on puisse passer au sec, là. À 50 mètres. C'est quand même affleurant, donc on n'est pas non plus. Faudra faire attention. C'est humide, quoi. Mais attention. Oui, oui. Moi, je fais très attention. Je vais essayer de pas passer en dernier cette fois. Alors, vous descendez sur le guet, vous traversez un petit peu. Clodomir, fais-moi un jet en courir sauter. T'inquiète, tu as un petit bonus dans ma tête. 52. Très bien, malgré le court renfort, vous passez de l'autre côté, et là, tu as la jeune fille qui vous dit, mais il faut... Alors, elle a un petit cheveu sur la langue, je vais le faire. Il fallait attendre un petit peu, t'es en train d'aller sortir une corde, ok? Alors, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous ressemblez à rien. Ah bah, c'est sympa. Non, bonjour, on vient visiter le village. Bonjour, vous venez visiter le village, vous traversez un guet sur la rivière de... Oui, on est d'accord qu'on le lui... On lui explique pas notre réelle motivation. On est des marchands. On parle pas de la broche, non ? On parle pas de la broche, là j'ai enlevé la broche. On est des marchands. Vous êtes des marchands, vraiment ? Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous venez faire à Clavaux ? Il y a aucun. Aussi, on extrait du fer. Justement, nous venons pour négocier du fer. Vous avez acheté du fer ? Tout à fait. Et vous allez le transporter avec quoi ? Alors, déjà, on vient voir. Les affaires d'abord, le transport dans un second temps. Mais de toute façon, le fer, il ne peut pas traverser parce que, vous voyez, il y a un pont qui est brisé. Et on attend justement des gens, des seigneurs du rideau, pour réparer ce pont. Parce qu'ici, ça ne va pas du tout. Eh bien, nous attendrons avec vous. Avez-vous une auberge, quelque chose? Un médecin, peut-être? Non, on n'a ni médecin, ni rien. On n'a que des agriculteurs. Il y a des gros problèmes dans le village. Donc,
J'attendais quelqu'un. J'attendais un. D'ailleurs, vous avez pas, vous l'avez pas croisé, le bailli Ordo. Non. Ouais. Je... Le bailli Ordo, Ordo. Ça vous dit rien? Un gros chauve. Ah, mais vous êtes toujours donc. Vous comment, oui, comment quoi, quel est le pardon. Terme? Je ne trouve plus mes mots. Excusez-moi. Vous êtes toujours fidèle au Seigneur du Rideau, alors? Et bien sûr. Ok. Ok. Okay. Alors, mais du coup, okay. Est-ce qu'on se dévoile ou pas? Pourquoi vous attendez le bail d'Ordo? Parce que le sénéchal qui s'occupe, sénéchal qui s'occupe du village de Clavaux, oui. Il est mort, on l'a tué, ok. Et donc j'attends son remplaçant. Mais qui l'a tué? J'en sais rien, il est tombé dans la rivière. Et donc le remplaçant, ça doit être le bail d'Ordo? Je ne vais pas vous raconter la vie, en plus vous êtes des marchands. Des marchands? Des marchands, oui. En fait, la meilleure chose à faire, c'est peut-être de repartir de là où vous venez. Vous allez au sud et il y a un village qui s'appelle Arance. Et là, vous pourrez faire tout le commerce que vous voulez. Non, mais je... Non. Non, on en vient un peu. Non, non, on vient d'Arance. Oui. Justement. Vous venez d'Arance? Oui. On a fait un petit peu de commerce. Comment s'appelle cette jeune femme, en fait? Elle s'appelle Julia. Julia. Okay. Elle a des cheveux un peu clairs et des yeux un peu noirs. Très bien. Donc là, j'ai l'impression que c'est une impasse. On se retrouve face à un autre village qui attend que quelque chose se passe. Donc on vient d'Arance. Arance nous dit on est bloqué parce que Clavaux n'envoie plus de fer. À Clavaux, on nous dit notre pont est détruit, on n'a plus de maire qui est mort. On attend son remplaçant ne vient pas. Et son remplaçant est mort aussi. Son remplaçant est mort. C'était le bailli d'Ordo, en fait, le remplaçant. C'est pas ses prérogatives hein, de le remplacer les bourgmestres. Elle attendait le bail d'Ordo, en tout cas. Oui, il aurait pu, lui, en déclarer un nouveau, mais... Bah, tant qu'on est là, on peut peut-être en profiter pour réparer le pont. Ah bah, on est charpentiers, nous, maintenant. Je crois que quelqu'un fait un peu d'artisanat, ici, non? C'est vrai, mais vaudra-t-il se salir les mains? C'est compliqué. Je ne suis pas non plus quelqu'un de forcément manuel. J'ai des mains un peu délicates. Mélanger des potions et... Et pour quelle récompense? Quel intérêt de les aider, ces gens-là? Moi, j'irais bien quand même voir dans le village... Peut-être qu'on peut se faire payer en fer, je ne sais pas. Parce que là, ok, on sait qu'il y a un pont qui s'est effondré et que le bourgmestre est mort. Cool. Enfin, cool, je comprends. Pourquoi ça nous a Clavaux, déjà? On mène une enquête pour Roger? Oui, on est allé voir ce qui se passait. D'accord. Parce que c'est lui qui nous avait missionné pour. En fait, il n'y a pas vraiment méchant, c'est que tout est bloqué parce qu'on attend. Non, c'est pas. On attend Ordo, qui n'est jamais venu parce qu'il a été tué par des bandits. Non, tout est bloqué parce que y a un pont qui est brisé. Oui. Et qu'après, apparemment, personne ne veut le remplacer. Non, ils ne se bougent pas parce qu'ils attendent qu'il y ait un maire ou quelqu'un qui va remettre la ville. Ah oui, ils attendent nous, en fait. Mm-hmm. Oui. Bon, ben on se déclare. Dans ce cas-là, je remets ma broche. Comme ça. Tu vas finir maire de Clavaux, hein. C'est pas la. Que Non, mais on pourrait. Non, mais on va faire des élections à la régulière. Un scrutin à deux tours, quelque chose de propre. Julia vous dit écoutez, après tout, faites ce que vous voulez, les marsans. Moi, je rentre chez moi. Je pensais que vous avez des nouvelles d'Ordo. Débrouillez-vous. Voilà. On a des nouvelles d'Ordo, Julia. Ordo, c'est nous. C'est vous, Ordo? Parce qu'on m'a dit qu'il était plus gros. C'est nous. C'est vous tous? Oui. Non, Ordo, c'est un gros mec. Il sauve. Oui, mais il est parti en congé et on est ses remplaçants. Regardez la broche. D'accord. Look at the brush. Eh ben, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Parce qu'on ne dit pas tout aux gens qui passent. Et surtout, on a été attaqué par des brigands, donc on se méfie un petit peu quand même. D'accord, c'est compréhensible. Et du coup, bienvenue à Clavaux. Venez, on a... Alors, vous attendez une personne, donc j'ai une seule place, mais bon, on va y se serrer. Donc, elle vous amène dans le village, petit village, quelques maisons. Toit plat. Vous êtes en bas de la montagne, vous ne voyez pas grand-chose parce que la nuit commence à être, on va dire, très noire. Et en plus, vous êtes à l'ombre de la montagne. Donc, il fait vraiment très froid. Vous rentrez dans une petite maison carrée. Julie allume un grand feu. Et il y a deux lits. Donc, elle vous dit, ça, c'est mon lit. Ça, c'est le lit d'Ordo. Et elle dit, bon, c'est bien que vous soyez là parce qu'on a un problème. C'est que donc Clavaux, ça appartient au Seigneur du Rideau. On livre du fer régulièrement. Et il y a un gars qui s'est ramené et il aurait hérité d'un manoir qui est juste à côté. Le gars, il s'appelle Caldera. Il est venu avec une bande de gars. Et maintenant, il fait la loi ici. Et comme par hasard, Persimony, notre sénéchal, il est tombé dans la rivière. Comme par notre hasard, quoi notre sénéchal. Okay.
notre le pont, il a mystérieusement été voilà, et moi je sais pas quelles affaires louches il fait. Donc c'est bien que vous soyez là parce que ce que je vous propose, on se réchauffe. Demain matin, je rassemble tous les gars du village. Vous leur faites un gros discours et vous réparez le pont et on reprend les livraisons de fer à Aran. Ça vous va? Il faudrait alors, s'occuper aussi du de Caldera, ouais. Oh, vous inquiétez pas, ils vont venir nous voir demain matin sur la place du village, donc vous aurez le temps de discuter. Ah. Alors attendez, parce que là on est en train de régler les affaires de tout le monde, mais quel serait notre intérêt à nous? Moi j'ai des plans dans la vie, comme ramener un sceptre mythique. Bon, je veux pas non plus devenir. Pour elle, on est juste des juges, hein, donc. Voilà, j'ai pas envie d'être contre-maître sur un chantier. Hein. J'aspire à un destin un peu plus reluisant. Donc, je voudrais une récompense quand même, parce que là, Julia, vous nous demandez quand même d'aider tous les soucis de Clavaux. On verra pour la récompense, on peut se servir nous-mêmes. Alors, moi, j'ai déjà une récompense à plus court terme. Est-ce que, vu qu'on est dans un village de mineurs, je pense qu'il y a des blessés régulièrement dans les mines. Vous avez un médecin, vous avez quelque chose quand même. Oui, bah, on a des petits pansements, si vous voulez, pour demain matin. Écoutez, je suis. Alors, votre genre est multicolore, attends. Pas ce soir, plutôt demain matin, parce qu'on ne sort pas la nuit. Voilà. Pourquoi on ne sort pas la nuit, Julia? Il y a des grosses chauves-souris. Pardon, des quoi? Des chauves-souris, ok. Ah. Et est-ce que ce sont les chauves-souris du Sénéchal? Alors, pour être plus précis, il y a une grosse chauve-souris qui s'appelle le Srau. Okay. Le Srau. Mais moi, j'y crois pas trop. Et cela étant, reposons-nous. Et puis demain matin, il y a un lit. Et celui qui dormira dedans, il gagnera un point de vie. Mais il est donné de base à Clodomir. Les satellans. Ah, merci Clodomir. Se reposer. Par contre, juste une petite question. Donc, tous les trois, on dort par terre. On commence à faire beaucoup de temps. Avant de dormir, on peut peut-être. Non, mais j'ai une petite question à poser. Donc, dans le Caldera et ses brigands, là, enfin, c'est son équipe, ils sont combien à peu près? Ils sont une dizaine. Une dizaine. Ouais. Mais je pense que si vous êtes rusé, peut-être vous arriverez à les faire partir. Ok, il faudrait peut-être trouver un plan. Avant de dormir. Ouais. Donc on va dormir? Mais moi, la grotte là dont elle nous a parlé, ça veut. Tu veux la chauve-souris, toi? On sera où? Vous croyez pas qu'on devrait fouiller la grotte, peut-être? Alors, c'est vrai que cette grotte, il faut la garder. Imagine une grande grotte qui est à 15 mètres au-dessus de toi, de laquelle se déverse un énorme fleuve, genre le Rhône. Okay voilà, et là, tu as des chauves-souris qui passent. Ah, d'accord. C'est pas impossible, mais c'est compliqué, d'accord. Et surtout en pleine nuit. Il faut quand même la garder en tête. Non, ouais, on la garde en tête, mais peut-être pas en pleine nuit. D'accord, parce que entre une. Cette histoire de chauve-souris m'intrigue. Moi aussi. Je sais que sur les chauves-souris, je peux en tout cas extraire des ingrédients extrêmement utiles pour mes potions. Mais j'ai cru entendre dire que les chauves-souris gardaient souvent de quelques précieuses choses. Donc ce sera intéressant. Je vous dis une dernière chose qui est importante. C'est que le fief du rideau vénère une déesse qui s'appelle la déesse Ina. D'accord. Qui est la déesse des soins, justement. Et une des choses qu'a fait Caldera, c'est qu'il a cassé la statue de la déesse qui avait été mise par le Seigneur du Rideau, parce qu'il n'aime pas trop cette déesse-là. Et ce serait bien de la remettre. La déesse, excusez-moi. Voilà. Voilà, il faut la réparer. C'est une statue en pierre. Elle est cassée. Elle est cassée, oui. Alors, je peux essayer de refaire une potion. J'ai une potion qui permet de tout coller. J'ai réparé une hache de gladiatrice. Ce n'est pas une statue d'un peuple primitif qui va me stopper. Je peux tenter ça. Là, il fait nuit, là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, rien n'est pressé. D'accord. Okay. Alors, je préparais une nouvelle potion de la Glyph von Trunkel pour demain. Tu veux le faire, donc il faut que tu lances tes dés. Tu fais un jet sous ton 70, je crois. Il faut que tu fasses moins de 70. Sinon, tu perds à jamais la fiole. J'ai deux fioles de libre encore. Bah, vas-y. 41. 41. Tu as une magnifique fiole de colle, de super glue. Ah là là. Donc, elle sera disponible pour demain. Vous passez une bonne nuit. Il fait très silencieux, un peu froid. Et demain, vous êtes réveillé plutôt tôt par Julia, qui vous dit, mais j'ai demandé à tous les gens, avant d'aller au travail, de venir sur la plage du village, donc venez. Voilà. Et donc, elle vous tire un peu du lit. Elle dit, brave Jean, le seigneur du rideau a envoyé son messager. Brave Jean. Le bailli Ordo. Ordo, allez-y, parlez-lui. Parlez-leur. Bonjour. Alors, ils t'écoutent, ils ont l'air fatigués. Voilà, nous sommes envoyés par le Seigneur du Rideau pour essayer de remonter le pont, là, qui est brisé, afin de recommencer à approvisionner le fief en fer.
Et puis, puisqu'on est là et qu'a priori, donc, le sénéchal Persimony est décédé, on va peut-être faire en sorte de le remplacer, enfin, de désigner un remplaçant. Le remplacer nous-mêmes. Mais non, c'est vous les remplaçants. Mais non, c'est vous les remplaçants. Ah non, non, mais non. Espèce d'idiot. Non, non. Attention. Non, 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 on va. Non, non, nous, on est de passage. Hein. Là, on veut bien prendre le. Pouvoir de passage, le temps de régler les choses. Oui, voilà, on veut bien assurer l'intérim, mais il faut impérativement qu'on. Ordo, nommez 3 paysans, ils vont réparer le pont. 3 seulement ? Je sais pas, c'est pas moi qui fais réparer les ponts. Il est cassé depuis combien de temps ce pont-là ? Il est cassé depuis 5 jours. Il est mort depuis combien de temps le sénéchal ? 5 jours. C'est quand même une sacrée coïncidence. Mais non, mais c'est Caldera qui les a eus, on en parlera tout à l'heure. Ok. Bon, j'envoie une équipe de 10 paysans. 10 paysans ? 10 paysans. Ils sont 15. Hein. Ok. Alors, une équipe de 5 paysans. Réparer le pont sous la supervision de mon ami Nicolas. Fais-moi un petit jet d'artisanat pour voir si tu peux optimiser la réparation. Bien on peut sûr. Faire un pont plus large ou un plus pont solide. Ne vous inquiétez pas. C'est pas un pont que je vais vous faire. C'est un viaduc. C'est un viaduc. Réfléchis un petit peu au design du pont. Il y aura Nicolas. Ça sera superbe. Il va être suspendu. Il va être superbe. J'y vais combien ? 54. C'est parfait. Alors, c'est quoi comme pont que tu veux créer ? J'ai fait un pont suspendu. Grâce à un système de contrepoids et de cordes, c'est un très très beau pont. Il sera en bois verni. D'accord. En bois verni, ok. En bois verni, très ambitieux. Et juste après, les paysans s'éparpillent. Et là, tu as quelqu'un qui vient. Et c'est un gros homme. Il est tout poilu. Il a vraiment des poils partout, tu vois. Même sur les joues, ça monte haut. Sur le front, il a des poils. Et il est. Tous ses poils sont noirs, donc c'est un peu une boule de poils noirs énorme. Donc tu sais que c'est une race d'hommes qui existe dans l'Ouest, mais pas plus que ça. Et il s'approche, il est sur un cheval, et le cheval il souffre un peu de son poids parce qu'il est un peu lourd. Et il est très sympathique. Il dit bonjour. Alors vous êtes le nouveau sénéchal, c'est ça ? Alors non. Non ? On est envoyé par le seigneur du rideau oui. Pour justement désigner le nouveau sénéchal. Vous êtes ? Alors, il tombe à terre, il te fait une révérence, il dit « Moi, je m'appelle Roman. » Et ça veut dire « beignet », parce que j'adore les beignets. Et donc, cette langue étrange. Roman. Alors, mon maître, le seigneur Caldera, aimerait discuter avec vous, pour vous poser quelques questions, pour vous souhaiter la bienvenue, en fait. Voilà. D'accord. Dans son manoir ? Oui, juste là-haut. Donc, vous voyez, un très beau manoir avec un étage et même une belle terrasse. Et c'est un peu le plan un peu risqué quand même. Non, non, non. Ça sent le... Il faudrait que lui descende écoute sur la place. Écoute-moi, Roman. Oui. C'est lui qui va venir nous voir, car c'est nous qui sommes envoyés par le seigneur du rideau. Écoutez, il peut venir. Il va venir. Mais chez lui, il y a de la bonne nourriture, il y a des très bonnes boissons, il y a des super tapis, des coussins super bleus, il y a même des filles. Moi, je suis convaincue. Ah. Allons-y. Kétra a tiqué à boisson, j'ai tiqué à coussins et filles. Je pense que c'est beaucoup plus agréable, mais si vous voulez, je vais le chercher. Écoutez, moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas dormi confortablement, évidemment. On vient de se réveiller. Vous n'avez pas dit qu'on allait dormir. J'ai dormi par terre. Ça fait maintenant une semaine que je dors par terre. Il est au pont. Non, non, il a donné des instructions. J'ai donné des instructions. Moi, j'ai donné des plans magnifiques, des plans pristines. Par contre, aller discuter avec des gens ouverts d'esprit, autour d'alcool et faire un peu la fête, ça me rappellera un peu mes petites années d'université. Vous savez que je suis un peu tenté, là. Donc qui vient ? Toi tu viens pas, tous les autres viennent ? Atlan, qu'est-ce que tu en dis ? Moi j'y vais. Moi je vais venir. Voilà. Au niveau... Bon bah allons-y. Alors vous remontez la colline, excusez-moi je prends... Merci, c'est-à-dire que ça sent pas bon. Hein. Non. C'est mon côté craintif. Il propose des victuailles. Voilà, reste à côté de Kétra, on se rend sécurité. Un bandit notoire qui prend en otage un village, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive de mal ? C'est vrai. Montez la colline vers un très beau manoir, donc il y a plusieurs hommes au clan Caldera qui sont là. Déjà sur le toit. Est-ce que ces hommes sont tous poilus comme le premier homme qui est venu voir ? Non, pas du tout. D'accord. Il n'y a que lui qui est un peu particulier. Il n'y a que Roman. Donc sur le toit, vous voyez un archer qui s'appelle, qui est présenté par Roman, qui s'appelle Tiyuyu. Tiyuyu ? Tiyuyu, c'est... Voilà. Ensuite, à l'entrée, il y a deux jumeaux qui ont un cou large et des yeux bridés. Et ils ont une grosse massue chacun. Et il y en a un qui s'appelle Pâques et l'autre qui s'appelle Science. Donc, ça fait quatre. Ils sont une dizaine d'hommes quand même en tout. Hein. Donc là, on en a croisé quatre plus
Caldera, donc on voilà. m'a déjà vu 5 de la bande. Roman vous laisse devant Paquet Science, qui vous ouvre la porte. Vous rentrez dans le manoir. Il n'y a pas beaucoup de pièces, mais alors les pièces, il y a des tentures brodées de soie, il y a des vases en or, et surtout, il y a un truc qui vous fait un peu tiquer, c'est qu'il y a une espèce d'œuf, gros comme ça, genre un peu mystérieux, un peu marbré, un peu précieux, et vous dites, est-ce que c'est un œuf de dragon, tu vois, est-ce que c'est un truc un peu fou. Quelle couleur est l'œuf ? Alors, il est blanc, veiné de vert, et vous vous dites, enfin... Le scientifique qui est en toi te dit potion magique, tout ça, mais l'homme d'affaires se dit argent, tu vois. Il y a vraiment un truc, il y a beaucoup d'argent là-dedans, tu vois. Et il y a beaucoup d'intérêt quoi qu'il arrive. J'ai les yeux qui brillent. Dans cette pièce, justement, se trouve Eléden, qui est un mercenaire avec une épée, qui vous monte à l'étage. Et à l'étage, il y a une belle terrasse qui donne sur la montagne, sur le village. Panorama fantastique. Là, vous repérez des coussins, des petits beignets au safran qui sentent très bon. Oh là là. Il y a du thé. Il y a deux jeunes filles pas tellement habillées, mais elles ont quand même une dague sur elles, qui s'appellent Avelina et Xara. Je note. Et surtout, l'hôte de ces lieux, Seigneur Caldera, qui est un homme un petit peu vieux, qui a de très longs cheveux, très rouges, qui descendent en crinière dans son dos. Donc c'est... encore une race d'hommes spéciale qui vient de l'Ouest. Et Julia te dit, il est rusé comme un renard. Et lui, il vous dit, bonjour, alors qui est Ordo ? C'est moi. Bonjour, messire, merci d'être venu. Oui. Et je oui. suis très content que le Seigneur du Rideau envoie des hommes ici. Et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble et faire de belles choses ensemble. Écoutez, je suis ravi que ça se passe comme ça. On va commencer, si vous le voulez bien, par... Asseyez-vous, ma maison est votre maison. Parfait. On a le droit de manger ? Oui, bien sûr, baigné au safran. Et j'ai quelque chose aussi, c'est ce qu'on appelle le breuvage noir, c'est du café. D'accord. C'est très bon, alors, vous allez voir, vous n'avez jamais mangé ça un peu amer. Alors moi, je m'approche de la table et je prends des beignets au safran, j'en prends 3, j'en mange un et j'en mets 2 dans mes poches. D'accord. Alors, sache qu'il te voit et puis il a un petit sourire quand même. Voilà, je fais ça discrètement, si possible. Il a des réflexes. Alors, quelle est sa compétence de crevard Ah non, c'est pas pour le crevard, parce que je sais, je pense que monsieur, dont j'ai oublié le nom, Roman aime les beignets. Non, donc je me dis que peut-être pour l'amadouer plus tard, un petit beignet dans la poche. Il pense à tout, hein. Les plans dans les plans. Il pense à tout. On garde des beignets, c'était pas pour moi. Alors, je prends 3 beignets et j'en mange 3. D'accord. Très bon. Manger des beignets, c'est très bon. Vraiment, vous mangez comme ça. Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir que vous vous serviez comme ça. Qu'est-ce que la clan Caldera, qui est au service de Clavo, peut faire pour vous? Nous expliquer pourquoi les approvisionnements de fer se sont taris. Alors, déjà, vous allez droit au but, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Ben moi aussi, ça tombe bien. Alors, je vous explique. Le seigneur du Rideau, le chef du Rideau, ça c'est très loin. C'est vraiment c'est à l'ouest, c'est au bout. Nous, on est vraiment sur la frontière, vous voyez. Et vous voyez ce pont brisé. Aucune armée peut le traverser. Cet ancien pont brisé, vous voulez dire. Non, mais réfléchissez. Personne peut... Là, on est tranquille, on est bien, on est autonome. On va extraire du fer, et au lieu de donner gratuitement à Rance contre de la nourriture, on va cultiver notre nourriture, extraire du fer, et vendre le fer à l'Osmanli, et gagner de l'argent. Et on va être heureux. Vous vendez, en fait, aux pays voisins, frontaliers. De quoi faire des armes. Sur la base d'une agriculture que vous faites, donc, à l'ombre d'une montagne enneigée. Écoutez, on ne veut pas dépendre d'un autre village. On a envie d'être indépendant. Ce village, il a toujours été indépendant. Moi, je suis contre... ces seigneurs, tout ça, voilà. Je pense qu'on est bien comme ça. Et de l'autre côté, en Osmanie, c'est un régime parlementaire ou c'est... Alors, Julia, elle dit... L'Osmanie, elle te glisse ça, c'est les ennemis du royaume d'Aria, du seigneur du Rideau. C'est les ennemis, c'est-à-dire qu'il prend le fer du seigneur du Rideau et le donne à l'ennemi, ok, pour qu'ils viennent tous nous massacrer. Nous massacrer, exactement. Oui, bah j'avais tiré la conclusion moi-même. Ouais, les plans de Caldera avaient l'air un peu trop haut pour être vrai. Je veux bien... Alors, on est au milieu du clan de Caldera. Il y a quand même un mercenaire. On n'a pas vu tout le monde. Il y a deux femmes en plus armées de dagues. Il y a un archer. Moi, je trouve que... Il reste deux personnes qu'on n'a pas vues dans son clan. Moi, je trouve les seigneurs Caldera assez intéressants. Je trouve que son idée n'est pas mauvaise. Et bien, vous me faites très bonne impression, Atlan. Exactement. Seigneur Caldera, votre sens des affaires me plaît. Je voudrais rajouter une chose, c'est qu'il y a un monstre qui rôde, qui s'appelle le Shraou,
monstre terrible. Entendu parler, oui. Et est-ce que le seigneur du rideau défend les villageois contre le Shrao? Non, mais nous, oui. Pensez-y. Est-ce que vous l'avez déjà vu, ce Shrao? Alors, non. Mais le jour où il arrivera, nous serons là. Ok. Je suis en train de me dire qu'ils ne sont pas des mauvais bougres. Mais... Moi, j'apprécie les personnes avec le sens des affaires et vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'intelligent. Alors, Julien, elle te regarde dire ça avec des énormes yeux. Et bien, il dit, ben, dans ce cas-là, on peut s'entendre. La seule chose qu'il faut, c'est ne pas réparer ce pont. Ouais, si bon, ça, c'est un peu tard. Non, ça va se faire en plusieurs jours. Ouais. Et puis voilà, et puis vous me laissez faire les choses tranquillement, et puis on s'arrange. Donc là, ouais, on prend... Vous êtes sûr de ça, là? Je tique un peu, parce que déjà, le pont, j'ai fait un chef-d'œuvre. Ça m'embête un petit peu. Il est beaucoup trop malin pour être honnête. Il est pragmatique, par contre, si on se range de son côté, on va être persona non grata dans tout le royaume d'Aria, là. Oui, mais enfin, il fait du détournement de ressources. Pour l'instant, et n'est pas la bonne. En exploitant les mineurs de ce village. Il fait du détournement de ressources pour vendre à l'ennemi. Ouais, mais peut-être qu'ils ont une meilleure vie sous son règne. Bah non, ils n'ont pas l'air d'avoir une vie. Julien nous dit que les 15, là, ils sont pas. On a la vie que d'une seule personne. Alors, on fait quoi? Est-ce que vous avez d'autres questions pour lui ou pas, non? Ça fait combien de temps que vous êtes. Comment ça se fait qu'ils aient pris le pouvoir quand le sénéchal. C'est Julien qui dit ça. 3 semaines. Comment ça se fait que ce soit. Caldera qui a pris le pouvoir au moment où le sénéchal est accidentellement mort en tombant dans la rivière, comme son père. Alors Julia, elle s'énerve un peu, elle dit, mais attendez, mais arrêtez de parlementer avec lui. Il vient d'on ne sait pas où, c'est un ennemi, il s'installe là, il fait la loi, et vous êtes là, limite, faites des courbettes. Donc Caldera vient de débarquer. Alors Caldera, il dit, mais vous pouvez la calmer un petit peu, elle n'est pas à vos ordres, celle-là. Julia, on est donc 5 avec vous, ils sont au moins 10. Donc la logique. Mais faites régner la loi, vous êtes un juge ou quoi? Vous êtes un juge ou quoi? Oui, mais... Moi, je demanderai de sortir. Oui. À qui? Je dis, laissez-nous, on doit discuter. Après tout, c'est une personne du peuple. Elle dit, très bien, je vous attends en bas. Et on parlera. Et oui, j'espère que vous aurez sens de l'honneur, Ordo. Ok. Moi, je ne crois pas qu'elle dérange. Est-ce qu'on glisse une instruction à Julia de quand même rassembler le village et... Mais déjà, qu'est-ce qu'on veut faire, nous? Moi, j'ai pas envie de traiter avec Caldera, en tout cas. Moi, j'ai envie de traiter avec Caldera. Voilà. Bah oui, ça a l'air intéressant, mais le problème, c'est qu'en fait, ça nous met en mal, surtout, enfin, dans tout le royaume, après. Non, mais le passé de noble d'Atlan l'a trop mis dans la zone grise. Mais non, mais écoutez, je vous rappelle que notre rôle n'est pas notre rôle actuellement. Tu n'es pas Ordo, tu n'es qu'un mage. Oui, oui en quittant ce village, si on arrive à le quitter. Sauf que, du coup, une fois qu'on se range avec, effectivement, ce Caldera, on devient de facto... Persona non grata dans tout le royaume d'Aria. C'est-à-dire qu'ils chercheront une équipe de 4 personnes. Pour qui sait? Je vous rappelle qu'on est très bien sortis, on est toujours arrivé à se cacher, à nous planquer. Mais là, il y a des pauvres paysans qui se font exploiter. Est-ce qu'on peut mettre fin à l'entretien ou pas avec Caldera? Non. Ça. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Hein. Moi, je suis Ketra. Tu fais quoi, Ketra? Qu'est-ce que je fais? Je suis pas d'accord. Tu veux lui poser la question? Je vais être très direct avec lui. Je vais écouter entre personnes intelligentes, mon cher Caldera, entre vous et moi, la mort de l'ancien bourgmestre de la zone était-elle accidentelle? Et c'est-à-dire, vous êtes en train de sous-entendre que peut-être c'est moi qui l'aurais poussé? Pas du tout. Pas du tout. Un accident est si vite arrivé. Ben, écoutez, je ne peux rien vous dire. Les pierres sont glissantes. La rivière était en crue. D'accord, donc il refuse d'admettre que c'est peut-être... Fin de l'entretien? Écoutez, Caldera, nous, on a déjà donné nos instructions aux villageois qui sont actuellement à pied d'œuvre. Et ben, les instructions, paysans, vous n'avez qu'à les interdire. Non, on reconstruit le pont. Eh bien, vous savez quoi, Ordo? Faites donc. Refaites votre pont. Fort bien. Et reprenez un beignet. Est-ce qu'on a jeté une perception sur les beignets avant de les manger? Parce que moi, j'en ai mangé. Non, moi, perso, j'en ai pas mangé. Alors, moi, j'en suis à mon 6e. Un doute plane, mais tu t'aperçois que tout le monde les mange plus ou moins, donc bon, ça doit aller quand même. Parce qu'ils sont très bons. Vous redescendez, et Julia est très en colère. Elle vous dit, mais... C'est pas possible, vous lui parlez poliment. C'est un traître. C'est quelqu'un qui va prendre le fer du royaume d'Aria pour le donner à nos ennemis. Vous êtes fous. Il vous dit ça, vous descendez de la côte. On a maintenu la construction du pont. Il le sait.
C'est vrai. Donc là, il y a une décision qui va devoir se prendre. Ah bah là, on va partir comme ça. Alors, là, le pont sera fini dans 3 jours, pour information. Bon, bah, donc, il y a 3 jours à passer ici. Moi, j'aimerais bien aller voir la grotte. C'est vrai que la grotte va être un truc important. Génial. Bah quoi ? C'est-à-dire que là, vous avez un mec avec une armée de mercenaires, il a des archers. On a 3 jours à tuer pour l'instant. Mmh. Bah là, c'est 3 jours à tuer, c'est nous qui allons nous faire tuer. Il y a un paysan qui vient vers toi et dit « Messire Ordo, je suis un des paysans, je m'appelle JK. Je suis un des gens que vous avez affecté à la construction du pont. Et d'habitude, je m'occupe de moutons, d'accord ? Et j'ai un mouton qui s'appelle Albert. Et j'ai donné mes moutons, enfin j'ai confié mes moutons à un certain grisseur pour qu'il les surveille pendant que j'étais en train de réparer votre fichu pont. Et Albert, mon mouton, est tombé dans la rivière. Donc je demande un dédommagement. Et ? Je demande un dédommagement. Albert, ça rime avec ? Quoi ? Va te faire. Non, pas dédommagement, on est là pour venir vous aider, enfin, mince, j'ai mais c'est vous qui avez demandé de réparer le pont. Alors, ah, bah, non, on a dit, prenez 5 paysans. Bah, condamnez l'autre paysan à me rembourser d'un mouton. Grisseur, il s'appelle l'autre paysan. Et lui, il a quoi ? Lui, il a des moutons aussi ? Non, il n'y a pas de moutons, lui, il est mineur. Alors... Oh, clavou, dites donc, là, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce village ? Donc... On vous a affecté à la construction du pont. Ouais. Donc vous avez confié votre troupeau de moutons à un mineur. Ouais, grisseur. Mais j'y peux rien, on était que des mineurs à la base. Et depuis que Caldera est là, on s'est mis un peu à l'agriculture. Je comprends plus rien dans ce village. Donc arrangez-vous avec grisseur, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et allez-moi finir ce pont là. Est-ce que je peux dire à grisseur que vous m'avez demandé qu'il me paye un denier ? Un denier ? Oui, un denier. Allez, va pour un denier. Super, merci Ordo. De rien, Jika. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va le regretter. Ouais. Bon, attendez, là, il faut qu'on parle avec le village. Je voudrais te parler avec le village. Tu veux une grande réunion du village ? Pas une grande réunion, mais d'autres personnes que Julia. Très bien. Alors, si tu veux. Parce que là, il faut qu'on sache un peu dans quel état le village. Est-ce que tu veux attendre un peu le soir ? Oui, on peut. Attends, on va le grotte. Faisons ça tout de suite. À la pause midi. Bah oui. Bah, j'aurais pu retourner manger des beignets au safran. Alors, okay, allez. 18h, le soleil commence à tomber. Et effectivement, il y a une sorte de lieu social, on va dire, sur la place du village. Et tu peux croiser quelques paysans, dont Théobaldus, Guérard, Ernoulet et une certaine Grissel. D'accord. Ben, je vais voir Grissel. Oui. Bon, bonsoir, Grissel. Et bonjour, monsieur de la ville. Je suis Niklas von Trunkel, célèbre alchimiste dans mon pays, mais je ne connaissais pas. Voilà. Je ne suis pas là pour parler d'alchimie, qui est un art noble un peu obscur. Ça se mange, l'alchimie ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent tous manger de la chimie dans ce pays ? C'est impossible. On a faim ! Personne ne connaît l'alchimie. Hein, dans ce... Dites-moi, Grissel, comment êtes-vous traité par le seigneur Caldera depuis qu'il a pris le pouvoir ? Et déjà, êtes-vous pour le fait qu'il ait pris le pouvoir ? Franchement, contrairement à un natif de Clavaux. Alors, en tant que femme, pas trop. Parce que avant, les femmes et les hommes ont travaillé. Et Caldera, déjà, il a cassé la statue d'Ina. Et c'est quand même la déesse de la guérison. Et je trouve que ça va nous porter malheur. Ensuite... Il a cassé le pont. On ne sait jamais si un jour on doit partir. Ah, ça pose problème. Et enfin, il refuse que les femmes travaillent. Donc du coup, les hommes doivent travailler 2 fois plus. Et moi, je m'ennuie à la maison. D'accord. Très bien. Bon. Moi, je ne suis pas du tout pour travailler avec ce Caldera. Je ne vois pas du tout le... Moi, ça a achevé de me convaincre qu'il fallait bosser avec lui. Non, qu'il fallait surtout pas se ranger à cette personne. Atlan, qu'est-ce que t'en dis, toi ? Attends, t'es un peu plus cynique que nous, mais... Bah, moi, le problème, c'est que je vois 10 hommes armés en face et un village de Pekno contre lui. Oui, mais on a le nombre, parce que du coup, il y a donc 15 paysans. On part du principe qu'il y a 15 paysannes, ou... Pour moi, notre seul... Alors, il y a une trentaine de... Une trentaine de personnes. Alors là, votre idée, si je comprends bien, ce serait de renverser ce tyran par la force ou par un autre moyen. Écoutez, on peut avoir des stratégies. J'ai personnellement créé une potion. Est-ce que j'allais vous proposer hallucinante. Parce que c'est une potion hallucinogène. Si on arrive à les piéger toute la bande de Caldera dans une même pièce pour discuter et qu'on arrive à les neutraliser tous d'un coup, il ne faudra pas 30 hommes et il ne faudra pas de morts pour les neutraliser. On peut empoisonner leur nourriture vu qu'ils se complaisent dans les beignets au safran. Ah, vous voulez tous les tuer là ? Non, moi je pensais plutôt les mettre hors d'état de nuire déjà. Et après on en fait quoi ? Après on s'arrange, la rivière est grande. En tout cas, le truc c'est qu'on ne pourra pas. Je pense que par la force il y aura beaucoup trop de pertes. On y va par la force. Oui, c'est sûr. Je veux dire, Ketra va en massacrer 3, peut-être 4, mais nous, on va prendre des coups, les villageois vont prendre des coups. Je pense que c'est une bande qui est plutôt organisée. Il y a quand même 2 femmes avec des dagues, un mercenaire, des jumeaux avec des haches,
un cavalier poilu, voilà, bon, c'est compliqué. Mais à un moment, il faut qu'on reprenne, avec, faut qu'on reprenne le village à Caldera, et Caldera, je pense pas qu'il est parti pour nous le laisser. À aucun moment, il nous a dit... oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à jouer avec le monstre là dont tout le monde parle? Je serai où? C'est vrai, aussi. Tu veux aller dans ta grotte? Oui. Alors, je répète, il n'y a pas de moyen particulier de rentrer dans la grotte, sauf à faire on va dire, de l'alpinisme dangereux. Ou de jeter une hache. Enfin, il faut vraiment... Ou de construire. Et surtout, il y a un fleuve immense qui sort de la grotte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es devant la grotte, je ne sais pas comment tu vas rentrer dedans. Qu'est-ce que c'est cette histoire de monstre? Donc est-ce qu'il y aurait vraiment un monstre ou est-ce que le monstre n'est pas qu'une invention de Caldera pour un petit peu maintenir le village dans la peur aussi, ouais. Attendez, le monstre, il est apparu il y a trois semaines. Alors, je m'approche d'un des villageois et je me demande, est-ce que le monstre était terrorisé le village avant l'arrivée de Caldera? Le Shraou. Alors, les gens du Shraou sont dans ce village depuis toujours. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais parfois j'entends des cris étranges la nuit. Et vous savez à peu près d'où ils viennent ces cris? Non, je suis chez moi et ils viennent de dehors. On a trois jours ou trois nuits. Hein. Ça mériterait de peut-être que l'un d'entre vous fasse un tour de garde de nuit. Éventuellement, ou l'une d'entre nous. Moi, je propose de rester... dormir dans le manoir de Caldera, bon. En tant qu'agent double, évidemment. Le plan, c'est... On a très peu de chances de le vaincre au corps à corps, dirons-nous. Oui. En affrontement direct, c'est mort. On n'y arrivera pas, il y a beaucoup trop. Moi, le plan de l'empoisonnement me plaît. Oui, enfin, la potion hallucinogène qu'il émet dans un état... Moi, j'ai une potion hallucinogène que j'ai faite, hein, avec, à partir d'une très très belle race. Ouais, bah, il faut se faire inviter par ce... Moi, je propose d'entretenir de bonnes relations avec lui. Mm-hmm. Je me chargerai de m'isoler avec le Seigneur, parlons affaires. Pendant ce temps, vous, de votre côté, tentez éventuellement un jour, lorsque tout sera prêt, il nous reste que deux jours et demi, hein. Ouais, il nous reste deux jours et demi, il faut que je sois là pour lancer la potion. Personne ne peut manier la potion. Alors moi, je ne suis pas la reine de l'infiltration. Hein. Donc là, il faut s'infiltrer dans les cuisines, etc. Je vous rappelle que idéalement, la plupart des mercenaires devraient aussi être affectés. Mais non, dans l'hypothèse de la violence, tu as aussi une autre potion d'explosion. C'est vrai. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est d'être invité à un repas, à un banquet, où il faut que tous soient présents. Et là... C'est très difficile d'empoisonner un banquet. Non, ce pas de l'empoisonnement, c'est une potion. Oui, la potion, oui. Et après, tu fais quoi? Bah, en fait, Nicolas la jette au milieu de la salle de... J'imagine qu'on sera assis à des tables. Il la jette au milieu. Et puis nous, quand on se donne le signal, on se recouvre le nez et puis on recule. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Et ensuite on les neutralise. Après, on a 30 villageois pour tous les emprisonner. Hein. Les villageois ne seront pas avec nous au repas. Il faut qu'ils attendent à l'extérieur. Ça va être un point assez compliqué à préparer. Bah, déjà, on les attache. Avec quoi? Bah, avec il y a des rideaux dans ce truc, on fait des liens avec. Enfin, Atlan, j'ai l'impression que... Si vous cherchez des cordes, vous pouvez en trouver, il n'y a pas de problème. Ah. De toute façon, le but, c'est de reprendre Clavo au clan de Caldera. Voilà. On est d'accord. Ouais, on est tout d'accord dessus. Clair et net. Par la force, non. Ketra ne pourra pas gérer tout le monde, elle toute seule. Par la ruse. Et on livrera après au... Après, Ketra peut s'occuper des éventuels gardes, par exemple de l'archer... C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il en restera dehors, hein. Tout le monde ne sera pas au banquet. C'est vrai que quand on est venus, ils n'étaient pas tous toujours ensemble. Ce serait bien peut-être qu'on se sépare et que Ketra, elle... On va dire que vous avez bien médité un premier plan. Ouais. La nuit passe. Et le lendemain, Julia vous réveille à nouveau. Et là, elle dit, Ordo, on fait quoi pour la statue? Ah oui, c'est vrai, il y a la statue. Il y a la statue, il y a les moutons. Ah non, alors moi, j'ai préparé une potion. Bah oui. J'ai préparé une potion pour la statue. Pour la recoller? Oui. Allez, fais-moi tu veux la réparer? Un petit jet d'artisanat. Allez, go Nicolas. Allez. Attends, ne nous dis pas le résultat. Je me suis gouré de dés. Quoi? J'ai pris un des 6. Attends, lance les dés, mais ne nous dis pas le résultat tout de suite. Alors, tu commences à travailler dessus. Et là, il y a Caldera qui arrive sur un cheval. Mm-hmm. Et il dit, mon bon Nicolas. Vous voyez cette montagne? Nicolas Van Trunkel. Mon bon Nicolas Van Trunkel. Il est très respectueux. Il dit, vous voyez cette montagne? C'est la montagne du dieu invisible. Il y a un dieu secret qui s'appelle le dieu invisible qui vit dans cette montagne. Il ne faut pas que vous mettiez une déesse de la guérison. Ce n'est pas sa place. Ne réparez pas cette statue. Il impose ses idoles, en fait. Hein. Et il s'en va. Maintenant, est-ce que tu veux réparer la statue avec ton jet? J'ai vu le jet. J'ai pas encore vu le résultat, mais vas-y.
J'ai la 4. Ah, t'as fait 0,4. Comment gâcher un tel travail? On répare la statue. Comment gâcher la statue? Tu veux la mettre dans la merde? C'est un chef-d'œuvre que je vais faire. C'est-à-dire que je vais pas la recoller. Donc, effectivement. Tu la resculptes. Je la resculpte. Il met des petites paillettes dorées de fer dedans. Et comme les poteries japonaises, il a refait une statue, mais 10 fois plus belle, avec des veinures d'or. Elle est fantastique. Ouais. Et tous les gens qui passent devant, ils disent oh, mais c'est une déesse fantastique. Et elle a un diadème. Il y a NVT dessous, quoi. Voilà. Et là, elle est vraiment elle est très imposante. Et d'ailleurs, tu sens que beaucoup de villageois, on va dire, te respectent particulièrement par rapport à ton âge, par rapport à ton art. Voilà. Entre le pont, regardez-moi, j'aurais fait un truc incroyable. Après, ça fait quand même deux menaces plus ou moins directes que le Seigneur nous fait. Entre le pont, il nous a dit reconstruisez le pont, vous verrez bien ce qui va se passer. Ouais. Moi, je serais d'avis qu'un matin, on va se lever, le pont va être détruit une nouvelle fois. Alors, faut peut-être surveiller. Il faut peut-être qu'on agisse. Pas que dans les deux cas, c'est quand même Nicolas qui a fait. Agissons vite. Entre deux son art. On attendrait la fin. Agissons bien. Oui. Pour réfléchir. Il faut déjà trouver un moyen d'organiser un banquet. Mmh. Bah non, mais ça, ils doivent bien manger tous ensemble. Oui, mais est-ce le soir, qu'il va nous réinviter maintenant qu'on. Alors, organisons une rencontre pour discuter de cette là, faisons-le. C'est pas de grande venir. Il faut qu'on regroupe aussi tous les habitants. Puisque vous êtes en train de faire un plan pour ça, et Julia le comprend, elle dit déjà, j'approuve votre idée de se débarrasser définitivement de Caldera. En observant le manoir, vous pouvez voir qu'ils sont la plupart du temps dans le manoir. Et il y a toujours dehors l'archer et les deux gars. Mais le reste, ils sont dedans. L'archer et. Donc, Kiyuyu l'archer et Paquet-Science. Paquet-Science. Ketra. Oui. Mais. Voilà. 3, ça fait beaucoup. Ouais, mais surtout non, mais que si. Tu peux peut-être te faire l'archer en premier. Oui, l'archer, c'est sûr qu'il faut. Avec des beignets. Bah oui, tu peux faire ça. Et quel est ton plan? C'est de discuter avec lui pour savoir si ça. Ah bah de toute façon il est sympa, il vous adore. Hein. En plus tu lui files des beignets, là, il va t'adorer. Je lui file des beignets. Oh il dit oh Satlan, vous êtes vraiment un gars incroyable. Et je discute avec lui. Franchement je vous croyais les gars de rideau, je croyais vraiment je trouvais pas je cool. Je demande mais... si le Seigneur le traite bien. Ah bah Caldera, on a fait des pillages ensemble toute notre vie. Non, on a l'air loyal. Ça fait 20 ans que je massacre des villages avec lui, c'est fantastique. D'accord, j'avais lui demandé ce qu'il pense de ses actes, mais apparemment, il aime bien ça. Bah vous avez vu comment on est riche, je veux dire, ça, on l'a pas gagné en creusant des cailloux. Il, hein. il aime l'argent. Non, pas du tout, moi j'aime les beignets. Et si je vous promets une montagne de beignets? Pour faire quoi? Vous aider. À faire quoi? Quelque chose. Bah écoutez, moi vous êtes sympa. Si vous me demandez quelque chose, je le fais. Alors bon, est-ce que c'est pas un peu risqué de lui demander si directement ouais. Est-ce que t'es seul avec lui ou est-ce que Ketra est dans les parages s'il s'enfuit? Je suis seul. Non, avec là lui. Vous discutez le coup sur le flanc de la colline tranquillement. Non, mais en fait, il faudrait plutôt. Parce que lui, il a l'air d'être assez costaud, mine de rien. Non, mais il faudrait faire en sorte qu'on organise un petit banquet. Ok, on les met tous mais autour dans du le village. Dans le village. Ce soit eux qui viennent. Oui, c'est vrai. Comme ça, déjà, il n'y a plus de notion de réussir à s'infiltrer, machin, etc. Ils vont quand même garder des gens pour garder le manoir parce que voilà, ils viendront pas tous ensemble. Là, pourquoi pas. Pouf. Est-ce qu'on a assez de potions aussi pour tous les C'est une AOE. Une AOE, toi. Oui, c'est une AOE. Il faut juste les rassembler assez. S'ils sont pris dans l'air des faits, ils seront pris dedans. Donc. Il faudra juste venir les ligoter rapidement pendant qu'ils seront en train d'halluciner. On peut libérer notre appartement pour faire une grande salle commune. Notre maison. Eh ben, parfait. Étage. Parfait, Julia. Et on prépare quoi à manger? Des patates? Des chauves-souris? Il y a quoi dans. Quel est le. Parce que dans la rivière, on peut pêcher. C'est compliqué, il n'y a pas de pêcheurs et ils n'avaient pas de canne à pêche. Et... Vous mangez quoi d'habitude? On mange les céréales que nous envoie le village. On mange les céréales que nous envoie le village d'Arance. Là, ça fait quelque temps qu'il n'y a plus rien. Non, ça fait. On a encore plein de. On a d'une grange entière. On peut faire un brouet si vous voulez. Il va être ravi de bouffer ça. Non, mais en fait, il faut l'appâter pas sur la nourriture. Il faut l'appâter sur le fait qu'il y a une discussion importante. C'est avec ça. On va l'appâter pour un congrès des villageois. Les villageois acceptent soumettre ouais. à son que règne. Nous allons officialiser cette remise, ce transfert de pouvoir en la présence du village. Vous dites ça à Caldera? Non, on dit ça à Julia. Le plan, c'est de lui dire que Clodomir, Ordo, en sa qualité de bailli, va lui remettre officiellement les clés de la ville. Les clés de la ville, en présence du village, obligatoire. Mm.
avec... on verra. Vous êtes vicieux. Alors là, on est, on va dire, un après-midi du deuxième jour. Est-ce que vous voulez attendre le troisième jour pour le faire ce soir même? Ah ben, on le fait ce soir. On le fait, Et la suite du plan, quand même, parce alors, que oui, une fois qu'on les a... Pensons à tout le plan. Une fois qu'il vient... Une fois qu'il est dans la salle commune avec sa garde rapprochée. Ouais. On claque la OE. Ouais. Pouf. Nous, on se cache nos caps en soi. Hop. Il faudra faire un jet en lancé. Hein. T'as 75%, mais on sait jamais. T'as quand oui, même, parce que si ça foire, qu'est-ce qu'on fait? Si ça foire, tu pire. Ta version officielle, ce sera « J'ai glissé, ma potion est tombée ». C'est tout à fait possible. Alors non, effectivement, j'ai pas pensé à l'échec, mais dans le cas d'un échec, il faudrait peut-être que Ketra soit dans les parages, du coup. Ça veut dire que personne ne peut s'occuper des soldats qui seront restés au manoir. Notamment... Ah, parce que vous vouliez m'envoyer seul au manoir. Non, mais c'est pas grave. Si personne ne les prévient, ils n'ont aucune raison de se douter de quoi que ce soit. On ira avec la force du village... Et limite en tenant Caldera en otage, en disant rendez-vous ou on tue votre chef. Donc le soir même, c'est ça? Il faudrait que vous affectiez des paysans à faire de la nourriture alors, un grand banquet. On arrête le pont, comme ça en plus ça va baisser la garde de Caldera. Non, on les laisse travailler, on en prend d'autres. Ah oui, il y a 30 personnes, on en a affecté 5 au pont. Allez. Vous commencez à mettre au point votre plan, et dans la soirée, il y a Caldera qui descend, et il dit Ordo, j'espère que c'est pas une entourloupe. Entourloupe ? Je n'ai pas ce mot. Très bien. Ordo, en signe de... je voudrais que vous fassiez un geste. C'est que soit vous brûliez le pont que vous avez commencé à réparer, soit vous cassiez la statue que vous aviez réparée ce matin. En signe de... On va dire pour montrer que vous êtes... vous voulez mener votre plan à bien. On ne va certainement pas briser le pont, parce qu'on part du principe que tout échange commercial est bon à prendre. Donc pourquoi vouloir absolument... Mais je croyais que vous vouliez me donner les clés de la ville. Et alors? Et alors, si j'ai les clés de la ville, je décide s'il y a un pont ou pas. Donc j'aimerais que vous fassiez un petit geste, la statue, le pont, vous choisissez. Et on fera le reste de toute façon dès que j'aurai les clés de la ville. Très bien, et ben on brisera le début de pont demain. À la première heure. Alors vas-y, fais un jet de mentir-convaincre, pour voir. Il dit « Fort bien. Fort bien, Ordo. Je crois que vous êtes un dur à cuire, mais je suis touché par votre efficacité et je crois que vous avez compris qui était la partie forte dans notre affaire. Et j'aime les gens qui savent s'adapter aux bonnes situations. Je crois que nous pourrons même travailler ensemble. » Alors, ils rentrent. Effectivement, ils sont tous venus, sauf l'archer qui est sur le toit et Paquet Science. Et donc, ils s'installent à table et on sert. Il y a d'autres villageois dans votre salle commune. Qui sont en train de manger un espèce de brouet au blé qui n'est pas très très bon. Ordo, est-ce que vous voulez faire un discours? Eh bien, nous sommes réunis tous ensemble ici. Oui. En ce jour à marquer d'une pierre blanche. Oui. C'est pour remettre officiellement les clés de la ville à Caldera. Là, après, je sais pas comment on s'organise. Mais... En fait, venir Caldera. Non, Caldera, on est tous au centre. Non, on est tous. Petite à la pièce. Hein. Ouais. Donc tout le monde est présent. Tout le monde est présent. Tout le monde a préparé son étoffe. C'est ça. Voilà. Sauf les paysans qu'on n'a pas prévenus. Si les présents, ils les paysans sont prévenus aussi. Ok. Voilà. Donc on va donner de manière officielle les clés de la ville et je pense que c'est Nicolas qui va apporter quelque chose qu'il aura crafté. Exactement. Il a une clé, ça tombe bien, c'est symbolique. Non, il n'a pas sa clé en vrai. Donc, alors, dis-nous, Nicolas, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Écoutez, nous allons donc vous remettre le décret. Pour ça, il faut peser genou à terre et nous allons toucher les épaules pour officialiser la chose. Donc, non, vous non, moi je ne mets pas. Vous êtes armé ou pas? Bien sûr que non, vous pouvez regarder. D'accord, très bien. Mais rien sur moi. Ça me dérange un peu d'être genou à terre. Est-ce que je peux rester debout? Bien sûr, restez debout. Vous pouvez rester debout, mais il faut juste fermer l'œil et mettre la main sur le cœur. Fermer un œil ? Fermer les yeux et mettre la main sur le cœur. On a quand même la main traditions. Sur le cœur. Et c'est quoi ? C'est même pas de rideau, ce truc ? C'est les traditions de rideau. C'est les traditions de rideau. Faire un jet de mentir convaincre. Bien sûr. Oh là là. Merde. Non mais, faut y aller, faut pas... 58. Et que c'est 60. Sur 60 ? Il dit ok, il met une main sur le cœur, faites vite. Très bien. Par les pouvoirs qui me sont conférés par Ordo, je jette. Donc ça se passe comment? À ses pieds. À ses pieds, oui. Et aux pieds de son entourage. Ils sont tous homogènement répartis dans la salle. Hein. Ah ok, bon.
le jette surtout aux pieds de Caldera, mais la potion va se répandre. Ouais. Ma potion, l'Hallucinatrunkel, une potion incroyable. Alors, décrit ces dresses. Alors, par contre, votre technique, c'est de vous protéger comme ça ? C'est ça. Ouais. Nous avions préparé nos étoffes de soie. Vous faites quoi avec vos étoffes de soie ? On s'entoure le visage et on laisse que les yeux. Non, mais en plus, on s'était posté près des portes, on n'est pas débiles. Voilà. On n'est pas débiles, enfin, il faut aller quand même là. Donc, faites-moi un jet sous votre endurance. Donc, c'est le score qui est en haut, multiplié par 5. Donc, par exemple, si vous avez 11, ça fait 55. Et attendez, vous rajoutez 10% parce que vous êtes protégé. D'accord. Le jet des quoi ? Un jet à 100 faces. D'accord. Donc. Donc toi, est-ce que tu réussis ? J'ai 61 sur 61 et l'endurance, c'est 8 x 5, 40. C'est marqué à côté. Donc déjà, tu es en train de triper, vas-y, ensuite. C'est vrai. 46 sur. Sur 30. Sur 30, c'est bien. C'est pas bien. Tu hallucines aussi, vas-y. 76. Mais t'as dit que c'est plus 10. Ouais, c'est ça. 79. Moi, je suis pile. Ben d'accord. 75, okay. Ouais. C'est 65. Et combien ? 92 ? D'accord. Clodomir, vous avez trois bras. Oui, alors effectivement, vous voyez vos collègues se transformer en animaux étranges. Donc tout le monde sauf Kefra. Tout le monde est en train de baver sur le sol et. Ça me rappelle la meilleure soirée à l'université. C'est vraiment d'être en trip total, sauf toi, la galatrice, qui dit qu'est-ce qui se passe ? C'était pas le plan prévu. Qu'est-ce que tu fais ? Parce que eux, ils en ont pour un petit moment. Et est-ce que les ennemis aussi sont. Ils sont tous, mais les marchands, les paysans, Caldera, tout le monde est en train On a prévu de la corde quand même. Oui, bien sûr. J'essaie d'attacher les. Donc t'attaches les hommes de Caldera, ouais. Voilà, très bien. Tu fais ils ça. Ils attachent tous. Donc là, tu les attaches, tout le monde tu attaches bien. Rabattre, là, bien. Ouais. 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 Eux, ils en ont pour une bonne heure encore à halluciner. Est-ce que tu fais quelque chose sinon ? Est-ce que je peux faire d'autres ? Il n'y a pas moyen de les faire un peu redescendre. Je peux pas. Tu peux les mettre à l'air libre et attendre une heure. Déjà, je les sors, eux, et. Donc, je peux pas aller toute seule au manoir. Et donc là, les dragons sont attachés. Ils sont attachés, ouais. Ok. Bien attachés. Bien attachés, les dragons. Tu les as bien attachés. Ouais. Ils peuvent pas bouger, et je les baïonne aussi. Saucissonné, d'accord. Très bien. Donc là, je voudrais bien savoir qui était dans la pièce et s'il y a des gens qui sont restés au manoir. Tu tripes, donc tu peux pas dire. Est-ce que tu attends qu'ils se. Oui, j'attends, parce qu'au manoir, il reste l'archer et les deux frères, là. Pas science. En même temps, si on attend trop longtemps, les autres vont se poser des questions. S'ils ne rentrent pas. Bah non, c'est une cérémonie, je pense. Ouais. Ça va, une heure. Une heure. Donc tu attends qu'ils se réveillent, c'est ça ? Ouais. Donc, attends une seconde. Je suis un dieu ! Alors, Nicolas se réveille, reprend un peu ses esprits. C'est le premier avec quelques paysans. Et Caldera qui est furieux et qui dit qu'il vous maudit dans une langue étrangère. Mais une flèche se plante à ton pied. L'archer t'a vu. Ah ouais, il est si près, le manoir ? Non, le manoir, il surplombe le village. Et comment il a pu voir ? Attends, il a vu. Il a des flèches qui partent loin, c'est un excellent archer. Oh là là. D'accord, donc lui, il voit des gens dans une salle commune, il tire des flèches. Quoi. Il voit une gladiatrice qui tire 28 personnes à la sort d'une salle commune. Mais et non, sortait juste nous. Non, il est villageois. Ouais. Mais non, moi, je sortais juste nous. Ah, d'accord. Bah oui. Bon, alors. Je sortais que tous les trois. Non, on va dire que comme c'était un comportement suspect, il a envoyé une flèche. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Alors, j'ai juste repris mes esprits avec Kétra. Kétra. En plan, là. Je vous propose qu'on aille prendre Caldera, qu'on aille le chercher et qu'on le prenne en otage devant nous. Mais il nous maudit en langue étrangère, mais on s'en comme fiche. Ça, oui, c'est vrai que l'archer, on le met comme bouclier humain. Complètement. Et on dit à l'archer. Parce qu'il a l'air fort, l'archer, quand même. Ouais. Alors, qui prend en otage à Caldera ? Bah, on peut tous essayer de prendre un de ces hommes. Caldera en particulier, qui le prend en otage ? Caldera. C'est toi ? Moi ? Non, on n'est pas là. Non. C'est toi qui le prends en otage ? Tu mets ta hache sous son cou. Et ça tombe bien, puisqu'il y a Pac et Science qui sont en train de débouler la colline avec leur masse, tu vois. Et quand ils te voient, ils disent « Ouh là là, ok ?» Caldera dit « C'est bon, on va s'arranger, d'accord ?» Ok. Ok. Qu'est-ce que vous voulez, les gars de la ville ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, faut que vous partiez d'ici. Vous voulez qu'on parte, c'est ça ? Donc si on part, il ne nous arrivera rien ? C'est compliqué. Mais pas qu'ils lâchent leurs armes, plutôt. Déjà, je pense que s'ils partent, ils vont revenir
dès que nous on va partir. Non mais vous voulez quoi ? Que tout le clan parte ou juste eux ? Tout juste les deux. En fait, déjà... Tout le clan. Déjà, jetez vos armes à terre. Mais de toute façon, ils sont attachés. Non, mais les deux. Oui, oui. Oui, on leur dit de jeter leurs armes. Est-ce que ils jettent leurs armes à terre ? Ils jettent leurs armes à terre. OK. T.U.U., l'archer, jette son arc à terre. Bon, il ne peut pas vous entendre ici, mais de toute façon, vu que vous tenez Calder en otage, il ne va pas tirer. OK, donc maintenant... Pas question. Ils jettent leurs armes. OK. Ils se posent à genoux. Et ils me laissent les attacher. D'accord. On va dire qu'il y a Atlan qui commence à émerger maintenant. Et... Alors, cette soirée, Atlan. Oh, compliqué. Madame, est-ce qu'on peut convenir d'un arrangement ? Oui. Alors, je vous propose la chose suivante. Vous allez me libérer. Et je vous donne votre poids en or. C'est très risqué. On ne libère pas un tel homme. La fortune ou... C'est un peu gros. J'ai un vase en or chez moi qui vaut bien 50 écus. Je vous le donne et vous pouvez partir avec et on est quitte. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller le prendre ? Vous n'êtes pas vraiment en situation de négocier. Ce serait du vol. Si vous saviez. Calder venait de voler un village. Donc à un moment... Si vous saviez... Moi, là, en émergeant, je me tourne vers les villageois et je leur demande quel sort aimeriez-vous que l'on réserve ou quel sort aimeriez-vous faire subir à Caldera. Et pour moi, c'est au village de décider. Alors, les villageois, ils disent... Un villageois standard, typique, dit... De toute façon, Seigneur d'Urino ou Caldera, c'est un peu la même chose. Maintenant, c'était bien quand les femmes travaillaient et qu'on avait la statue d'Ina et le pont. Et c'était des choses normales, tu vois. Là, on ne sait pas trop... Je vois pas d'autres moyens. Enfin, le problème, c'est que Caldera, si on le libère, il lui dit de partir, évidemment, jamais il va partir. Il va se venger, surtout. Ouais. Oui, voilà. Il va revenir, il va tuer tout le monde ou nous tuer, nous. Là, il faut qu'on aille au bout de nos actes à un moment. Et je pense qu'il va falloir qu'on se sépare de Caldera, qui est comme un pire de village. Il t'entend parler, il dit, je vous propose quelque chose. Je prends mes chevaux, mes hommes, et tout ce que je peux transporter en or sur mes chevaux et mes hommes, et je pars vers l'ouest. Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Et vous me laissez tranquille. Ça vous va ? J'ai du mal à le croire. Je peux le faire un serment, si vous voulez. Je peux jurer ça sur le royaume... Je fais un serment sur le fleuve des morts. Oh. Pourquoi c'est sur le fleuve des morts. Clodomir peut nous dire si... Clodomir, il est... Moi, je suis toujours en rabat. Est-ce que c'est un serment magique ? Ah oui, il est pas réveillé. Clodomir, il est foncé, là. C'est un serment magique ? C'est vrai que c'est un serment très grave. C'est super risqué, parce que ce mec est super dangereux, en fait. Ce mec, quoi qu'il arrive, c'est soit on le bute. Le problème, c'est que là, vu comment on s'est lancé, je ne vois pas nous la jouer tendre maintenant. En plus, si on bute, on a un manoir de fous qui nous attend. Après, vous avez aussi 10 hommes qui vont se venger. Mmh. On les tue aussi. Ah oui. On tue tout le monde. Là, tout le monde est attaché. Enfin, moi, je dors. Pas question. Tout est attaché, sauf Tiyu, là. On a attaché tout le monde, sauf Tiyu. C'est vrai, ouais. Après, là, c'est notre merci, c'est pas un archer qui va nous stopper. L'archer, on demande à Caldera de le faire venir, tout simplement. On a toujours Caldera en otage. Ouais, complètement. Soit on va jusqu'au bout du truc et on sacrifie tout le monde, soit on s'arrange avec lui, là où les villageois n'ont pas l'air forcément... Pour eux, ils veulent juste que les femmes puissent retravailler et que Caldera devienne un seigneur honnête. Ça fait beaucoup de gens à tuer, là, non ? Peut-être qu'on peut essayer de régler ça... Clodomir se réveille. Les gars ! J'ai vu des dragons ! Ah ! Tout le monde est attaché. Et, dans cette prise d'otage complètement incroyable, ça va être la fin de notre séance d'aujourd'hui. Donc vous avez quand même... 2 semaines pour réfléchir à ce que vous allez faire de Caldera et vous avez la meilleure solution. Peut-être, d'ailleurs, les spectateurs auront des suggestions à vous faire. Alors, on se retrouve, on va terminer tout doucement cette émission. On se retrouve dans 2 semaines, donc ce sera le 4, je crois, le 4 mars, tout à fait, pour une nouvelle aventure dans la continuité de celle-là. C'était la première émission, j'espère que ça vous plaît. Ne quittez pas, parce qu'on se retrouve dans 5 minutes pour faire un débrief où on aura vos questions ou d'autres questions qui seront posées par Ya, qui a la réalisation, qui fait un super travail. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Non, ben voilà, à la semaine prochaine pour savoir ce que feront nos héros du clan Caldera. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Thank you.
Thank you.
bonsoir à tous, ou rebonsoir pour ceux qui nous suivent depuis maintenant plus de 2 heures, on va dire 3 heures même. Alors moi je suis Ya, normalement je suis à la réalisation, mais là pour la deuxième partie, je vais poser vos questions. Alors sur le chat, n'hésitez pas, et j'ai pris en bonne note tout ce que vous m'avez dit auparavant. Du coup, on va tout de suite commencer avec la question qui taraude un peu tout le monde. Est-ce qu'on peut mourir dans ton jeu Fibre ? Oui, complètement. Alors, non seulement on peut, mais je suis même venu avec des fiches de perso alternatives au cas où il y a quelqu'un qui meurt. Et je crois que Dérive est pas loin de la mort, là. Ouais, j'ai vu. Mais alors, est-ce que perso alternatif, c'est instantané ? C'est comment ça se passe ? Alors, les personnages, ils sont écrits à la base, c'est-à-dire qu'ils ont une histoire. Et donc, ils ont des lointains cousins ou des gens qui les traquent ou des choses comme ça. Mm-hmm. Ce qui fait que si un personnage meurt, qu'est-ce qui se passe ? Il meurt. Mm-hmm. Ses amis font une petite cérémonie d'enterrement, respectueuse. Ah. Voilà. Et une fois qu'il est bien mort et enterré, hop, quelqu'un d'autre arrive. Et voilà, ça prend quand même une bonne demi-heure de deuil. Donc voilà. La mort est à tous les tournants. Ça peut arriver, c'est Game of Thrones. Du coup, je vais vous demander un peu votre ressenti après cette première game. Je sais que vous aviez jamais fait de JDR. Bon. Daz, de ton côté, ouais. Ouais. Quelques parties d'entraînement, mais Fibre Tigre voilà. En amont. Surtout, je n'ai jamais fait de vrai gros JDR. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout un rôliste, donc... Alors, du coup, des frustrations, des trucs qui t'ont plu, comment t'as... Non, moi, je trouve ça super cool, la façon dont ça s'organise. En fait, on a une grosse liberté. Je pense que c'est nous qui... Par automatisme, en fait, on essaie d'aller de... tout droit, ouais. Ouais. Alors, pour ceux qui savent pas, du coup, moi, je suis un gros rôliste, j'aime ça depuis des années, du coup, c'est aussi pour ça que je fais ce post-show. C'est vrai que pour les joueurs néophytes, souvent, ils se calquent avec le jeu vidéo, et ils ont toujours... La perception de « je suis là, je vais forcément devoir aller derrière ce mur, derrière cette quête, derrière ce Exactement. Truc. » Et il y a des fois, tu peux juste partir dans l'autre sens. C'est à ça que je pensais quand on a rencontré Caldera, parce que... Mm-hmm. Je me disais, finalement, ok, on joue les envoyés du seigneur du rideau. On sait pas trop pour quelle raison. C'est toi qui t'es pris au jeu. Ouais, c'est vrai, mais j'avais le mandat et la broche. T'as voulu faire la justice partout. En ce qui concerne, vous pouvez. C'est-à-dire que si vous voulez prendre un côté, moi, c'est Ouais, mais après, en fait, on a vu que ce qu'ils proposaient comme régime, c'était un truc un peu à la Taliban, là. On s'est dit, bon, c'est pas cool, tu vois. Du coup, je rebondis sur une question de Glaouche, bien sûr, Glaouche, qui demande. Ouais, Glaouche, je te pète. Je le pète à Tricky Tower. Pas trop dur de gérer 4 néophytes, parce qu'effectivement, toi, tu avais déjà fait du JDR, en tant que MJ en tout cas. Est-ce que ça t'a changé de tes tables de d'habitude ? Déjà, grâce à toi, on a fait 2 pilotes, et 2 gros pilotes, donc on se connaissait bien. Moi, la personne que je ne connaissais pas, c'était Dérive, mm-hmm. qui est en fait un excellent joueur, très fin. Il a un peu ça dans le sang. Ouais. Qui a beaucoup de réflexes de je loot, je lui demande, j'essaie de voir les trucs alternatifs. Tu prends des beignets au safran pour, pour avoir des deux. Il voit des motifs, donc c'est bien. Non, mais voilà. Non, mais sinon, l'émission, elle est aussi pour encourager les gens à jouer chez eux. Mm-hmm. Et donc, c'est bien d'avoir des gens qui ne savent pas trop jouer, comme ça, ça leur montre que voilà, faites-le, c'est cool. Alors, autre question, alors ça, je me tourne vers l'âme, qui est un peu la JVTV, tu es l'homme JVTV, quelque part. On demande s'il y aura d'autres streamers qui vont pouvoir participer, c'est Prototype 335 qui demande ça. Est-ce qu'à terme, il y aurait des guests, d'autres gens qui vont participer à cette émission ? Alors, les chefs de projet, c'est plus Fibre, et toi, mm-hmm. et Trunks et tout. Nous, on est juste joueurs. Mm-hmm. Moi, j'aimerais bien. Perso, j'aimerais bien que ce soit ou une autre quête ou un autre scénario avec d'autres joueurs peut-être qui arrivent, ou que l'équipe, bouge un peu, qu'on ait des guests le temps d'une émission. Ouais. Ça me faisait rigoler d'avoir un guest qui vient et qui joue le rôle d'un PNJ, tu vois. Donc moi, ça me ferait très plaisir, carrément. En fait, je suis curieux de voir comment d'autres personnes jouent aussi. Ouais, ça peut être intéressant. Alors après, il y a Ketoki qui nous demande si MV pourrait participer. Ah, forcément, fallait bien que la question... Volontiers, hein. Parce que MV, on rêverait qu'il passe... Ce serait super, parce que du coup, comme il n'a pas trop le temps, voilà, ce serait bien qu'il puisse passer. Il apprendrait de temps. Pas. Ouais, non, carrément, quoi. Du coup, on a IMPE, hein, IMP, pourquoi pas. À quel point les joueurs ont-ils participé à la création des personnages ? Alors, est-ce que c'est les personnages que toi, tu as fait en amont ? Ou est-ce que ça a été des longues heures de « est-ce que tu vas prendre ça ?» Alors, justement, normalement, dans un jeu de rôle classique, on crée son personnage from scratch et on invente toute l'histoire. Mm-hmm. Cependant, là, ce que je voulais faire, c'était une grande campagne avec des personnages qui sont impliqués dans le monde et qui vont vivre des choses et qui vont vivre de grandes aventures. Et donc, j'avais besoin de les écrire en amont. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 4 ou 5 personnages bien écrits. Et je les ai présentés, j'ai dit, voilà, avec lequel vous vous sentez bien. Et ce qui était... Alors après, Daz joue un jeune magicien frêle, mm-hmm. et Lydia joue une grosse guerrière, donc il y a un peu des stéréotypes qui ont été inversés.
Mais après, voilà, quand j'ai dit bon, moi j'ai un étudiant hyper arrogant, et là, m'a dit je veux le faire, tu vois. Donc, c'est pas vrai. Ça correspond un peu au personnage. Du coup, il y a beaucoup de gens qui demandent si c'est un homemade. Donc là, on répond oui, effectivement, c'est made, un fait main, comme on dit, c'est, ouais. C'est Fibre qui a fait tout de A à Z. Du coup, il y a une question qui s'enchaîne là-dessus. C'est Nidog qui demande est-ce que les joueurs Daz, Lame, vont pouvoir faire évoluer leur personnage à travers l'aventure? Est-ce qu'ils vont gagner des statistiques? Alors, est-ce que, ou ça, c'est plutôt fixe? Ouais, donc il n'y a pas de système de progression de statistiques, mais ils ont une histoire personnelle, ils ont des tourments, ils ont des objectifs. Et quand ils arrivent à... Ils avancent soit sur leur objectif global, mais ils atteignent des paliers dans leur vie. Mm-hmm. Ils acquièrent de nouvelles compétences, un peu comme des super skills qu'on aurait dans un jeu vidéo. Quoi. Ouais. D'accord. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, il fait des potions. Demain, il pourra peut-être enchanter des objets. Voilà, exactement. Ça viendra quand il aura débloqué des choses de son histoire personnelle. Alors, si d'accord. Je trouve ce fameux sceptre, il existe. Exactement. Du coup, ce seraient les quêtes de classe de chacun des personnages qui vont pouvoir faire avancer. Voilà. D'accord. Effectivement. Alors du coup, question aux joueurs. Non, on a déjà répondu. Est-ce que vous avez déjà fait des JDR avant? Donc là, on a déjà répondu. C'est on a fait Zèbre. Un seul avec 404, mais qui était aussi un... Ouais. Moi, j'ai jamais fait un vrai Donjons et Dragons, un vrai Warhammer, un vrai Star Wars. J'ai regardé Lydia ou d'autres joueurs jouer, mais j'ai jamais joué moi-même. Alors, du coup, là, je pose la question pour d'autres gens, je l'ai vu passer. Pourquoi ne pas avoir fait du D&D, enfin du JDR dit classique, Pathfinder, D&D 5e édition, ou encore Shadowrun? Eh bien alors, déjà, le problème, c'est que... C'est un jeu de rôle qu'on veut que vous le regardiez et que vous preniez du plaisir à le regarder. Et les jeux de rôle, ils sont créés pour que les joueurs prennent du plaisir à jouer. Et c'est un peu différent. Si vous voulez, là, souvent on disait, vas-y, lance ce dé, si tu fais moins de 63, t'as gagné. Mm-hmm. Et dans les jeux de rôle, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a un peu plus de modificateurs, tout ça. Donc ces choses nouvelles, ce nouveau système qu'on a créé, grâce d'ailleurs au travail qu'on a fait en amont avec MV, eh bien, ça permet d'aller très, très vite. Vous voyez, on n'a pas dit, tu as trois pièces d'or, on n'a pas compté. Ça allait très, très vite, on n'a pas compté la faim, la soif. Pourquoi? Pour que vous ayez un maximum de spectacles et que ça se passe bien. Pour kicker les temps morts et que exactement. Ce soit juste de l'action. Voilà. C'est vrai que dans les JDR, souvent, il va y avoir des zones de repos, il faut se reposer un peu longtemps et ça reset les sorts, par exemple. Voilà, on est arrivé dans un village où il n'y a pas de taverne et pas de commerce, qui est fou dans un jeu de rôle. Bah là, c'est un peu exprès pour que vous n'alliez pas acheter 15 mètres de corde et négocier avec le parrain. J'étais chaud, moi. Du coup, alors on enchaîne. Alors, beaucoup de questions, effectivement, pour toi, Fibre, parce que comme le système de jeu est assez unique. Est-ce que dans ton univers, alors c'est Némé de FR qui pose ça, désolé si j'ai écorché ton nom, est-ce qu'il y a des races non humaines ou alors on est dans l'heroic fantasy ou dans du sword and sorcery? Il y a des races non humaines subtiles, il y en a eu deux là dans le scénario d'aujourd'hui. Elles sont un peu différentes, elles sont tirées d'autres mythes et folklores que les nains et les elfes. Voilà. Okay, mais il y en a, voilà. Et elles sont justifiées. Tu parles de Roman le mec poilu et... Roman le beignet. Voilà, Roman le beignet. Et Caldera avec ses cheveux. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui demandent si on peut acheter le costume de l'âme. Hein. Je pense à la JVTV, donc on sait qui c'est quand on dit ça. C'est la JVTV qui demande. Incroyable. Attends, teste-moi ça. Teste-moi cette petite merveille. Regardez bien, cet homme va se transformer en Rihanna dans 2 secondes. Quand il a vu ça sur Amazon, il a... Il a un stand-by. Ah, magnifique. Oh, mon Dieu. Ouais, c'est pas mal. Mais presque, tu pourrais jouer... Tu sais, les Goa'uld, là, dans tu pourrais surtout jouer dans le prochain Reality de RuPaul, là, les drag. Faut le mettre quoi, ouais, non, parce que moi... Plus haut, là, faut le mettre... Je sais pas. Alors, Daz, tu t'es un peu placé en tant que leader, hein, je veux dire, c'est très vite, cette... Bah, je sais pas, c'est un peu toi qui malgré moi, en fait, l'âme m'en parlait, il a raison, en fait. Daz, il arrive pas à stopper son caractère, il est ultra dominant. Ouais, mais bien sûr. Mais non, c'est pas ça. Je te jure. C'est du leadership, c'est pas de la dominance. Non, mais Daz, il est très... Mais non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai un vieux réflexe qui est un peu con, mais c'est aussi lié au jeu vidéo, c'est que bah, ce que tu trouves, tu le gardes. Bien sûr, évidemment. Et en fait, j'ai trouvé... C'est pas le jeu vidéo, c'est ta vraie vie, ça. Ça, c'est la vraie vie de Daz. Tu vois, j'ai trouvé le... j'ai trouvé la broche et le mandat. Ouais, t'es le premier à dire, je loot. Oui, c'est clair, je prends, je garde. C'est évident, c'est Golden Axe, les gars. Il faut taper au coin du feu. Non, mais c'est vrai qu'en sortant, on en a reparlé, et oui, De Rive aurait été un ordo parfait, en fait. Oui, mais d'autant plus qu'il a une compétence, se faire passer pour quelqu'un d'autre, ce qui est fou, mais bon, j'ai pas... Tu vois, on connaît tellement pas exactement le panel de compétences de tout le monde. Oui, mais du coup, il n'y a même pas de discussion, t'as fait non. Oui, mais en fait d'un autre côté, De Rive m'a pas dit... Mais c'est aussi je suis transformiste, métamorphe, tu vois. C'est ça aussi toute la beauté du JDR, c'est que tu peux avoir... Il peut avoir prévu tout ce que tu veux. Ouais. Si vous avez décidé de partir à gauche, vous partez à gauche, c'est pas grave. Mais c'est souvent ça qui est le plus rigolo. Du coup, on nous demande aussi... Non, là, c'est moi qui demande.
pas trop déçu d'avoir cassé la hache de ta compagnon à la minute 3 du jeu. Non, mais ça, c'est un truc de ouf, parce que quand on a fait l'épilote, j'arrêtais pas de piffer mes jets de dés. Là, j'ai 80 peut-être, ouais. Et je fais 97 sur 100, c'est pas possible. Surtout ouais. Qu'elle a acheté les props, du coup, on va lui enlever une de ses props, hein, parce que... Non, tu l'as réparée, en plus, elle l'a perdue. C'était la hache maudite, hein. c'est clair. Mais après, je tiens à dire, j'ai réussi tous mes jets, j'ai fait un pont, ma foi. Non, t'as surtout fait une statue. Revive un gars qu'on a jeté nous-mêmes, qui s'est empalé sur les cristaux pour qu'il puisse nous relancer la hache sans blesser personne. Évidemment. Il a fait un 0-6 en plus. Mais j'avoue que ce premier jet de dés était extrêmement drôle. Alors après, c'est Dorif qui a piffé ces jeux. Complètement. Habib El Biba, qui demande s'il y aura une suite au JDR de la Silicon Valley. Alors, si vous ne savez pas, Fibre avait fait un espèce de one-shot sur la Silicon Valley. Qui prenait part, alors c'était le lancement de start-up, c'était un peu tout ça. Et donc, est-ce que vous ferez une suite à ça? C'était un podcast. Ouais, c'est un podcast audio qu'on fait avec toute l'équipe. Oui, mais donc, effectivement, l'idée, c'est de parler de l'actu à travers des podcasts audio. Mm-hmm. Donc, en gros, il y a eu quoi récemment en actu? Actu tech? Ouais, j'en sais rien. Journal du hardware. Il y a Meltdown, Spectre. Par exemple, on peut faire un scénario sur Spectre, tu vois. N'importe quel actu. Dans lequel c'est des développeurs qui vont développer Spectre ou pas. Et voilà, et on explique. Et comme on est face à l'actualité, ça permet de décrypter. Mais c'est bon parce que c'était comme différent, je trouve, de faire un podcast, enfin, un jeu de rôle filmé et streamé en direct par rapport à un jeu de rôle audio ou un jeu de rôle audio. En fait, je sais pas comment dire, t'es hyper à l'aise, tu te checkes pas du tout. Alors que là, il y a plein de fois, je sais pas, j'essaie de me checker ma position. Non, les caméras étaient pas trop. Enfin, je veux dire, vous étiez. Tout le décor, ça me mettait dans une ambiance différente d'un truc audio où c'est très, très. Il y a un niveau d'exigence quand même très fort de IA, ce qui est très bien, hein, je suis d'accord, je suis hyper content. Il nous a vraiment incité sur beaucoup de choses et c'est pour ça que vous avez eu une bonne émission et je pense que ça va s'améliorer encore. Donc ouais, il nous manque le décor. Alors, on est à 20% de ce qu'on veut faire, qu'on se le dise. Envoyez des petits messages à Trunks. Pour dire de l'argent Trunks. De l'argent Trunks. Et Trunks, c'est répondre de l'argent, tu vois. Alors du coup, on me demande combien d'épisodes ça va durer. Est-ce que c'est défini ou est-ce que c'est parti? Parce que comme on voit les classiques genre Critical Role, ils ont fait une campagne sur 3 ans. Mm. Alors on est parti sur quel Alors, range, un rythme de un épisode tous les 15 jours. Parce qu'il faut dire, on est en alternance avec 20th Century Toast tous les dimanches. Voilà, donc, c'est ça. Le problème du dimanche, c'est ça maintenant. On a au moins un an de jeu, sachant qu'on fera peut-être je ne sais pas si un Star Wars, peut-être. Mm-hmm. Si un Star Wars qui sort, on fera un jeu de rôle Star Wars. Donc, Cette campagne, alors. Non, là, il y en a pour un an ou deux. Ouais. Ah ouais, ça, c'est bon, ça. Mm. Ah, c'est sacré truc. Ça lui a démonté la mâchoire. La minute. Non, je crois que ça allait durer, je ne sais pas, 6-7 séances et qu'après, on. Non, mais en fait, 6-7 séances, ça fait déjà 3 mois. Hein, donc, bien sûr, c'est costaud. Non, que dis-je. Donc, on demande à Trunks de rendre l'argent pour qu'on ait un décor, et ça me fait plaisir. Moi j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous aurez fait différemment, parce que forcément dans le JDR il y a des répercussions à des actions données où il faut aller vite. Qu'est-ce que vous aurez fait différemment s'il fallait refaire là de tout de suite? Moi j'aurais pas suivi tout le rôle du fait qu'en fait on s'est retrouvé fonctionnaire itinérant. Il s'est pris dans la broche, en fait on s'est retrouvé dans un engrenage. Et j'étais là genre, moi en fait j'ai envie de jouer un mec qui est un peu con, un peu égoïste, un peu égocentrique. Et en fait, et que ma quête soit en fait le vrai truc qui m'intéresse vraiment dans la vie. C'est pour ça que j'étais un peu en mode, je sais pas, je veux pas trop serrer les mains. En gros, moi tout ce que je veux, c'est revenir dans mon école et retrouver la gloire que j'ai perdue. Et je trouvais ça drôle de me dire, mais en fait, je me suis complètement fait embarquer. On est des huissiers. Je vais rallumer la lampe parce qu'a priori, on n'a plus d'électricité à Webedia. Donc. Ah, c'est ça, travailler le dimanche soir à 21h. Il n'y a plus personne. Ils nous mettent dans le noir. Pardon. Je ne vous ai pas forcé à jouer les Hordos. Hein. Juste te présenter des choses. En fait, ça qui est drôle, c'est tellement toi, tu as imprimé le papier, je me suis dit, c'est important. On ne peut pas juste dire. Osef, on va faire autre chose. Mais je crois qu'en fait, si on peut, tu vois, c'est. Oui, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, nous, on a un truc, on dit il faut pas le rentabiliser, mais on a un indice, il faut s'engouffrer dedans. Mmh. Alors effectivement, au moins, tu peux dire. Un exemple de ma table, moi, je suis MJ aussi, et je leur ai donné un parchemin tout à fait mystérieux sur un corps qui traînait. Parce que c'est un handmade d'Harry Potter. Ils découvrent un corps, et sur ce corps, il y a un parchemin. Ça fait 8 séances qu'on joue. Ils n'ont jamais eu rien à foutre. Tu peux le faire, c'est juste que c'est là. Et à un moment donné, ils vont ressortir et je vais ressortir des trucs que j'ai écrits il y a 6 mois. Donc, c'est pas grave. À mon avis, vous, il faut que vous arrêtiez faut que vous puissiez sortir du méta. Le méta, il n'y en a pas. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Du coup, ça m'amène une question. Est-ce qu'on peut... alors, on pose la question. Est-ce qu'on peut retrouver ton univers, Fibre, quelque part, un blog, quelque chose où tu vas pouvoir mettre la map de ton monde? Enfin, un peu, ce que tu as créé, est-ce que tu vas le partager à la communauté? Alors, l'idée, c'est que la communauté découvre l'univers en même temps que les joueurs. Donc, vous ne savez pas plus que ce que vous avez appris aujourd'hui.
Donc on va pas trop révéler, sachant que June, qui a fait les visuels que vous voyez, je la remercie, j'en profite, elle est en train de travailler sur la map. Et mm-hmm. c'est une map qui aura un fog of war, c'est-à-dire que c'est une map complète. D'accord, mais un peu en comme... Temps, ouais. Vous allez la découvrir en même temps que les joueurs. Donc s'ils ne vont pas sur l'île, vous ne verrez jamais l'île. Donc, mais là, le... Ah, il y a une île ? Non, mais il y a un monde entier. Non, mais là, la carte qu'on a trouvée là, sur le parchemin... Ouais, elle est mignonne. Ouais, mais ils l'ont vu à l'écran ou pas les... Oui, j'ai mise. Alors, okay. On parle bien du X avec... Là, on parle d'une vraie carte qui a été faite. Mais sinon, tous les scénarios, je l'écris sur du... Je l'écris comme un bouquin de jeu de rôle, donc sur un Word. Mm-hmm. Donc, demain, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire en Webedia, voilà. Mais en tout cas, c'est prévu. Ok, nice. Du coup, on arrive un peu sur la fin. Le mot de la fin, ce sera qu'est-ce que... À quoi vous attendez pour la prochaine ? On est dans 2 semaines, donc ça va être un peu long à attendre. Dans deux semaines, qu'est-ce qui vous met la pression là ? Là, on est en plein milieu d'une prise d'otage, en fait. Et surtout, là, c'est marrant parce que quand Fibre s'est arrêté, on était vraiment paumés. Parce que moi, dans ma tête, je suis merde, on était trop loin. Et on sentait que le groupe, on savait pas quoi faire, quoi. On avait un mec entre les mains qui, en plus, son caldeira était relou parce que c'était un putain de fin négociateur, quoi. Donc en fait, il était hyper séduisant. Et tu vois, genre, Derive et Daz étaient en mode de, bah vas-y, go. Et Lydia et moi, on était en mode genre, bah non, pas go, c'est un enfoiré. C'est un taliban, mais un taliban cool. c'est un mercenaire. Ouais, non, mais il donnait envie de. Moi, je pense que ça va. Enfin, c'est pas que j'espère, mais je pense que ça va se barrer en vrille. Parce que où on les tue, c'est une sorte d'exécution de masse. Bah, de toute façon, on les laisse partir, mais évidemment, on peut pas laisser partir des mecs, ils vont revenir tuer les mecs. Donc. Là, j'ai l'impression qu'on avait prévu tout le plan pour les emprisonner et qu'on n'avait rien prévu derrière, en fait. Là, du coup, vous arrivez dans la période qui est bien... On dirait les Américains en Irak en 2003. Vous allez avoir 2 semaines pour, tu sais, préparer le truc, vous allez arriver à la table... Bah, en fait, je sais pas si j'ai envie d'en parler avec eux, en fait. J'ai envie de reprendre exactement, enfin, qu'on se parle de comment on a fait le jeu, etc. Que ça soit freestyle, en fait. Mais sur le scénario, je crois que j'ai pas envie de leur en parler, en fait. Ah oui, d'accord. Je peux dire que Derive et Lydia, ils vont réfléchir. D'ailleurs, est-ce qu'on fait venir les... Ouais, carrément, ouais. On laisse nos places. Je sais pas comment on est au niveau 5 minutes, si vous voulez. Allez, on laisse nos places. Fait venir au moins de Rive et Lydia, ça serait sympa. Bon, on vous laisse, on va aller chercher. Salut, okay, à plus tard. À toutes. Bah, le temps qu'ils viennent, je peux parler peut-être du moteur de jeu. Tout à fait. Alors, comment ça marche ? Comment t'as défini ? Parce qu'on voit qu'il y a des statistiques, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a 12 en force. Bon, ça, c'est un truc un peu classique. Ouais. Et derrière, t'as des pourcentages qui sont plus ou moins des 100%. Ouais, et... Alors, pour les gens qui s'y connaissent, c'est un système dérivé du Chaosium, qui est libre de droit. Mm-hmm. Où, en France, ça a été édité par Casbelli sous le nom de Basic Roleplaying. Donc, c'est un peu basé là-dessus. Donc, en gros, il y a un squelette de compétences principales, force, endurance, bien etc. Sûr, ouais. Et à partir de ça, on déduit des compétences qui sont survie. Par exemple, la survie, c'est un peu l'endurance et l'intelligence. Mm-hmm. Donc, en fonction de ça, il y a toutes leurs compétences qui sont en plus. Et enfin, ils ont chacun des compétences liées à leur classe et à leur histoire un petit peu. D'accord. Voilà. Du coup, quand tu définis des compétences, ce qu'on voit par exemple pour créer des potions, par exemple pour l'âme, etc., et il a quand même tout un range de compétences qui est autre, qui ne sont pas notées sur la fiche, qu'il pourrait tenter naturellement. Voilà, c'est ça. Okay. Et également, pour les gens qui s'y connaissent, le système de magie freeform de Daz, qui est un peu compliqué, il est tiré de Castle Falkenstein. Et en gros, il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, il peut dire une météorite tombe sur Caldera, par exemple. Ouais. Simplement... Il peut faire qu'un certain nombre de fois dans sa vie. C'est pour ça D'accord. que c'est compliqué. Et du coup, il peut être après un magicien à la retraite avec zéro sort. Exactement. Un jour, il va lui rester plus qu'une carte. Et, Et du coup, le mieux dans ton jeu, c'est le roi ou c'est l'as ? C'est l'as. Ok, d'accord. Il y a même le joker. Le joker où tu peux tout faire. Voilà. Ah, du coup, ça devient intéressant. Alors, bienvenue. Bienvenue. Bah, alors, merci. Alors, la première question qu'on va vous poser, alors surtout toi, Lydia, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu vraiment de baston. Enfin, je veux dire, t'as pas bastonné vraiment. C'est vrai. C'est vrai que je protège plus que coup, que j'enclenche les bastons. C'est vrai. Un peu frustré de pas avoir été la bagarre plus ou parce qu'on t'a senti bien en retenue. Pour le moment, c'est comme ça. Peut-être qu'après, je me bagarrerai plus. Voilà. En fait, c'est la seule du groupe qui est capable vraiment de se battre. Nous, on est des tanches. Hein, faut le dire. Vous êtes plus bons parleurs. Il a des cartes. Il va louper une fois sur 50. les potions, à part recoller des statues, pour l'instant, on n'a pas trop vu l'efficacité. Moi, je loupe tous mes jets et j'ai une dague qui ne sert pas à grand chose. Donc, il y a que c'est toi. C'est vrai que je suis la seule force de frappe. En fait. Et on te pète ton ta hache. Et en plus, on la pète. C'est clair. C'est pas mal. Et ils sont conscients que c'est précieux parce qu'à chaque fois, ils essaient de la récupérer. Bah, j'espère bien. Mais par contre, on sait qu'on peut compter sur elle.
Ouais. C'est qu'en fait, on sait surtout qu'on peut t'envoyer en première ligne, en fait. Nous, on va rester derrière. Oui, ça, on a vu, hein. Oui, t'as on va toujours si tu t'envoyer un plan, fait bon, bon. Voilà, hein, on t'envoie devant. Le jour où ça va mal tourner, parce que si ça peut très mal tourner, bah, ouais. On va ouais. être assez hein, mal. Quand donc, tu, quand elle va mourir, ouais. ce c'est sera ça de ta faute, bah ouais, parce que tu l'as envoyé au chemin. Ouais. Je pense qu'on a intérêt à nous, sur la séance prochaine. Ça mène à une question que j'ai lue aussi. Est-ce qu'il y a moyen de ressusciter les gens? Non, c'est pas, c'est plus proche de Warhammer que de Donjons et Dragons. Voilà. Du coup, même quand t'es potion, mort, t'es mort. Par exemple, si mort de base, la mort est définitive. Ah, donc il y aura un autre personnage avec une autre quête de classe, mais tout ça est et, différent. Ouais. Et là, ça ne peut pas faire revenir l'esprit d'un joueur comme il l'a fait oui, sur le bandit. Il peut rester sous forme de zombie, il peut invoquer le fantôme d'un joueur, mais l'être vivant qu'il était ne reviendra plus. Ah, mince. Mais c'est pour, il faut que la vie soit précieuse pour que vous la protégiez. C'est vrai. J'ai bien vu. Alors du coup, je l'avais posé aux autres, mais à vous aussi. Quel est votre ressenti? C'est votre premier jeu de rôle. Comment vous avez perçu le truc? Ça vous a plu? Vous étiez frustré, content? Comment ça s'est passé alors? Bah moi, c'est pas le premier parce que je fais. Ah oui, ouais, je fais. Ouais, c'est ça. Je fais des tables avec des amis. C'est la plus grosse joueuse de jeu de rôle de la table. et du coup, non, j'ai bien aimé parce que c'est vrai que c'est vachement plus libre en fait, comme on. On s'attarde pas trop en fait sur les capacités, les jets de dés, etc. Ouais, ça va hyper vite ouais. en fait, donc c'est agréable en fait à jouer. Ouais, c'est vraiment ça va vers le scénario. On est vraiment sur c'est ça qui porte l'histoire. C'est pas le gameplay. Et toi, de Moi, j'ai fait un tout petit peu de Donjons et Dragons. Ouais. Moi, j'ai fait très peu de tables. Mm-hmm. J'ai beaucoup fait de campagnes de JDR dans les jeux. Avec les outils genre Divinity, genre Neverwinter, des choses très tout de même très liées à énormément de stats. Donc, avec présence d'un MJ virtuel ou réel derrière qui règle un petit peu tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a bien moins de jets ici. C'est des jets qui sont cruciaux. Ça rajoute un côté plus stream quoi. Forcément, ça aurait été. Ouais. Et ouais, j'apprécie le truc quoi. C'est vrai qu'on est dedans. Mais si t'avais pas résisté à la potion hallucinogène, le plan était à l'eau. C'est clair. C'est vrai qu'on. Alors c'est vrai qu'on est dedans en fait. Imaginons, alors on ne sait pas. Daz lance une météorite comme tu disais et il tue tout le groupe. Est-ce que t'as prévu cette éventualité? Est-ce que un nouveau groupe va partir? Alors en tant que maître de jeu, moi ça fait vraiment peut-être 25 ans que je fais de la maîtrise de jeu. Je suis. Ah ouais. On parle à un mec qui connaît. Quoi. Ouais. Non, mais en fait quand les gens meurent, ils meurent et puis c'est on se dit ok, ils sont morts, on raconte et on sort de nouveaux personnages et on continue et c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Faut pas si les gens sont mortels comme dans Dragon Ball. À la fin, t'as plus peur pour eux. Oui, alors ça, je suis d'accord. Ça crée des demi-dieux qui s'en foutent c'est de ce qui se passe. Ouais. Donc j'ai hâte que quelqu'un meure et que, bon, ça pas moi. En tant que spectateur, moi, je suis pas bien. Moi, je suis pas bien. T'as perdu un petit PV sur cette. Mais j'ai loupé tous mes jets. Mais moi, j'ai un gros problème, c'est que je fais toujours des scores de ouf. Et dans ce jeu-là, faire des scores de ouf, c'est dangereux, en fait. Donc il faut que j'inverse la tendance et que je fasse des scores minables. Faut que je fasse des moins de 20, moins de 30 sur la plupart de mes stats. Et tu fais des bons jets. Mais j'ai tout le temps fait 92. J'ai l'impression que mes dés étaient pipés sur 92. Je vais aller vérifier parce que. Résultat. Je pense que ça va conclure un peu. Alors, le mot pour la suite. Daz et Lame ne veulent pas du tout parler de ça entre eux. Ils ne veulent rien prévoir. Vous êtes comment? Vous allez gamberger un peu sur ce qui se passe? On va en parler. Moi, j'aimerais en discuter quand même un peu. Parce que je sais qu'elle ne veut pas les buter. T'inquiète que Lame, il a déjà un plan. Je sais que la prise d'otage, elle sait, quand même, ça fait 10 personnes d'un coup. Et tout. Et moi, je suis 10 personnes. Mais qu'est-ce que c'est que 10 personnes? On est dans un ça monde. Ça fait beaucoup de sang, tu vois. Mon personnage, il en a déjà vu beaucoup de sang. Tu sais, ils sont attachés, petit coup de pied au cul, ils sont morts, c'est bon. Hein. Ah, mais du coup, ça va être drôle parce que vous allez arriver tellement chaud à la table dans deux semaines. Vous allez être chaud patate. En tout cas, je vous remercie de vous avoir. Ils étaient bien 2000 pendant 3-4 heures. Donc, c'était merci à vous. Merci. Et on a hâte de vous retrouver dans deux semaines pour une nouvelle émission. On va essayer d'avoir un décor. On va gratter Trunks, mais de ouf. On ait des tentures ou des trucs sympas mais parce que là, c'est un peu noir. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve dans deux semaines. Merci à vous. Merci. Salut. Salut à dans deux semaines.